ceux qui veulent, ils le peuvent. Ça sera bientôt le roi des pirates. Le plus puissant sur la carte de Black Sword. Une nouvelle vidéo Black Sword tous les jours de la semaine. Une nouvelle vidéo Black Sword tous les jours de la semaine. Les amis, bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo sur Bloxfruit. Aujourd'hui, les amis, pas une vidéo du tout sur l'update 20 parce que je crois qu'on a pas mal fait le tour. Même s'il me restera quelques petits points à éclaircir, évidemment. On fera quelques petits trucs encore, mais là, les amis, on va tout simplement débloquer un nouveau style de combat que vous avez été énormément à me demander. Je parle bien évidemment du Superhuman, les gars. Celui qui précède le Godhuman, je crois. Si j'en crois les rumeurs, évidemment. Mais avant tout ça, bien sûr, avant qu'on acquiert ce nouveau pouvoir, ce nouveau style de combat, que dis-je, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en bas. Allez, oui, on rush les 200 000 abonnés sur cette chaîne. Et c'est pas moi qui vais créer 200 000 comptes pour le faire, les gars. C'est à vous de jouer. Et y a quelqu'un qui est en train de se massacrer le boss à côté là-bas. Bah écoute, bonne chance à toi, frérot. Bon, pour cette vidéo, les amis, j'ai dû malheureusement me séparer du Sanguine Art que j'affectionnais tout particulièrement. Et là, les gars, on est de retour avec le style de combat électrique, parce qu'il va falloir maxer ces trois styles de combat au maximum. Enfin, à maîtrise 300 en tout cas. Le électrique, le Kung Fu des hommes poissons et bien sûr le style de Sanji, à jambe de feu, tu connais. Donc pour l'instant, regardez les gars, je suis qu'à la maîtrise 103 de l'électrique. Voilà, on a que ça pour l'instant. En ce qui concerne le Water Kung Fu, le Kung Fu des hommes poissons, hop là, si on fait apprendre, et bah les gars, on est tout simplement à la maîtrise 300, donc ça c'est pas mal. On l'avait déjà maxé avec toutes ces petites attaques. Alors attendez, qui faisait un peu de dégâts quand même pas mal. Voilà, il y avait des petites attaques à 4000, c'était plutôt sympa quand même. Les troupes mortelles et boum. Ok, c'est parfait. Hop là, tiens, toi je te caillasse. Et le style de Sanji, les amis, qui était au niveau, alors attendez, maîtrise combien? Maîtrise 196, les gars. On a débloqué toutes les maîtrises, mais il va quand même falloir le maxer jusqu'au niveau 300. Oui, c'est compliqué. Du coup, les gars, c'est parti. On se rend directement en C3. On va partir pour aller se faire quelques petits cookie crafters. De toute façon, vous connaissez la chanson, les gars. Hop là, terre de gâteau, le meilleur endroit pour farm. Et évidemment, on n'est pas fou, les gars. On va prendre le Bouddha qui va avec. Et bah oui, heureusement qu'on a quasiment tous les fruits en permanent. Hop là, le Bouddha, on équipe ça easy, nickel. Petit haki, et boum, c'est parfait. Là on peut commencer à se taper. Bon évidemment les gars, ça fait pas énormément de dégâts hein. C'est voilà. Attendez, on va tous se les faire comme ça. On va tous se les ramener au milieu. Hop là, venez les petits potes. Moi je veux mes maîtrises. C'est vrai que le style de combat, je crois que c'est pas celui qui fait le plus mal. Hop là, un petit flying kick. Hop là, en plein milieu. C'est parfait. On prend nos petites maîtrises les gars. Breakdance, est-ce que ça marche sur tout le monde? Oh là, ça marche pas du tout sur eux. Mais ils m'ont défoncé. Ça a pas du tout marché sur eux les gars, le breakdance. Qu'est-ce qui se passe les gars? Vous aimez pas la danse? C'est ça? Attendez, je peux pas accepter ça. Breakdance. Ah voilà, là ça cogne. Là ça cogne tout de suite. Barrage. Ok, barrage kick. Ok, flying kick et boum. On casse le sol, mon pote, on casse le sol. Bon, attendez, je vais leur mettre un petit coup de breakdance quand même là. Ils m'ont chauffé. Et breakdance, boum. Oh là 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 là, pardon, ok, il en restait pas mal. Autant pour moi. Et un petit coup de barrage. Ça y touche pas, je vais mourir. Ah, ouhouhou, on a failli mourir, un petit coup de breakdance encore. Bam. Hop, et un flying kick sur le restant. Quoi? Comment je suis mort? Quoi les gars? Non mais merci. Merci à vous d'être témoin de ce genre de bug, par pitié. C'est une dinguerie. Bon, je vais les commencer comme ça, hein. Je vais les commencer à l'épée, à la Yoru, ça fait beaucoup plus mal. C'est ça l'avantage. Overhit évidemment, hop là, la jambe de feu. Boum. On les enflamme les frérots. Hop là, flying kick. Et boum, toi tu prends aussi. Ça va les gars, on devrait y arriver assez vite. On est déjà à la maîtrise 213. Et les gars, mais quel sacré flow quand même, les jambes en feu là, c'est une dinguerie. Ok les gars, j'ai réussi à monter maîtrise 294. Il me manque plus que quelques petits cookie crafters. Waouh, ça va, tout doux les copains, tout doux. Vous voulez quoi? Vous voulez un barrage? Boum. Ok, pardon, je me suis trompé de touche. C'est breakdance que je voulais faire. Allez, tiens, prenez ça. Venez à la fête, on est bien. Gros barrage dans votre tronche. Ça veut pas les tuer. Ok, vous l'aurez voulu. Over it. Flying kick. Alors, et breakdance. Plus que deux maîtrises, allez, c'est bon là, on a fini. Ok. Bam. Ok, c'est parfait les gars, maîtrise supérieure 300. Enfin, on a réussi. C'est bon, c'est parfait, on peut retourner en C2, aller chercher le truc électrique. Let's go. Ah, pas là, vite, je veux me barrer de là. C'est bon, j'en ai marre de la jambe de Sanji. D'ailleurs, les gars, elle a pas une V2, ce truc là? Est-ce que ces styles de combat ont des V2? Parce qu'en vrai, je pourrais les tester, je suis même pas sûr d'avoir fait des vidéos sur ces styles de combat en vrai, au tout début. Avant toute chose, les gars, j'aimerais passer au petit café, voilà, parce que je crois qu'avec l'update 20, j'ai gagné quelques petits titres et je suis curieux de voir. Couleur spécialiste. C'est quoi? C'est les couleurs d'aura? Oui, bon, bah ça, on s'en fiche. Moi, je me sens très bien avec le violet pour l'instant, je suis très bien. Et toi, mon petit pote, title spécialiste, il y aurait pas un petit titre qu'on pourrait avoir là? The Unleashed, activer le titre. Unlock Human V2. Ok, ça, on l'avait fait, mais je voulais pas encore montrer. Voyons voir un petit peu ce qu'on a débloqué. Thunder God, c'est pas mal, hein, les gars. Colossal God, c'est pas mal aussi. The Unlucky, ça m'irait très très bien sur ce jeu. Iron Man, les gars, il y a Iron Man et personne m'a prévenu. Je veux être Iron Man, attendez, c'est une dinguerie. Ah, c'est vrai, on avait eu Terror Bringer.
Tiger, défoncer 10 Terror Shark, les gars. Ça, c'est stylé. Et Abyss Tamer, finir 50 événements de la scie. Ok, d'accord. Bah, je crois qu'on va rester sur Iron Man, je crois. Hein. Oh, Dragonborn, des blocs souffle du dragon. Titré face Skyrim, les gars, c'est stylé. Moi, je veux Iron Man, parce que Iron Man, c'est quand même bien stylé. Merci beaucoup, frérot. Je suis donc Iron Man dorénavant. Quand j'écris, normalement, c'est. Bah voilà, Sam Iron Man. Bah, c'est parfait, ça. Merci beaucoup. Nickel, les gars, je suis Iron Man. Parfait, tout ça. Bon, en attendant, cessons les bêtises, les gars. Il faut quand même qu'on retourne changer notre style de combat pour de l'électricité folle. Et je crois que je l'avais même pas fini, les gars. Je crois que j'avais même pas eu toutes les maîtrises de ce style de combat. Donc on va découvrir ça ensemble. Hop là, le scientifique fou. Donne-moi la maîtrise, frérot. Ok, nickel. Bon, attendez, voyons voir. Faut que je me remémore un petit peu tout ça. Bon, lui, il est en train de se battre. On va le laisser tranquille. Ok, salut toi. Ok, donc là, on tape juste en électrique. Ok, ça cogne, ça cogne. Ça cogne du mille combien? C'est pas énorme, en fait, les dégâts que ça fait. 1700, ok. Piétiner, c'est quoi? Ok, ça fait un gros impact au sol. C'est pas énorme. Tac l'électrique. 3000, c'est quand même pas mal. On va refaire le piétiner là. Boum. Ok, gros impact au sol. 2600. Ok, bon, bah, les gars, attendez, on va. Vous connaissez la chanson, de toute façon, voilà, j'ai plus besoin de vous le répéter, on va aller farmer ça en C3. Mr. Captain, emmenez-moi là-bas. Hop là, on connaît la chanson. Coucou les petits loups. Ok, on va quand même prendre le Bouddha. Faut pas déconner. Ok, ça va, on peut les défoncer assez rapidement quand même. Je pense qu'on va prendre nos maîtrises direct. Attendez les gars, on va tous les réunir. Allez, venez par là les petits loups, venez par là. Ne soyez pas timides. Je pense que sur les attaques de groupe, le piétiner, ça peut bien marcher. Ok, ça a un peu galéré, ça a un peu bugué. Tac l'électrique, ok, ça les défonce. Bah au pire, on va juste les taper au pire, hein. Sinon qu'est-ce qu'on attend? Voilà, juste on les tape, on les cogne, donnez-moi mes maîtrises. La prochaine maîtrise est quand même au niveau 200. Plancher électrique, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Prenez ça. C'est satisfaisant quand même, on les enchaîne plutôt facilement. Ah non, toi par contre, c'est pas le moment de venir m'embêter. Ah, mais voilà, un mec avec une V4, c'est parfait ça. Viens m'embêter pour voir. Parfait, nickel. Et tu vas te prendre tes trucs aussi? Tiens, prends-toi ça. Mais oui, mais c'est parfait ça, mon grand, c'est parfait. Mais viens m'embêter quand j'ai plus de haki d'observation. Viens m'embêter. Et tu fuis quand tu commences à te prendre des coups. Pétochard, pétochard. Allez, c'est parfait, c'est parfait. Ça attaque en traître, c'est parfait. Nickel, mon pote, nickel. Je dirais bien beaucoup de choses, tu as de la chance que je suis Adfriendly. Petit sacré pan, tête de nœud. Moi, j'ai des maîtrises à gagner, mon pote. J'ai pas que ça à faire que de jouer avec toi. En plus, il m'a emmené un cookie crafter tout là-bas. T'as pas honte? Tu l'as éloigné de la maison. Voilà, retourne là-bas, toi aussi. Ok, les petits gars, la dernière ligne droite avant la maîtrise 200, les gars. Allez, venez par là. On va vous commencer à la Yoru et on va finir à la Claude François. Petit trèfle culturel. Hop là, boum. À la Claude, à la François, à la Claude François. C'est horrible, les gars. Je me rends compte que c'était horrible. Ok, c'est parfait les gars, new skill available. Voyons voir c'est quoi le plancher électrique. Essayons ça à vide avant qu'il y ait personne. Ok, déjà on arme l'attaque, c'est bien stylé. Et boum, ok, plancher électrique. Ah ouais, ça doit les mettre mal. Ça doit les mettre mal et c'est une parfaite attaque de groupe les gars. Attendez, attendez, il faut qu'on teste ça quand même. Allez les gars, on va tester le plancher électrique, c'est pour vous tous. Allez, pas de jaloux, venez tous ici. Ok, plancher électrique. Non, je me suis trompé de touche, pardon, excusez-moi, j'ai dit. Planche électrique, et voilà, là, on les électrocute, là, ça marche. Piétiner. Ah, ils m'ont défoncé quand même, hein. Ils sont beaucoup, là, regardez-moi ce petit troupeau. Oh, attendez, j'ai pas dit mon dernier mot, là, quand même. Évitez de mettre les doigts dans la prise. Et voilà, boum. Merci les petits potes, ça fait plaisir. Ouah, c'est satisfaisant comme attaque. Si on les défonce comme ça à chaque fois, c'est très satisfaisant, moi, ça me va. Bon, allez, les gars, on est à la maîtrise 208, et comme vous le savez, il faut aller jusqu'à la maîtrise 300 pour pouvoir débloquer enfin le Super Human après. En avant, les gars, c'est reparti. Enfin, les amis, maîtrise 200. 196, on y est arrivé les gars. Bientôt arrivé à la maîtrise finale de l'électrique pour tout simplement acquérir le Superhuman. Allez, venez là, le reste là. On défonce le reste, normalement. Il me manque plus que vous à défoncer. Pour finir tout ça, on va passer Mastery 300. Allez, venez. Et on commence avec un plancher électrique. Un petit tacle. Et le piétinement. Oh, ok. Attendez, on va faire ça vite, les gars. On n'a pas une seconde à perdre. Aïe. Il m'agresse. Allez, boum. Allez, toi, tu prends tout ce que tu... Eh oui, les gars. Maîtrise supérieure 300. C'est parfait, les gars. On a enfin terminé. Ceci étant fait, maintenant, on va pouvoir retourner en C2. Hop là, c'est parfait, les gars. Je vais vous montrer, pour ceux qui ne savent pas. Après, je crois que je suis le seul au monde à pas savoir, hein, les gars. Enfin, je suis le seul au monde qui ne savait pas. Mais je vais vous montrer l'emplacement du sensei qui va nous montrer comment utiliser le Superhuman. Si mes informations sont bonnes, les amis, il va falloir qu'on se rende tout de suite à l'île de neige. Et voilà, c'est tout ce que j'ai comme info. Voilà, on m'a dit que c'était à l'île de neige et on m'a dit ouais, trouve une porte secrète et tu trouveras le sensei de Superhuman. Eh bah maintenant faut le trouver. Je sais pas où c'est. Il y a une porte dans la glace peut-être. C'est ça la porte. Non, c'est juste mauvaise texture. D'accord. excusez-moi. Bonjour. Est-ce que vous savez il y aurait une porte en fait pour apprendre le Superhuman? Non, mais en fait vous êtes très agressif monsieur. Je tenais à vous le dire. Voilà. Il me frappe là. Oui bah il fait son caprice, il tape par terre. Bon allez c'est bon frère. Peut-être par là. Dans ses environs. Oh oui ça ressemble. Oh mais quoi? Eh bah comme par hasard. La fille de ma mère, c'était pas scripté les gars. Eh bien apparemment c'est par ici qu'il faut se rendre. M'aventure dans ce lieu sombre et étrange à la recherche du sensei qui va m'apprendre le Superhuman.
Ce fameux style de combat dont tout le monde parle. Mais où est ce sensei? Oh, bonjour sensei. Wesh mon gars. Eh ben en détente le sensei. Eh bien je viens pour que vous m'appreniez certaines choses. Martial Art Master. Alors voyons voir ce que vous avez à m'apprendre monsieur. Parlez. Voulez-vous apprendre le style de combat Superhuman pour 3 millions? Ce style vous permettra de détruire le corps de vos ennemis avec de puissantes attaques et 3 habilités spéciales. Les gars c'est parfait, on a précisément 3 600 000, et ben on la prend directement Superhuman Learned. Et oui, on enchaîne les styles de combat. Et les amis, c'est bon, on a débloqué enfin le Surhuman. Du coup, c'est ouais, le Superhuman quoi. Oh, c'est stylé. Depuis le temps qu'on m'en parle, les gars, depuis le temps qu'on m'en parle. Déjà, je suis très ému parce que c'est la dernière vidéo de la Blox Week, les gars. Je tenais à faire une petite parenthèse pour vous dire que j'avais super kiffé cette semaine. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous aviez super kiffé aussi bah, la Blox Week. Bah, pour ceux qui sont en retard, et bah, c'était une vidéo Blox Route par jour pendant une semaine. J'ai beaucoup kiffé faire ça avec vous, les gars, avec tous les abonnés. C'était une dinguerie. Et on commence un jour peut-être, voilà, si vous êtes chaud. Bon, en attendant, voyons voir ce que donne ce style de combat. Attendez, là on tape, du coup ça c'est on tape normal ça. Attendez, on tape du combien même? Parce que moi là, les gars, je vais le comparer avec le nouveau style de combat, les gars, avec le Sanguinart. Donc là on tape du combien? 1800, ok, en vrai ça va. Et avec le Haki, on tape du combien? 2100, ça va en vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est carré. Et on a donc bien 3 maîtrises. À la maîtrise 110, chouette, bête, rebondir, ok. Maîtrise 220, frappe du tonnerre. Et maîtrise 330, pistolet conquérant. Ça, moi, je sais pas si vous donne envie. Moi, ça me donne envie. Moi, un pistolet conquérant, moi, je trouve ça stylé. Ok, bah, c'est parti, les gars. Attendez, on va pas perdre une seule seconde. On va les défoncer un petit peu. Je sais pas s'ils vont me donner assez de maîtrise, mais bon, j'ai quand même envie de découvrir la première. La chouette bête rebondir. Oh, y'a de voir ça. Allez, donnez-moi mes maîtrises, les frérots. Donnez-moi mes maîtrises. Je veux la chouette bête rebondir. Bon, attendez, y'a pas un petit boss quelque part là? Attendez, au crâne. Est-ce qu'il y aurait pas le petit boss du crâne ou quoi? Le frérot, non, il est pas là. Je suis déçu. Et bah, c'est vous qui allez bouffer, les gars. Bah oui. Hop là, sur Human dans vos tronches. On va se tester ça. Allez, donnez-moi mes maîtrises, les gars. Je veux la première habilité et fast. Allez, plus qu'une dizaine de petites maîtrises. Faites pas les radins, allez. Ok, peut-être que c'est toi qui vas me donner. Non, pas du tout. Eh bien, ce sera toi, l'heureux élu. Allez, donne-moi mes maîtrises, mon petit pote. Et boum, new skill available, les gars. Chouette bête rebondir, maîtrise 110. Alors attendez, on va la tester à vide. Qu'est-ce que ça fait? Ok. Alors attendez. Ça fait une sorte de petit rush là. Ah, de l'eau. Ok, maintenant bah, on va tester ça sur toi, mon pote. Si soldier, tiens-toi prêt parce que j'arrive. Ok, et ça lui fait... Oh, 3... Eh, les gars, première attaque, 3700 de dégâts. Hein. Ça, c'est une dinguerie quand même. 3700 de dégâts dans tes os. Et boum. Et avec la V3, voilà, on augmente un petit peu le style quand même. Hein. Eh oui. Non, les gars, ça va être une dinguerie. Si la première attaque, c'est du 3700 comme ça, ça va être un truc de fou, frère. Je suis curieux de voir si ça marche sur les groupes. Mais les gars, de toute façon, vous connaissez, les gars. Allez, hop là, on se barre en 6-3. J'ai fait tout ce que j'avais à faire en 6-2. Ok, y a pas quelqu'un à défoncer? Ouais, les gars, j'ai envie de taper quelqu'un, là. Je sais pas, j'ai été pris d'une envie de frapper quelqu'un avec... Ma Dark Blade. Ils sont où les méchants là? Oh bah tiens, un méchant. Reviens là mon pote. Oh, reviens là. Je casse ton boat, frère. Oh, il a le mammouth. Oh la dinguerie. Ok. Oh, je peux pas changer mon truc en plein combat. Hop là, toi tu vas prendre, frère. Oh là là, il va me charger dessus avec le mammouth. Et tiens, mange. Oh là là, frère, il va me défoncer, il veut m'attaquer. Attendez, on va le faire valser. Ça va pas lui faire du dégât, mais on va le faire valser. Boum 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 boum. Et comme ça on le stoppe 2 secondes. Oh là 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 là, il m'a mis une sacrée attaque. Ok mon pote, ok. Et viens là. Ok. Oh, quoi, l'attaque elle a pas marché? Ok. Attaque de la beast. Oh, le rebondir. Ah ouais, mais non, mais c'est une dinguerie. Ça marche pas, gros, ça le traverse. Mais gros, je lui fais pas de dégâts, mais c'est une dinguerie. Pourquoi mes attaques, elles lui font pas de dégâts? C'est quoi sa hitbox? Ils ont nerf la hitbox ou quoi du truc? Je lui tire en plein dessus, frère. Je lui tire en plein dessus, c'est une dinguerie. Oh, y'a le boss, Faritas. Ça, c'est chouette. Salut mon pote, comment ça va? Oh, j'aurais plus rien à faire du mammouth. Maintenant, moi, je m'attaque au boss, hein, les gars. Il faut faire level up tout ça. Allez, on fait level up tout ça, les gars. On le défonce, le boss Faritas. On augmente les maîtrises. Voilà, moi, j'en ai plus rien à faire maintenant. Tête de neuf, frère. Attendez. Je veux prendre le Bouddha. Vite. Bouddha. Ok, frère, t'es foutu, frère. Viens là maintenant. Allez, viens là. Alors. T'as peur ou quoi? Allez, prends ça pour tes attaques, mon pote, pour tes attaques. Je te chlasse. Ah, il met le Stampede. Ok, tu veux jouer à ça? Tu veux jouer au Stampede? Ça le fout, frère. Ok, voilà, mon pote. Bah oui. Comment ça, si je pisse sous skill? Le frérot, je l'ai défoncé. Voilà, mon pote. Moi, je te demande, moi. Tu veux faire le fou, con? Ah oui, mais Bouddha Dark Blade aussi. Bouddha Dark Blade. Tu peux rien faire contre ça. Allez, c'est parti, on se casse directement. Revoir nos frérots, les Cookie Crafters, les gars. Il faut qu'on augmente les maîtrises, et oui. Hop là, il faut que je reprenne le Bouddha aussi, surtout. Très important. Allez, vous allez manger. Vous allez manger, les petits frérots. On va voir, est-ce que l'attaque de groupe, elle fonctionne? Est-ce que chouette bête rebondir, ça marche sur les groupes comme ça ou quoi? Bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Boum!
Pas du tout, ça marche même pas en Bouddha, super. C'est éclaté, nickel. On va devoir le faire comme ça, à l'ancienne, et boum. Ok, ça marche pas, d'accord, c'est nul. Ok, d'accord, ça marche pas pour les attaques de groupe, c'est vraiment naze. Super. Ouais, ça a l'air sympa votre super human là. Ça a l'air génial. Bah là pour l'instant les gars, moi je suis plus team sanguinart, hein. Vraiment là, en termes de flow et tout, en termes de dégâts même. Voilà. Bon après, c'est une nouvelle maîtrise comparée à une qui date, hein. Voilà, c'est vrai. C'est moi qui arrive en retard les gars, c'est vrai. Attendons de voir les prochaines habilités. Et pour ça, il va falloir qu'on arrive jusqu'à la maîtrise 220 pour la prochaine habilité, oui. Bon pour l'instant on les spam hein les gars, moi je farm là, je suis en farming simulator, je les spam. Voilà, tout doux. Ok, maîtrise 214, les gars, on va peut-être bientôt débloquer la frappe du tonnerre, hein, la maîtrise 220. C'est parti. Allez, viens là, moi je vous castagne tout, je vais tous vous prendre un par un, voilà, donnez-moi mes maîtrises un petit peu. Hop là, 215, et la 216. Je vais faire manger vos mentons, frère. Et 218. Et la 219 pour la table 2. Et le dernier, le frérot. Salut mon pote, et boum. Allez, mange-toi ça. Et le coup de peau final, new skill available, frappe du tonnerre. Alors attendez, voyons voir ce que ça donne, ça, frappe du tonnerre. C'est censé donner quoi? Bon, là, j'ai mis ma V3, mais bon, on va voir quel dégât ça fait. Oulala, oh la dinguerie! Oh, j'active le mode Super Saiyan, c'est quoi cette dinguerie? What? Attends, quoi? Ok, alors attendez, c'est une dinguerie. On charge sur le sol, les gars, on puise l'énergie de la terre. Alors attendez, les dégâts, ils comptaient pas parce que j'étais en V3. Ok, c'est bon, frappe du tonnerre, on attend, ça charge, boum! 3700, ok, c'est pas mal. Attaque à 3700 plus une autre attaque, et boum! Déjà, toi, t'exploses. Attendez, c'est du combien, cette attaque? C'est du 4300. Ah, j'avais oublié. 4300 et le deuxième du 3700. C'est que ça commence à devenir intéressant, tout ça. Boum. Le truc, c'est que on m'attaque pendant que je fais mon attaque. Ça, c'est chiant. Le chouette bête rebondir est un peu saoulant comme attaque, quand même. Un peu saoulant. Impulsion, frappe du tonnerre, impulse. C'est stylé. Elle a quand même un flow cette attaque. C'est surtout la charge de l'attaque, les gars, qui a vraiment un flow de fou furieux. Wouhou! Mais je me suis barré en super héros. Mais c'est pour ça en fait le super human. Non, mais les gars, attendez, regardez quand on charge l'attaque. La dinguerie. Je soulève la terre. C'est une dinguerie de fou, frère. Mais attendez, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle super human. Regardez, on se barre en super héros quand on fait ça. C'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle super human. Bon, les gars, il nous manque juste le pistolet conquérant la maîtrise C à 330 de maîtrise, les gars. Ça ne va pas être une mince affaire. Mais on se retrouve après ce farm de fou furieux. Les gars, maîtrise 327, c'est bon. On a bientôt terminé, on va bientôt avoir le pistolet du conquérant. Faut juste que je les termine, je les tabasse. C'est moi qui les écrase. Allez, venez là, les petits cookie crafters. Donnez-moi mes maîtrises, les petits loups. Ah oui, c'est bon, les gars. New skill available. Ça, c'est parfait, les gars. Pistolet du conquérant. Alors, attendez, déjà, ça donne quoi? Mais c'est quoi cette attaque? Mais les gars, on dirait qu'il a un fessier brillant. Bon, alors, voyons voir. Pistolet conquérant, c'est quoi ça? Ok, d'accord, c'est juste un rush. Attendez, parce qu'il y a la chouette rebondir là, voilà, qui met ça. Ok, c'est pas mal. 3500. Frappe du tonnerre, rappelons-le. Boum. 3800. Pourquoi ça faisait plus de dégâts tout à l'heure? Je comprends pas ce qui se passe, les gars. Mais le pistolet du conquérant, combien ça fait de dégâts? Boum. 4100. Ah ouais, mais d'accord, mais ça le propulse en fait. Aïe 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 aïe. Oh ouais, salut frérot. Et toi, tu touches pas à mon pote. Boum. Boum. Et boum. Ah, ça marche que sur un, ça c'est dommage les gars. Y'a pas assez d'attaques de groupe. Non, franchement, du coup, moi les gars, en vrai, je vais pas dire que je suis déçu parce que le style est quand même vraiment vénère. Mais vu que j'ai fait le sanguinart juste avant, bah du coup là je peux pas m'empêcher de comparer les gars. Je crois que le sanguinart il surpasse. Après les amis, je crois qu'il y a le style God Human. Et ça, bah peut-être que c'est mieux les gars. Peut-être que c'est mieux que le sanguinart, je pense que c'est mieux que le super human. Mais ça, il va falloir me le dire en commentaire parce que moi je suis pas au courant les gars. À votre avis, est-ce que le God Human va enterrer le sanguinart? Ou alors est-ce qu'il surpasse tout? Parce que là pour l'instant le superhuman il est pas à la hauteur les gars. Il est pas à la hauteur du tout. Mais c'est quand même stylé, attention. Regardez-moi ce cosplay, vous le connaissez. C'est le cosplay du famoso Brook. Parce qu'aujourd'hui les amis, Bloxfruit ont sorti une petite mise à jour. Un petit event pour Halloween. C'est la mise à jour Halloween officielle. Ils ont tout simplement rework le fruit de Brook. C'est plus du tout le fruit du revive. C'est le fruit du ghost maintenant, le fruit du fantôme. Mais avant qu'on commence à l'utiliser les amis, et que je vous montre un petit peu tout ce qui s'est passé dans cette mise à jour, abonnez-vous. Mettez la cloche et likez en balle, on rush les 200 000 abonnés. Et je sais que vous pouvez le faire les gars. Bon, alors attendez, voyons voir. En plus je crois qu'on l'a en notre possession. Le petit fruit, ok, il est là, le ghost fruit. Regardez-moi ça, déjà les gars, on peut l'avoir dans nos mains. Il est incroyable. Je le trouve super stylé, un peu transparent, un peu trop cool. Avec les petites animations et tout, c'est ça qu'ils ont rajouté au fruit les gars. Et c'est incroyable. Bon, qu'est-ce qu'on attend les gars? Oh, c'est parti, on va le manger directement. Et voir les nouvelles habilités, c'est comme si on découvrait un tout nouveau fruit, les gars. Le fruit du ghost. Et d'ailleurs, oh quoi? Maîtrise 130 et j'ai pas débloqué la maîtrise 150. Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut carrément que je monte mes maîtrises. Mais il me semblait pourtant que j'avais déverrouillé la V maîtrise sur le revive. Peut-être qu'il y avait que 130 maîtrises à l'époque, je sais plus. En attendant, voyons voir.
voir. Donc on n'a pas de clic, ok. Shivering pulsation, ok. Qu'est-ce que ça fait? Ok, c'est un rush. Oh ouais. Attendez, attendez. C'est... Bon, on lui a fait une attaque à 3500 quand même. Ouh là 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 là. Attendez, tout doux, tout doux. Ok, on va voir combien elle vaut si je mets tous mes items. Attendez. Hop là, bon, je suis désolé, on doit enlever le chapeau de Brooke. On va mettre l'écharpe de Katakuri. Hop, nickel. Écharpe Katakuri plus Haki. Voyons voir combien de dégâts on lui fait. Et boum, avec la Shivering pulsation. 3600, ok, ça va. Bon, en fait, ça change pas énormément, en vrai. On va remettre notre petit chapeau. Ok, mais c'est quand même bien stylé. Waouh, 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 qu'est-ce qu'il veut, lui? Casse-toi, toi. Hop là, ça va, je lui fais un peu de dégâts. Un peu moins, mais un peu de dégâts, quand même. Tu veux quoi, toi? Tiens, mon pote. Boum, boum. Tu veux t'en prendre à moi, petit bouddha de pacotille? Bah tiens, mange-toi tout ça. Waouh, il veut m'agresser. Il veut m'agresser. C'est un malade. Ok, il a bientôt plus de vie, en plus. Bah, reviens. Reviens, frérot. N'aie pas peur. Et boum! Ok, on a réussi à lui faire un petit peu de dégâts, mais pas énormément. Tiens, prends-toi ça et boum, dévoreur de monde! Allez, tiens, mange-toi ça, mon pote! Et moi, je me casse! Il te reste de la vie encore! Et boum, le rush! Oh oui, j'ai réussi à lui mettre des dégâts! Et boum, c'est parfait! Scarlet Tear, viens là, reviens là! T'as voulu t'en prendre à moi, frérot? Ok, il va se reprendre un dévoreur de monde! Il n'est pas prêt! Boum! Voilà, t'as voulu t'en prendre à moi, mon pote? Et bah, c'est comme ça que ça se passe! Laisse-moi découvrir un peu ce nouveau fruit, frérot! Ok, donc la Shivering Pulsation. Ok, on l'a déjà, elle est bien bien cool. Elle fait pas mal de dégâts, c'est bien stylé. Pour une première attaque, c'est un petit rush de base. Et waouh waouh waouh, arrête de m'agresser, frérot. Ok, ensuite on a quoi? On a le Spectral Release et boum. Ok, ça fait quoi? What? Attendez, je lui ai mis du 4300. Attendez, il me dit pas qu'il revient pour la vengeance, lui là-bas. Ce serait un peu abusé. Tu reviens pas pour la vengeance, frérot, quand même. Hein? Tiens, prends ça pour voir. Aussi, il revient pour la vengeance. Oh là là, en tout ce qu'on lui met, en tout ce qu'on lui met. Bah alors, frérot, attendez, on va essayer la Spectral Release sur lui. Boum! Ok, ça va, un petit peu de dégâts, c'est pas mal. Oh, le pauvre, il a plus de vie. Viens là, frérot, viens là. Allez, boum. Et dévoreur de monde. Mais alors, mais qu'est-ce qui t'arrive, frérot, mon pote? Ah bah, ça veut utiliser Bouddha, parce qu'on lui a dit que c'était bien, mais ça sait pas le jouer. Le pauvre. Bon, est-ce qu'il va revenir encore une fois? C'est ça, la question. Ok, voyons voir, les pirates baillonnaires. Donc, attendez, Spectral Release. Donc, c'est quoi? C'est on libère les esprits, c'est bien stylé, en vrai. Et c'est une attaque, quand même, à 4400. Elle est très, très vénère. Ouh là là, ça me lance des tornades? Bah tiens, prends-toi ça, mon pote. Ok, donc pour l'instant, c'est stylé. Pour l'instant, franchement, je kiffe beaucoup. Spectral Release encore, ok. Et c'est une attaque de groupe, j'imagine, attendez. On va essayer de les réunir un petit peu, là. Tiens, vous deux, là, venez là, les deux. Hop là, est-ce que là, déjà, la Shivering Pulsation, est-ce qu'elle passe sur les deux? Oui, ok, ça peut les traverser les deux et ça les explose, nickel. Et la Spectral Release, évidemment que c'est une attaque de groupe, c'est bien bien stylé. Ça, pour farm, c'est pas trop mal. Ensuite, attendez, attendez, c'est vrai qu'on a la maîtrise F, quand même. Âme errante, donc ok. Ah ouais, ah, ils ont vraiment rework le design, c'est vraiment une dinguerie. Non, il est trop beau. Il est trop beau. Le design est incroyable. Ok, c'est stylé. Moi, j'aime beaucoup. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour l'instant, le rework, j'aime beaucoup. Ça change vraiment de l'autre, quoi. Ok, Oh là là, pardon, attendez, j'ai fait une attaque. Oh là, ça leur fait quoi, là? Cries of Underworld? Voyons voir ce que ça fait, là. La maîtrise sang, là. La Cries of Underworld. Voyons voir, c'est censé faire quoi? Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, c'est une dinguerie. Oh, je leur ai fait mal, hein. Attendez, parce que là, genre, j'ai fait qu'à une personne, mais normalement, ça fait à peu près du 4500 dégâts, là. D'ailleurs, on n'a plus aucune trace du Bouddha. Je crois qu'il est parti pleurer dans les jupons de sa maman. Boum. Ok, ça fait carrément du 4800. Ah ouais, non, l'attaque, elle est super vénère. Excusez-nous. Désolé. Ah ouais, non, c'est pas mal, hein. C'est super fort. Oi, oi, oi. Amérante, ça fait pas de dégâts, j'imagine. Non, je crois que ça fait vraiment pas de dégâts. Mais celle-là, elle est vraiment ouf, hein. Oh, cette attaque, elle est incroyable. Même au niveau du style et tout, du design. Franchement, je kiffe beaucoup trop, les gars. Ils ont vraiment fait un gros, gros taf de rework. Ok, bon, bah, les gars, attendez. Maintenant, il nous reste plus qu'à aller monter la maîtrise 150, la Ghostbusters. Je suis curieux de voir ça. On va prendre un petit bateau. Hop là, petit bateau. Parce que je peux pas prendre d'autres fruits, perdre. Sinon, je perds le Ghost Fruit. Allez, c'est parti. Donc, ça, les gars, en théorie, c'est la deuxième big mise à jour qu'on devrait avoir jusqu'à Noël. Parce qu'on a eu, bah vous savez, du coup, la mise à jour de l'update 20 qui était bien bien stylée avec énormément de choses, les gars. Franchement, l'update, elle est folle. Ensuite, du coup, on a celle-ci où il y a un petit rework de ce fruit plus des nouveaux sea events et des nouveaux coffres, les gars. Des nouveaux coffres qui donnent énormément d'os. Je vais vous montrer après à quoi ça va servir. Et sinon, le sea event, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais il me semble que c'est des bateaux fantômes qui ont vraiment l'apparence de fantômes. Mais je crois qu'ils avaient vraiment l'apparence de fantômes avant, sauf que là, ils vont être un peu plus en surbrillance. C'est tout. Enfin, vous allez capter, on essaiera d'aller voir ça. Oh là là, ça se bagarre là-bas, qu'est-ce qui se passe? J'espère que personne s'en prend à mes petits cookie crafters. C'est les miens, je les ai acquéris, d'accord, au cours de ma quête sur Bloxfoot. En plus, ça c'est pas mal, les gars, parce qu'on a pas mal d'attaques qui vont vraiment marcher sur les groupes en fait. Et vous connaissez les cookie crafters, c'est un petit groupe de potes, et on les connaît bien maintenant. On va les défoncer facilement. Moi, je vais chercher les cookie crafters en ce moment. Ok, c'est parti. En avant, voyons voir.
Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là, les Cookie Crafters. Ok, déjà, on va les attirer au milieu du ring. Allez, venez là, les petits potes. Allez, tout le monde ramène sa caboche. Nickel. Parfait. Essayons ça maintenant. Les petites attaques sur les groupes. Ok, le Spectral Release. Boum. Ok. 31 000 quand même. Hein. 31 000 de multiplicateurs sur tout le monde. Hop, la Cries of Underworld. Ok, c'est stylé. Oh là là, la Shivering Pulsation sur tout le monde. Oh là 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 là, mais c'est trop vénère. C'est trop vénère. Toutes les attaques sont des attaques de groupe. C'est trop stylé. Ok, je pense qu'on va peut-être pouvoir les finir avec le Cries of the Underworld. Et boum. Oh là là, la dinguerie. Et on passe nos maîtrises, du coup. On a passé toutes nos maîtrises, c'est parfait. Maîtrise 155, donc voyons voir ce que ça fait le Ghostbusters. Qu'est-ce que ça fait? Oh là là. Oh la dinguerie. Oh, ça a créé des mois. Ça a créé des fantômes de moi. Mais quelle dinguerie. What? Mais c'est un truc de fou, ils me suivent et tout. Attendez, attendez, et ils sont attendez, regardez comment ils sont avec leurs mains et tout. C'est comme si moi j'utilisais le Sanguinart. Me dites pas qu'ils... Oh, oh, ils ont couru sur un mec. Wow. Attendez, mais ils viennent de se faire défoncer en deux secondes par contre. C'est pas dans le contrat ça. Ok, attendez, on les remet. Vas-y, attaquez-le. Oh là là, ça fait du Sanguinart sur... Ah ouais. Ah ouais, ça utilise le Sanguinart et ça l'a mis quand même à la moitié de sa vie. Mais c'est trop pratique. C'est une dinguerie, les gars. Attendez, mais quoi? C'est un truc de fou quand même ce qui vient de se passer en vrai. Oh là là, mais what? Ghostbusters, mais attendez, j'ai envie de voir comment ça marche sur un mec. Du coup, là, les gars, Ghostbusters, ça envoie des mini-mois, deux mini-mois en mode spectral qui vont défoncer le bouc avec mon style de combat. Mais ça, c'est une dinguerie. Par contre, pourquoi ça me fait une moustache comme ça? Je suis pas d'accord avec ça, les gars. Oh là là. Border un peu ce qui se passe. Il va falloir que j'aille trouver quelqu'un. On va remettre l'écharpe de Katakuri. Où est-ce qu'ils sont? Les petits frérots. Bah là-bas, il y a un abonné, mais on va pas s'attaquer à un abonné, les gars, quand même. On va essayer d'aller se faire le Bouddha là-bas. Je veux tester ça sur un joueur. Allez, viens, mon pote. Tu veux venir? Allez, viens. C'est dangereux, l'eau, pour toi. Allez, grimpe. Ah bah ouais, mais si tu meurs aussi, frérot, ouais, bon bah écoute, je peux plus rien pour toi. Au bout d'un moment, tu fais pas d'effort. Allez, faut monter sur le boat là. Allez, c'est bon. Et bah voilà, quand tu veux. Bon. Ok, il faut que je teste cette attaque absolument sur un bug. Oh, le frérot. Abonnez-vous qui. Wesh. Pourquoi? Mais. Il m'a carjack. Il sait pas c'est quoi, je me suis pris un vieux bug là. Ok, c'est bon. Bon, où sont les gens là? Ok, il y a du monde là-bas sur le château sur la mer. Allons voir ça. Bon, par contre, il est où le Bouddha là? Parce que bon, je vais pas faire les 7 mers pour le trouver quand même. Ah, il y a moyen qu'il soit au niveau du château hanté. C'est pas mal tout ça. Ça va nous mener à la prochaine étape du rework de toute cette petite mise à jour. Ok, bienvenue à tous au château hanté. Parfait. Ouh, bon, on va aller voir le petit Bouddha là. Où est-ce qu'il est déjà? Le petit Bouddha. Bouddha, il va falloir qu'on se teste ça. Oh, il y a un autre mec. Ok, il y a un autre mec. On essaie le ghost. Tiens, mon pote. Ok, je vais envoyer le ghost. Oh là là, ça lui fait des dégâts un peu. Oh oui, ok. Ah non, il est en train de les annihiler. Il est en train de les annihiler. Autant pour moi. Repli, repli à la base. Repli à la base. Ok, ils sont très vénères. Repli, ils sont en train de s'attaquer tous. Tiens, les cris du monde entier. Oh là là, je l'ai raté. Ouais, c'est foutu, les gars. Ah, je suis mort. Je suis mort, les gars. Je suis une amérante, laissez-moi tranquille, à l'aide. Je mets mes Ghostbusters quand même, au cas où. Tenez, prenez-les. Oh, ah oui, les gars, aussi, autre habilité. Oh oui, j'avais oublié. Là, en fait, je viens de me faire tuer, mais ça m'a mis à la moitié de ma vie. Oh là là, oh, il y a mes frérots là, il y a mes frérots avec moi. Ok, ils sont en train de se battre pour moi. C'est une dinguerie. Oh, aïe, aïe, ils sont en train d'aller farm, c'est des fous. Les gars, ils ont fait du 4000 de dégâts. Aïe, 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 mais qui m'attaque? Mais comment ça peut m'avoir? Attendez, mais il se passe quoi là-bas? Les gars, il se passe des dingueries, j'ai même pas eu le temps de vous expliquer. Là, je suis vraiment en version fantôme parce qu'en fait, on vient de me tuer. Et c'est-à-dire qu'avant, sur le fruit du revive, c'était une maîtrise, les gars. C'était une maîtrise à avoir où on pouvait se revive si on appuyait sur une touche. Et si on mourait, ça nous remettait à la moitié de notre vie en mode squelette. Et là, dès qu'on meurt, ça nous met en mode fantôme avec la moitié de notre vie. Mais c'est même plus une habilité, les gars. C'est d'office dans le fruit. Et c'est ça qui est vraiment stylé. Bon, bah, du coup, j'ai même pas pu tester ça, mes petits trucs sur un mec. Donc bon. Waouh, il est venu faire la salsa sur ma tronche. Ah, c'est un malade. J'étais pas prêt. La prochaine fois que tu mourras, tu seras réanimé à 50% de santé. Ouais, voilà, c'est ça. Là, ça le dit, c'est d'office. C'est parfait. Bon, et voyons voir, les gars. Maintenant qu'on sait à peu près tout sur ce fruit, faut que je vous montre un petit peu les nouveautés qu'il y a eu aussi dans cette mise à jour. Donc, normalement. Alors, dans le trailer, c'était ici, je crois. Mais en gros, vous allez avoir des nouveaux coffres, les amis. Tout noir, vraiment bresson, avec de la fumée noire et tout. Qui vont vous donner des os et qui vont faire spawn des ennemis qui donneront beaucoup d'os. Et normalement, après, vous pourrez aller donner à ce mec-là. Voilà. Je possède actuellement 735 os et oui, je demande une surprise aléatoire. Ok, surprise aléatoire pour 50 os. Oh, on m'a donné le Spider Fruit. C'est pas mal, merci beaucoup. Eh, en vrai, c'est sympa ça, ça fait plaisir. Bon, je l'ai déjà apparemment. Mais du coup, voilà, c'est à ça que ça va servir, ça va donner beaucoup d'os. Oh, il a eu quoi? Oh, il a eu le truc de feu. Oh, la dinguerie. Stylé. Eh bah, la chance. Surprise aléatoire, allez, surprise aléatoire. Oh, quelques fragments, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et du coup, c'est ça le truc qui va être cool avec cette mise à jour, c'est que vous allez pouvoir enchaîner les surprises.
surprise aléatoire, beaucoup, oh là, 20 000 balles, merci. Parce que vous allez avoir beaucoup d'os dans cette mise à jour, les gars. C'est en même temps, c'est le truc d'Halloween. Encore de l'argent. Mais c'est parfait, je vais venir farmer de l'oseille ici, c'est nickel. Oh, j'ai eu un legendary item, les gars. Essence de satisfaction. L'essence de feu, les gars, c'est stylé. Je sais pas c'est quoi le taux de drop, mais il y a peut-être moyen qu'on ait eu de la chance, ou alors pas tant que ça. Je sais plus. Go faire le boss. Ok, vas-y, bah moi je le suis. Hein. S'il faut faire un boss, vas-y, je le fais, je le suis. Mais bon, par contre, avec mon fruit, je vais pas faire grand chose. Soul Reaper, ok, vas-y. Il est où le Soul Reaper? Je te suis. Allez, on suit le frérot. On va faire le Soul Reaper. C'est par où? Je te suis, mais c'est où? Ah bah c'est là, ok, c'est parfait. Ah oui, je l'avais déjà fait une fois en live, lui, c'est vrai. Ok, boum, on l'attaque, allez. Voilà. Eh ouais, mon frérot. Oh là 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 là. Ok, il prend ses dégâts, il prend ses dégâts. Ok, je mets mes Ghostbusters. Je mets mes Ghostbusters. Peut-être on va pouvoir gagner un truc de fou, je sais pas. Le truc c'est que j'ai peur un petit peu les gars, il y a plein de méchants autour de nous. Des mecs qu'on connaît pas. Il est où le Soul Reaper? C'est lui, ok d'accord, c'est bon. Le Soul Reaper, on le défonce, on le défonce, on le défonce. On lui envoie masse de dégâts, masse de dégâts. Dévoreur de monde. Allez boum. On fait des dégâts à tout le monde. Ok c'est bon, on lui envoie tout dans la tronche. Allez, il a bientôt plus de vie les gars, il a bientôt plus de vie. Waouh, pourquoi moi? Allez, on peut le défoncer avec ça. Boum, ok. En plus, on prend des maîtrises supérieures. Couronne sacrée, je l'avais déjà. Plus 41 os, les gars. Bon, bah, c'est parfait. Et je crois que je suis mort une fois, les gars. Je crois qu'il y a un moment donné où je suis mort. Oh non, on voit ma grosse tête derrière. Non, j'ai pas ma barbe. Bon, bah, c'est stylé. Moi, je suis avec mes potes. Bon, bah, nickel. Bien joué à nous. Et en plus, il m'en reste une si je veux le refaire. C'est une dinguerie. Moi, je voulais retrouver le coffre pour vous le montrer. Mais bon, apparemment, il y en a plus ici. Oh, what? Attendez, j'avais pas vu la boutique. Ah, ouais. Ils l'ont mis en permanent, du coup, ici. Ah, c'est stylé. Ils ont mis. Ah, ils ont changé la boutique aussi. D'accord. Pas mal. Et du coup, voilà, on peut acheter directement le Ghost Fruit ici. Mais nous, les gars, on va changer directement. On va aller choper le fruit du portail. Il faut que j'essaye de vous trouver quand même où sont les nouveaux coffres. Mais non, je crois que c'est que des normaux. Bizarrement, j'arrive pas à en trouver. Je n'arrive pas à trouver les coffres noirs. Je sais pas s'ils sont assez rares ou pas du tout. Une chose est sûre, c'est que j'en vois absolument pas. Bon, bah, les gars, au pire, c'est pas grave. Je vous montre quand même à l'image ce que ça donne. Voilà, c'est un coffre très très bresson, les gars. C'est un coffre d'Halloween, le truc. Et avec ce coffre, du coup, ça fait spawn des ennemis qui vous donneront des os. Et je crois que le coffre vous donne beaucoup d'os aussi également. Donc, parfait pour farm. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Et les gars, il y a également un nouveau Sea Event dans les mers dangereuses, je crois. On va essayer d'aller rencontrer ça. Mais je pense que ça va être compliqué, les gars. Parce que là, on va partir tout seul à l'aventure. Ça va être très très dur. Normalement, c'est un Sea Event avec des bateaux fantômes. Donc je vous le montre à l'écran. Parce que je suis vraiment pas sûr qu'on arrive à le trouver, les gars. Voilà, c'est, je sais pas. C'est des bateaux fantômes et des petits requins fantômes. Je sais pas s'ils vont nous apporter des trucs en plus. Je pense pas. Mais en tout cas, c'est bien stylé de les avoir en mer. Surtout pour la mise à jour Halloween. Ça fait bien bader. Pour tous ceux qui vont aller faire le Léviathan, les gars, ils vont se pisser dessus. On est arrivé au niveau 4 de dangereux. Quand même, et il y a personne pour l'instant. Je flippe un peu tout seul en mer. En plus, le jour se couche bientôt. On commence à se prendre des petits Sea Events. Faut vite qu'on se barre de là. J'ai pas envie de me prendre la foudre de NR. En plus, là, on va vers le sombre, les gars. On se dirige vers les mers super sombres. Ok, on y arrive. Bon, pour l'instant, ça va. Il fait jour. On est quand même dans la mer dangereuse. On se prend des piranhas. Ça va, mais pas de fantômes à l'horizon. Mais là, quand le soleil va se coucher, les gars, ça va être un peu moins joyeux quand même. Le pire truc qui pourrait m'arriver, c'est un Terror Shark, les gars. S'il y a un Terror Shark qui me spawn dessus, j'abandonne, vraiment. Haunted. Oh, Haunted. Oh, voilà, les gars. Oh, c'est parfait. Oh, what? Mais attendez, mais c'est une dinguerie. Ok, donc regardez le ciel. Ok, donc là, on peut le voir vraiment mieux. Ok, c'est stylé. Il y a un bateau qui s'est effondré comme ça. Oh, c'est bien, bien cool, les gars. Ok, bah, vous savez quoi? On va essayer d'aller défoncer. Boum. Allez, c'est parti. Ok, je peux passer là. Nickel, regardez-moi ça. Mais par contre, ils sont en train de défoncer mon bateau, je crois. Ok, donc il y a un requin fantôme. Plus ça, les gars. Oh là là, c'est stylé. Et il a combien de vie, le bateau? Donc c'est un peu comme ceux qu'on avait l'autre fois. Ok, oh là là, ils sont en train de m'attaquer. Et je crois que, les gars, les frérots qui nous attaquent, déjà, ils nous dropent beaucoup d'os. Et ça, c'est pas mal. Et surtout, oh là là, attendez, je vais mourir. Il y a d'autres requins qui sont venus se joindre à la fête. Attendez. Oh, je crois que le bateau a disparu. Je crois qu'ils ont cassé mon bateau. Mais au moins, on a pu le voir, les gars. Attendez, mais ça va de me faire autant de dégâts là. Laissez-moi tranquille les frérots là, c'est bon. Oh là là, ok, on a débloqué des nouveaux titres. C'est pas mal. Diamond Undead Lord. Oh, c'est stylé les gars. Ok, bon bah, on a fait à peu près le tour. On a vu à quoi ressemblait le Sea Event. Donc ça va, c'est pas un Sea Event de foufou non plus. C'est bien stylé, mais c'est pas super dur. Et du coup, on a trouvé ce petit endroit, attendez. Bon là, on le voit plus très très bien, mais les gars, c'est un bateau qui s'est échoué. Un bateau bien stylé. Est-ce qu'il y aura pas des coffres là-dessus? Ah mais si, il y a carrément des coffres. Bon dommage, il y a aucun coffre comme je vous parlais tout à l'heure. Ils auraient pu mettre au moins des coffres super. Aujourd'hui les amis, on va essayer de trouver le meilleur enchantement pour la Shark Onshore, les gars. Souvenez-vous, on l'avait débloqué lors de l'update numéro 20. C'est la nouvelle arme. C'est la toute dernière nouvelle arme qui est sortie en fait. Et aujourd'hui les amis, on va essayer de l'enchanter pour l'upgrade au max. Et ça va devenir une sacrée dinguerie. Mais avant toute chose les amis, bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle. On rush les 200 000 abonnés. Et puis bah c'est parti tout simplement. Les gars, il va falloir tout simplement l'enchanter avec des petits scrolls, des parchemins sacrés de fou. Mais aujourd'hui les gars, je vais claquer
de l'oseille. Parce qu'il va falloir acheter des trucs mystiques de fou. Mythique, pas mystique. Première chose, les gars, on va commencer à parler au forgeron parce qu'il faut quand même l'upgrade. Donc, on aura besoin de. Ok, du métal, on a des petites queues de poisson et des gouttelettes mystiques. Ça, c'est mystique par contre. Donc, ok, je sais à peu près où trouver tout ça. Normalement, les queues de poisson, c'est aussi 1 chez les hommes poissons. Les gouttelettes mystiques, c'est aussi 2 au crâne. Et on a quoi? On a 8. Ok, bah ça devrait le faire. On devrait s'en sortir, les gars. Ça devrait pas être trop long. Allez, c'est parti. On va directement en C2 parce qu'il faut quand même aller farm les gouttelettes, les gars. Faut aller au niveau du crâne en C2 pour aller défoncer les frérots qui vont nous donner tout ce dont on a besoin. Ok, c'est parti. Hop là, direction le crâne. Le crâne. Non, pas là. Me suis trompé de direction. C'est pas là que je voulais aller. Nous, on doit aller tout là-bas au niveau du crâne. Ok, c'est reparti. Hop là, cette fois-ci, on se trompe pas. Le crâne directement. Bonsoir tout le monde. Allez, les frérots, on a pas de temps à perdre. Moi, je veux la charcante genre incroyable, d'accord? Il faut qu'on lui mette un enchantement de fou furieux, les gars. Ça va être la première arme que je vais vraiment mettre avec un blessing. Dans les parchemins mythiques, on peut avoir toutes sortes de petits parchemins un peu cool. Mais les plus stylés, les gars, ce sont ceux où il y a le blessing. Et il y a 10% de chance d'en avoir un, je crois, ou 5, je sais plus. Et attendez quand même, on va mettre Bouddha pour farm parce qu'on est pas fou. Et les gars, c'est tout simplement ça qu'il nous faut. Le parchemin et le blessing. Le blessing qui va nous mettre un truc unique de fou sur notre arme. Donc je crois qu'il y a le burning, le frozen, le stormy et le sickness, je crois. Donc vous l'aurez compris, le burning c'est pour le feu, le frozen c'est pour la glace, le stormy, les éclairs et le sickness, bah je sais pas vraiment. Mais en vrai je me dis, vu que c'est une arme qui vient de l'eau, les gars, la charcante short t'es mal les attaques, c'est un truc hyper aquatique. Donc je me dis peut-être la sickness pour la charcante short, ce serait vraiment stylé. Et dites-moi en commentaire aussi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos où j'enchante des armes, on va se tester ça les petits potes. Ouais, est-ce qu'il y en a un qui peut me donner une gouttelette mystique en attendant, s'il vous plaît? Ce serait plutôt pas mal. J'ai besoin de gouttelettes. Donnez-moi mes gouttelettes, s'il vous plaît. Les gars, ce serait très apprécié en fait, parce que là depuis tout à l'heure je farm, j'en ai 0, s'il vous plaît. Allez tiens, toi, prends-toi tes attaques mon petit père. J'en profite, hein, j'augmente mes maîtrises en même temps sur la charcante short, hein, je les défonce, ça me fait plaisir. Hein. Pas de soucis, moi j'ai tout mon temps les gars, j'ai tout mon temps. Vous voulez pas me donner de gouttelettes? Mais très bien, j'ai tout mon temps moi les frérots, j'ai tout mon temps. Oh c'est bon, gouttelette mystique, enfin. Let's go. Allez, plus que 4 les gars, plus que 4 petites gouttelettes mystiques et on s'en sort. Oh la deuxième, let's go. Ah bah là ça va vite en fait. Je peux passer 1000 ans sans rien avoir et puis d'un coup j'en ai 2. Les stats de ce jeu sont abominables. Ok les gars, on a réussi à avoir nos 4 petites gouttelettes mystiques et attendez, il y a quand même un fruit qui a été détecté. Les gars, vous connaissez la règle, s'il y a un fruit qui est détecté en vidéo, on y va, on va le choper les gars. Pardon, excusez-moi. J'ai un fruit à aller chercher. Let's go. Ok, alors par où il va être ce petit fruit? Vous savez quoi? Hop là, neige, directement on s'en rapproche. Où est ce fruit? Ils mettent que le nombre de mètres, mais moi je sais pas vraiment où c'est. Ok, c'est plutôt par là-bas. Non, c'est plutôt vers le café. Ok, c'est plutôt par là-bas. La prochaine destination, le café. Ça se trouve, il est à la vue de tous, c'est moi seul, l'aurais. Ok, go, café, café, café. Let's go, café. Ok, il est à 535 mètres. Mais où es-tu, petit fruit? Tu veux m'échapper, c'est ça? Ok, donc c'est par là-bas. Ça a l'air de bien se rapprocher quand je vais par ici. Donc c'est quoi par là-bas? Normalement, c'est le cimetière, c'est ça? Eh oui, c'est le cimetière qui est tout là-bas. Bah, les amis, direction le cimetière. Parfait. Oh oui, 32 mètres. Le fruit est juste à côté. Où es-tu, petit fruit? Ok, il est pas là. Ça, c'est un zombie, rien à voir. Ok. Et ah, il est là. Il est là. Et c'est le fruit de la bombe. Génial. Je suis très heureux. Oh oui, très très heureux d'avoir le fruit de la bombe. Hein, tellement que je le lâche. Allez, hop là, ça dégage. Non, en vrai, je crois que je l'ai déjà, les gars. On va essayer de le store, mais je crois que je l'ai. Ouais, je l'ai déjà. Hein. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. On retourne au crâne. Hein. Nous, on a une dernière gouttelette mystique à farm quand même. Moi, ça part dans tous les sens à chaque fois. Je dois upgrade la charcante short. Après, on va chercher des gouttelettes. Après, un autre fruit. Le fruit de la bombe. On se rend compte que c'est naze. Et maintenant, on retourne chercher des gouttelettes. C'est un travail compliqué, les amis. Allez, mais par contre, il va falloir se dépêcher là, s'il vous plaît. Je commence à me saouler. Je leur mets des grosses attaques. C'est ça, quand ça commence à me vénère, c'est que je leur mets des grosses attaques. Eh tiens, bouffez du sanguinart un peu là. Boum, débordement dans vos faces. Ah ouais, mais tu vas bouffer, mon pote, tu vas bouffer. Eh ouais, allez, toi aussi, là, tu manges. Mais donnez-moi des gouttelettes. Un peu plus. C'est quoi, pour avoir le droit aux gouttelettes, faut que je vous tape avec la charcante short, c'est ça? Tu veux pas me les donner si je mets du sanguinart dans ta tronche? C'est un truc de fou, ça quand même. Eh tiens, toi, mange tout ça, toi, voilà, boum. Non, mais les gars, ça peut pas être aussi long juste pour une gouttelette. Ça fait 30 minutes, j'y suis. Allez, la gouttelette, c'est toi. Qui sera l'élu qui me donnera la gouttelette? Peut-être toi, allez, donne-la-moi. Oh, let's go, enfin la gouttelette, c'est bon. C'est parfait. En plus, on a des petites stats en plus. Merci beaucoup. Allez, hop là, ça part dans la défense. Nickel. Un peu plus de vie. Et là, c'est bon, les gars. On a enfin nos 5 gouttelettes mystiques. Heureusement qu'ils nous en demandaient pas plus. On se rebarre, les gars. Maintenant, il faut retourner en C1. Et oui, il faut quand même aller chercher des queues de poisson. Ça, pour le coup, on en a que 2 à récupérer. Donc, ça devrait le faire. On devrait s'en sortir. Et pourquoi je suis bloqué là? Mon perso, il est bloqué. Allez, c'est parti, on se casse. Emmène-moi en C1, frérot. Et salut les noobs. Les noobs de la C1, coucou. Hop là, direct, on va au niveau sous-marin. Et ils sont là, les frérots. Normalement, c'est eux, hein. Je crois, si je dis
dis pas de bêtises, c'est vous donnez les queues de poisson? Oh oui, bah directement, allez, une d'un coup. Nickel, merci beaucoup. Allez, des fishtails, on me donne des petites queues de poisson? Allez, s'il vous plaît. Faites pas comme vos potes avec les gouttelettes mystiques, s'il vous plaît, les gars, j'ai besoin de tout ça. Donc là, en plus, c'est parfait, ouais, on en a 9, bah nickel. Allez, il nous en manque plus qu'une, hein. Si je dis pas de bêtises. Ah non, par contre, vous avez pas commencé à me la faire à l'envers, hein. Moi, je les veux, les queues de poisson, là, je les veux. Allez, toi, tu es l'élu. Allez, bon, pas toi. Non, je me suis trompé. C'est toi l'élu, en fait, depuis le début. Tu es l'élu qui me donnera la queue de poisson. Non, c'est ton frère, ton pote, ton cousin. Je sais plus, qui va me la donner? Qui va me donner la queue de poisson? C'est toi? Non, c'est ton pote, je sais plus. Non, pas toi, peut-être toi. Allez, c'était toi depuis le début. Ah, j'en ai tué en premier. Ok, la fishtail, c'est parfait. On a les 10 fishtails, les 5 gouttelettes mystiques, et ben on retourne en 6-3. Alors, je vais vous prendre un billet simple, s'il vous plaît, parce que je compte pas revenir ici de sitôt. Merci beaucoup. Hop là, directement, la 6-3, on y retourne aussi. Allez, en avant. Ok, c'est bon, tout est bueno. On va pouvoir aller voir le frérot, le forgeron. Salut mon pote. Tu vas pouvoir me la mettre en vénère, s'il te plaît. Hop là, ma chère Conchor, nickel, on a tout ce qu'il nous faut. Hop là, allez, mets-moi 10% de dégâts en plus. C'est parfait, les gars. Là, on est bien. Ah, là, sa petite étoile, comme c'est Russ, là. Nickel. C'est Russ qu'on avait upgrade, hein, d'ailleurs. On avait upgrade la lame sombre et la TTK en live, les gars, avec vous. Je l'avais fait avec vous et c'était bien stylé. On a un petit enchantement bien sympa sur la lame sombre et un aussi sur la TTK qui est moins bien. Donc, faudra peut-être que je les fasse évoluer. Bon, allez, en attendant, on retourne au ticket outpost et on va aller voir le frérot qui enchante les armes. Alors, t'es où, mon frère? Boum, 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 boum. J'arrive. Crois-moi, tu vas jeter un sort à ma charcante et elle va être merveilleuse. S'il te plaît. Allez, à chaque fois, il y a 30 000 étages, mais paye-toi un ascenseur, frérot, c'est bon. Y'en a marre de ton escalier, c'est même pas le bon côté. Allez, hop là. Allez, on en a marre. C'est bon, Dragon Talon Sage. Salut mon pote, ok, qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui? Bah frérot, un enchantement, si tu peux enchanter ma charcante. Déjà les gars, on peut essayer, on a des common scrolls, hein. On va voir, hein, si on peut avoir un enchantement de fou furieux sur un common scroll, mais bon. En vrai, je pense pas de fou. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'incroyable? Non. Bah pas grand chose, hein. Avec que des trucs de niveau 1. En même temps, les gars, c'est un commun. On pouvait pas s'attendre à quelque chose d'incroyable non plus. Mais les amis, il va falloir qu'on paye. On va devoir payer, les amis. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Viens faire Léviathan? Mais t'as cru que j'étais ton cousin, toi? Il est fou, celui-là. J'ai cru que c'était Melpern en plus avec son petit truc de Chainsaw Man, mais pas du tout. Bon, les gars, moi, en attendant, j'ai quand même des parchemins à acheter. Et croyez-moi qu'on va débourser beaucoup de Robux. Vraiment beaucoup. Ok, donc les gars, on va tout de suite dans la petite boutique. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Ok, boutique, on descend. Et là, les gars, pour 1500 Robux, on peut avoir 3 Mythical Scrolls, donc des parchemins mythiques avec 10% de chance de blessing. Et le blessing, les gars, c'est exactement ce qui nous intéresse. Et c'est parti. J'aurais pu beaucoup de Robux après cet achat, mais bon. Allez, 1500 Robux dans les 3 parchemin mythique, ça fait mal. Ça fait mal, les gars, mais pas aussi mal que ce qui va arriver. Croyez-moi. À moins qu'on ait la chance de fou. Attendez, ils sont où? Ah, ils sont là, les Mythical Scrolls. Normalement, les gars, on en a 3. On a une chance sur 10 d'avoir un blessing. Donc bon, avec un peu de chance, on l'aura dans un des 3 Mythical Scroll dit qu'on vient d'acheter. Mais bon, on sait jamais. Allez, premier Mythical Scroll. Allez, donne-nous un truc incroyable, frérot. Ok, Beast niveau 2, Deadly niveau 4, fortune, ok. Allez, s'il te plaît. Non, oh, bah, celui-là, il est éclaté, frère. On a 4 petits trucs, tout naze, éclatés. Allez, le deuxième, on a plus confiance en le deuxième. Et pourquoi il y a une réunion de famille autour de moi, là? Ils me font peur. Ok, Deadly niveau 3, efficient, ok, d'accord. Ok, on a vraiment pas grand-chose vampirique. Allez, un dernier truc. Ouais, non, on a même pas de truc unique ou quoi que ce soit. Pas de blessing, pas de truc unique, naze. Eh bien, les amis, c'est au tour du dernier. Wow, bro! Frérot, qu'est-ce que tu nous fais? Tu veux que je te défonce ou quoi? Attendez, mais toi, mais ça va pas se passer comme ça, mais c'est un malade, lui. Je vais te défoncer, t'es fou, frère. Je suis en train de reroll mes Mythical Scrolls. T'inquiète pas, mec, je vais te faire bouffer tes yeux. Tête de neuf, frère. Viens là, attendez, j'arrive pas à monter. Bon, je vais tuer tout le monde. Vous m'avez saoulé, je vais tuer tout le monde. Tiens, je te marre, allez, tout le monde prend là, allez. Dévoreur de monde, j'enfonce tout le monde. Qui veut maintenant? Ça veut se battre? Allez, cassez-vous de là un peu là. Bande de fous furieux. Ah ouais, tu veux faire la bagarre? Alors toi, mon pote? Ok. Ah, tu veux jouer? Bah, on va jouer, mon pote. Tu vas moins faire le malin avec ton magma. Tiens, allez, hop là, dévoreur de monde sur tout le monde là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qui veut faire les malins avec moi? Qui veut faire les malins? Je vous défonce. Comment ça, la différence de niveau est trop élevée? Mais je vous défonce, moi, voilà. C'est bon, au bout d'un moment, ils sont malades. Ils sont fous. Bon, on gagne un peu de prime au passage. Est-ce que je peux reroll mes parchemins tranquillement? C'est la question que je pose. Hop là, Dragon Talon Sage, allez, s'il te plaît, mon frérot, mets-moi bien. Je viens de vivre un truc assez chiant, vite avant qu'il me tue, s'il te plaît, ce serait plus sympa. Et reroll enchant, ok, Mythical Scroll, allez, confirmé. C'est parti, les gars. Peut-être que c'est celui-là. Celui de la chance, le parchemin de la chance, les gars. Allez, on le reroll. Peut-être le blessing dedans, allez. S'il te plaît, quelque chose de fou? Non, sharp, ok, vampirique, encore un truc. Oh, Unreal Unique, ok, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'on cherche du tout. Oh là là, mais cassez-vous de là, mais oh là là, mais insupportable, oh là là. Oh là 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 là, mais cassez-vous de là. Bon les gars, ça va être l'heure d'aller mettre beaucoup de Robux dans la boutique. Ça m'enchante pas, mais...
Ça va peut-être enchanter mon machin conchor, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez ce qui me reste en Robux. 55 Robux, hein, c'est pas énorme. Mais on va faire le plein. Allez hop, achetez des Robux directement. Et les amis, on va tout de suite prendre 25 000 Robux. Et c'est bon, merci pour votre achat. 25 000 Robux, c'est parti. Normalement, avec ça, les gars, on devrait avoir un blessing de fou furieux. Oh là là, ils sont là, ils sont beaux. Allez, cette fois-ci, les gars, on va pouvoir acheter des Mythical Scrolls. Et espérons avoir un blessing de fou furieux sur la Charconchor, les gars. J'espère ne pas avoir à mettre énorme. J'espère que les 25 000 Robux vont pas partir là-dedans. C'est la question que je me pose. Et c'est ce que j'aimerais qu'il arrive, les gars. Les gars, si je pouvais l'avoir au premier parchemin, ça m'arrangerait. En vrai de vrai. Allez, un peu de chance pour moi. Allez, s'il te plaît, Dragon Talon Sage. Mets-nous bien. On va déjà acheter ça. Allez, c'est parti. Les premiers 1500 Robux qui partent directement. Et oui, c'est encore ça dans la poche de Bloxfruit. Allez, c'est parti. Ils encaissent et nous, on veut le blessing. S'il te plaît, frérot, mets-nous bien. Allez, enchante, enchante, on enchante ça. Allez, on reroll. Mythical Scroll et c'est parti. On confirme. Allez, peut-être la chance. Imaginez la chance qu'on aurait si c'était directement le premier parchemin. Ok. Ok, il y a des trucs un peu. Un premier niveau. Non, c'est nul, un peu, je crois. Allez, allez, on a encore de la chance. On peut encore avoir de la chance. On peut encore avoir de la chance. Allez, le dernier, non. Bon, en même temps, les gars, on pouvait pas avoir. Me connaissant, je pouvais pas avoir autant de chance. Les gars, ça aurait été impossible que j'ai autant de chance. C'est pas du tout mon truc d'avoir autant de chance, les gars. Allez, peut-être. Ok, il y a du niveau 3. Ok, unique. Blessing. Blessing. Le 6 blessing. Oh, mais c'est incroyable. Apply sickness to fruit user. Ok, d'accord. Ah, c'est pas mal. Ok, donc ça leur donne le mal de mer à ceux qui utilisent un fruit. Ok, mais attendez, est-ce que ça veut dire que ça fait les dégâts? Ça fait les mêmes dégâts que quand on va dans l'eau? Je sais pas, est-ce que c'est quoi? C'est une encre en granit marin maintenant que j'ai? Attendez, oh là là, regardez-moi ça. On le voit, le blessing, il est magnifique. Il va tellement bien avec la Charconchor, les gars, c'est celui qui allait le mieux avec la Charconchor. Je vous jure, c'est incroyable. Oh là là, il est tellement stylé. Mais c'est ce qui pouvait aller le mieux, les gars, c'est l'arme maritime par excellence. Et on a le blessing maritime. La Seasickness, c'est un truc de fou. Les gars, je suis trop content. J'ai eu tellement de chance dans le premier pack de 3 parchemins. Attendez, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Sharpshooter, Damage Increase, ok, d'accord. Donc, ça a maudit, ok, ça augmente un petit peu nos trucs, et ok. Donc ça, c'est quand j'attaque quelqu'un. Oh là là, oh, c'est pas mal du tout ce qui se passe. C'est pas mal. Là, je crois que les gars, on a eu un vrai enchantement de zinzin. Oh, je suis content, ça me fait plaisir. Mais du coup, j'ai envie d'aller la tester. J'ai envie de la tester directement. Combien est-ce qu'elle fait de dégâts maintenant, cette arme? Ok. Oh là là, attends, quoi? Attendez, je mets mon haki. Ok, 3700. On tape du 3700, les gars. Rendez-vous compte? Attendez, je crois qu'au début de la vidéo, on tapait du 2800, si je dis pas de bêtises. Et là, on tape du 3700. Oh là là, c'est une dinguerie. Mais sauf que là, c'est des PNJ, les gars. J'ai très envie de voir ce que ça fait contre des vrais joueurs qui utilisent un fruit. Et on va avoir cette réponse avec Termidi qui va nous servir de cobaye, les amis. On va tester ça. En avant. Ok, donc là, on se retrouve avec Termidi. Ok, attendez. Il faut juste que, hop là, je le supprime de mes alliés. Nickel. Alors, Termidi, mon petit pote. Ok, qu'est-ce que ça fait? Oh, ça fait un truc sur lui. Attendez. Oh, la dinguerie. Oh, mais ça fait vraiment un truc. Ça a mis des flèches et tout. Et ça lui a mis la même aura qu'il y a sur ma Charconchor. Aïe. Aïe, qui dit. Désolé, frérot. Eh bah, tiens, meurs. On va réessayer. Je creux de voir. Bon, et bien, les amis, après plusieurs tests sur notre très cher cobaye Termidi, on a pu voir que quand je le tapais, ça mettait des petites flèches qui allaient vers le bas, plus l'aura de la Charconchor, du coup, du Blessing Seasickness, et que en fait, ça le ralentissait dans ses mouvements. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Je crois que ça le ralentit dans ses mouvements. Ça lui met pas de dégâts supplémentaires particulièrement, mais bon, c'est toujours cool. Si vous êtes en PVP, les gars, ça ralentit au moins votre opposant, et ça peut clairement vous mettre en avantage. En tout cas, les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. C'était incroyable. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'enchante d'autres armes, parce qu'il y a encore 3 autres Blessing qu'il faut qu'on connaisse, les gars. Attendez, il faut qu'on explore un peu tout ça. Aujourd'hui, les amis, on va faire quelque chose que vous avez été énormément à me demander. On va tout simplement aller débloquer la Enma, les gars. La première lame de Oden pour tout simplement faire la CDK, le Cursed Dual Katana au final. Bah oui. Mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la première lame, la Yama ou la Enma, les gars. Elle s'appelle Yama dans le jeu, mais nous, on l'appelle la Enma. Et oui, on la connaît comme ça. Et pour ça, les amis, bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle. On rush les 200 000 abonnés. Regardez, on avait déjà fait la TTK, les 3 sabres de Zoro. On avait galéré à les faire. En vrai, ça avait pris pas mal de temps. Mais aujourd'hui, les amis, on va s'attaquer à la CDK. Enfin, les gars, je sais, ça fait super longtemps que vous me l'avez demandé. Et pour ça, les gars, on va se rendre directement au château sur la mer. Et oui, je vais aussi vous expliquer comment faire, parce qu'il y en a peut-être qui savent pas, voilà. Donc, les gars, tout simplement, il faut être 6-3. Déjà, premièrement. Allez, on y va en Phoenix. Ça sera beaucoup plus rapide. Il faut tout simplement être en 6-3, les amis, et partir direction vers le château sur la mer, là-bas, tout droit. Bah oui. Le magnifique château en mer, on s'y approche. Ok, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde pour m'empêcher de faire mes petits trucs.
truc. J'ai vu des éclairs, il y a des trucs qui se passent bizarres ici. Ok les gars, on est arrivé au château sur la mer. Et les amis, c'est extrêmement sympa. Alors déjà on prend les coffres. Oh bah tiens, bah nickel les gars, un coffre pour les os, parfait. Allez venez à la bande de fripouilles, je vous défonce en 2-2. Hop là, squelette du mal. Les amis, une fois que vous êtes arrivés là, c'est tout simple. À ma droite les gars, il y a le Player Hunter pour tout simplement chasser des joueurs. Et à ma gauche, il y a le Elite Hunter. Alors le Elite Hunter les gars, ça va tout simplement servir à traquer des boss dans toute la map et... Yo mon pote. Comment ça va? C'est incroyable les gars, que j'aille dans n'importe quel serve, il y a toujours un abonné qui me reconnaît, je suis trop content. Vous êtes des gens merveilleux, vous le savez. Je peux screen. Les gars, on fait des photos abonnés. Là attends mec, je vais prendre la pause. Hop là, nickel. Allez, on prend la pause, c'est parfait. Bête de photo. Les gars, je suis mort, je suis pas allé à la Paris Games Week cette année, mais c'est pas grave vu qu'il y a Bloxfruit. Les gars, on peut quand même prendre des photos avec les abonnés sur Bloxfruit, c'est pas mal quand même. Bon, pour vous expliquer, enfin, le Elite Hunter, les gars, il va falloir en tuer 30. Donc là, j'en ai tué 0. Voilà, j'ai 0 boss. Mais il va falloir qu'on aille en chercher un quand même. Et oui. Ok, donc le boss s'appelle Urban et il est près de la Floating Turtle. Et ben c'est parti, on y va les gars. Parce que les gars, pour vous expliquer, il va falloir soit défoncer 30 Elite Hunters, soit des Player Hunters. Enfin, je sais pas comment vous dire. Il va falloir défoncer des boss Elite ou alors des joueurs grâce au... Oh, attendez, c'est peut-être par là. C'est lui le boss? Bon, c'est peut-être... Bon, j'imagine que c'est lui. Voilà, il a une tête de boss. Allez, c'est lui, on va dire. Allez, c'est parti les gars, combat épique. On va te défoncer mon pote, tu vas me donner mes premières stats. Oh, par contre les gars, on va peut-être se mettre un fruit plus pour la bagarre. Ok, le fruit du Bouddha, c'est parfait. Transformation. T'es foutu mon pote. Et par contre, il y a un autre gars avec moi, j'espère qu'il va pas me le voler. C'est mon boss élite, d'accord? C'est mon boss élite. Allez, on va le défoncer, c'est parti. Donc les gars, pour vous expliquer, il faut tout simplement soit défoncer 30 Elite Hunter, soit 30 Player Hunter, ou alors 15 de chaque. Voilà, les deux sont cumulables, mais moi je pense qu'on va plus aller se faire quand même des Elite Hunter. Ça va être beaucoup plus simple pour farm. Allez, boum. Tu comprends ce que je te dis? Je vais m'attaquer à toute votre petite bande. Bah il est où? Quoi? Bah il l'a tué? Mais non, quête cancelled. Il a été défoncé par ce joueur, mais non, c'est lui qui a défoncé mon... Qui a défoncé mon boss? Et attends, mais quoi? Mais il a respawn? Mais je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe. C'est lui qui a tué le boss? Je sais pas. Je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi il a repris toute sa vie? Qu'est-ce qui se passe ici, les gars? Je comprends pas. Est-ce que c'était vraiment lui le boss? Je sais pas. Mais forcément, il a été tué en même temps que... Je comprends pas, les gars. C'est la première fois que je fais un Elite boss et je me prends ça. Je me prends des trucs chelous. Je vais aller le taper lui. T'es foutu, toi là-bas. Tu m'as volé mon boss. Tiens, prends-toi ça. Tu me l'as volé. Comment ça? Je suis special skill. Je l'ai défoncé, ouais. Bon, c'est pas grave. On va quand même se terminer lui. On va le défoncer quand même. C'est pas grave. Beautiful pirate, mais c'est quoi ce malade en fait? Est-ce que c'est vraiment lui le boss? Mais non, il aurait disparu là. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave, en attendant on le défonce quand même. Peut-être qu'il va nous rapporter quelque chose d'incroyable. Peut-être que c'est un boss super rare, je ne sais pas. Allez, avec un peu de chance, frérot, donne-moi des trucs de fou. Il est où? Mais il fait que disparaître. Mais c'est qui ce malade là? C'est qui ce malade? Il a combien de vies ce fou? Il a combien de millions de vies? C'est un malade. Allez, tiens, meurs mon pote. Meurs, c'est l'heure de mourir. Et il nous donne de rien du tout. Il nous donne de l'XP. Bon, c'était forcément pas lui les gars. J'ai dû me tromper. C'est pas possible. Il y a une erreur dans l'équation. Bon, attendez les gars, je reviens ici, je reviens. Ok, un nouveau boss Déandre, ok, qui est près du grand arbre. Ok, c'est parfait. Là c'est nickel. Là on a toutes les infos. Il est au niveau du grand arbre. On le trouve et on le capture. Dans le capturer, ça veut dire vraiment on lui défonce sa tronche. Ok, donc nous voilà au grand arbre. Où est ce boss? Je sais pas vraiment où il est les gars. Mais c'est un cache-cache. Les frérots, ils jouent au cache-cache. On sait pas où ils sont exactement. On sait juste, ils nous donnent juste l'île où ils sont et on doit les chercher. Eh oh. Attendez, je vais prendre un truc pour voler un peu plus vite. Et voilà, le fruit du love, c'est parfait. Hop, j'ai mon frérot, le flamingo. Mais où est-ce qu'il est? Il est. Déjà on prend les coffres. Merci, s'il vous plaît. Mais je veux ce coffre, voilà. Il est forcément sur une des petites collines. Où est-ce qu'il pourrait être d'autre là? Sinon, attendez, il y a que des amiraux de la marine. Il est où le mec là? Oh, il est là-bas, Deandro. Salut mon pote. Ok, donc ça, le nom correspond. C'est vraiment lui, c'est Deandro. À quoi tu ressembles, frérot? Fais-nous voir ta tronche de boss. Ok, il a pas l'air agressif, c'est bon. Ok, Deandro. Attends, je vais faire un plan en drone. Mais il a disparu! Mais non, mais il a disparu! C'est une dinguerie, mais. Mais quoi? Les gars, quoi? Mais c'est quoi ce truc de fou? Mais il est monté avec moi! Mais casse-toi, tu es un piètre boss! Il monte avec moi sur mon flamingo! Bon, allez, t'es foutu! Un coup de Bouddha et je te martyrise! Ok, c'est bon, c'est parti! Affrontement avec Deandro! Tu vas être le premier boss que je vais défoncer, mon pote! Allez, tiens, pour toi des coups d'épée! Coup de schlasse! Ok, ça va, mais il est défonçable super rapidement en fait! Mais j'ai déjà mis plus que midlife! Mais attendez! Mais c'est hyper easy de le défoncer! Il a déjà plus de vie! Regardez-moi ça! C'est n'importe quoi! Allez, boum, mon pote! Et tu meurs! Ok, mission de chasse complétée! Tu as vaincu un ennemi d'élite et item drop bandana rouge. Ah ouais, merci beaucoup. C'est pas mal, attendez, fais voir, c'est quoi ce qui nous a drop là? Un bandana rouge, ok, sympa. J'avais déjà eu un bandana sur des Dragon Warrior, mais petite bandana rouge, ok, pourquoi pas. Et bah nickel, on a fait notre premier boss et on retourne au château de mer. Regardez les gars, normalement, si on va voir le Elite Hunter progression, tu as défoncé un élite ennemi pour moi, d'accord, ok, bah c'est parfait. Et les gars, il nous en reste plus que 30 à faire. Et reviens plus tard, ouais, c'est toutes les 10 minutes les gars. Les boss spawnent toutes les 10 minutes, donc ça va être long. Normalement, je dois faire ça pendant 6 heures. Sans m'arrêter. Oui, je sais, c'est un peu long. Mais on va essayer autre chose, les gars. J'ai une petite
idée derrière la tête. Les gars, en vrai, je me dis que on peut essayer un truc. Déjà, les gars, regardez-moi ça. En vrai, on est à 14 et demi. Ça fait déjà pas mal de temps que je suis dessus. Et c'est pas mal. On a déjà fait presque la moitié. Et regardez ça. Normalement, on en a déjà un de fait. Ah, j'en ai pas d'accord. Il faut que j'aille sur un serveur public pour faire ce que je veux faire. Ok, très bien. Mais là, les gars, en fait, on en a un Player Hunter tué plus 14. Donc, ça veut dire on a 15. Là, pour l'instant, on est à 15. On a fait exactement la moitié du travail, les gars. Et on va demander à notre petit cobaye Melpern de venir nous aider. Mais il faut qu'on aille en serveur public pour ça. Parce que les gars, hop là c'est bon, on est de retour en serveur public Player Hunter et on va lui demander tout simplement d'aller affronter un joueur et c'est parfait. Là les gars, on a Melpern. Nickel, Melpern que à qui j'ai dit d'aller attendre au port. Et regardez-moi ça. Ok, c'est bon, on l'a pas en allié. Ok, Melpern mon pote. Ok, je le défonce. Désolé mon pote, hein, c'est vraiment pas contre toi. Mais normalement, une fois qu'on l'aura tué, hop là, mission de chasse complétée, c'est parfait. Bon, aucune récompense, mais on s'en fout. Nous on veut là pour les élites, pour les chasses d'élite. Et là, une fois qu'on retourne au château sur la mer, voyons voir. Hop là, Player Hunter, hop là, nickel. Progression, et ben là, c'est bon, on a défoncé deux joueurs en Player Hunter, plus les 14 qu'on a quand même sur le Elite Hunter, donc là on est à 16. Bon, il nous reste quand même du boulot, mais voilà, ça peut être une petite technique, les gars, pour vous. Si vous demandez à un pote de vous rejoindre, vous faites en même temps les Elite Hunter et en même temps les Player Hunter et vous défoncez votre pote, et ben moi je trouve ça pas mal. Ça peut permettre d'aller deux fois plus vite en vrai. Hop là, bah c'est parfait en plus. Voilà, on enchaîne. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut enchaîner. Hop là, avec Deandro qui est au Floating Totter. Floating. Bon, là maintenant je les ai plutôt bien saignés, je sais à peu près où sont leurs spawns, c'est ça qui est pratique, les gars. C'est que là, en fait, il y a eu beaucoup de temps entre chaque cut et du coup, je sais à peu près où ils sont tous. Tous les petits boss. Et ouais, Deandro, t'es foutu, mon pote. Hop, on te connaît en plus, on sait que t'es super low facilement. Et hop là, item drop, bandana vert. Nickel. Ok, bon là, si on fait les comptes, 2 dans les players. Ok, donc ça veut dire qu'il nous en manque plus que 13. Ça avance bien. Quelques mois plus tard. Ok, les gars, c'est bon. On a réussi à enchaîner pas mal de Elite Hunter. Regardez ça, j'ai réussi à drop. J'ai tous les bandanas. Bandana noir, bandana vert, bandana rouge. Et les caps aussi. J'ai toutes les caps. Cap noir, cap verte, cap rouge. C'est parfait. D'ailleurs, t'es mal à cap rouge. Je suis un super héros. Franchement, je la trouve bien, bien stylée en vrai. Je vais la garder. Je la garde. Non, ça fait un petit flow. Ça fait un vrai flow de super héros. J'aime bien. Oh là là. Et en plus, on court super vite. Oh, mais c'est génial. On court vachement vite avec ça. Ok, stylé. On prend les coffres, évidemment, toujours. Ça bouge pas. Bon, les gars, on est à 3 player hunter. Voilà, il faut que vous sachiez. Voilà, j'en ai fait un autre entre temps. Les gars, on est au niveau des Elite Hunter à 26 kills. Donc là, il nous en manque plus qu'un, les gars. Il nous en manque plus qu'un et c'est parti. On va aller voir Diablo. Le boss Diablo qui traîne. Et ben, on va aller le trouver, le capturer et le défoncer. Voilà, c'est parti au centre des tortues. Ok, où est-ce qu'il traîne Diablo généralement? Où es-tu mon petit pote? Diablo. Bon, alors la cape elle est bien sympa, mais on va peut-être remettre l'écharpe de Katakuri pour voir un peu plus loin. Bon, il est où ce Diablo là? J'ai beau connaître les spawns, des fois c'est galère parce qu'il change, c'est aléatoire de fou. J'ai obligé de faire tout le tour de l'île à chaque fois. Bon là c'est bon, ça fait 30 000 ans que je tourne dans les parages. Il est où? Oh bah tiens, bah il est là, bah c'est bon. Je suis quand même meilleur à cache-cache. Allez hop, au bout d'un moment je vous trouve quand même. Il est là, il nous attendait patiemment et c'est l'heure de te défoncer mon pote. Dévoreur de monde dans ta face. Et boum, allez. Voilà, tu prends ce que tu mérites, c'est bon. Je veux la Enma, les gars, je veux la première lame de Nen. Oh, les attaques de fou qu'il nous met. Tiens, mon pote, vu que c'est le 30ème, je sais pas s'il est beaucoup plus puissant, mais je pense pas, en fait. Je crois que ça change pas grand-chose. Et wow, mais attendez, qu'est-ce qu'il veut nous faire, là? Allez, hop, là, on te défonce, mon pote. Allez, reviens là. C'est fini pour toi, Diablo, et nickel. Et on drop encore la cape. Et found the strange item, les gars. Ok, on a reçu la God Calice, les gars, la calice de Dieu. Et c'est pas mal, parce qu'on a quand même 5% de chance de l'avoir en tuant des Elite Boss. On a de la chance, quand même. Mais ça, les gars, on va pas s'en servir tout de suite. Et non, bah non, ce serait trop simple. Parce qu'une fois que vous avez le God Calice, les gars, il faut revenir au château de la mer pour invoquer Ripindra. Et ça nous servira pour la deuxième lame. Mais les gars, ce sera pour une autre vidéo. Il faudra juste la placer ici. Bah, de toute façon, je vous expliquerai tout, les gars. Vous inquiétez pas, bon. On fera ça une prochaine fois. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, les gars, c'est la Enma. Ah oui, d'ailleurs, au cours de mon aventure, j'ai drop pas mal de fruits, là. À force de tuer des pirates qui s'attaquent au château. Ok, bon, en tout cas, c'est bon. On a défoncé 27 Elite Boss plus 3 Player Hunter. Donc là, on est bon. On est au niveau de 30. Et une fois que c'est fait, les gars, on va à la ville Hydre. Une fois que vous avez votre compte au niveau des Elite Hunter, les gars, on va à la ville Hydre. Et on va se mettre bien. Et une fois que vous y êtes, les gars, vous avez juste à suivre mon chemin. Alors attendez, c'est par où? Parce que même moi, je connais pas mon chemin. Ok, c'est par là-bas, les gars. Vous vous rendez à ce niveau-là, au niveau de l'eau. Et oh, les gars, j'ai tellement hâte. Ça va être ouf. Oh là là, regardez-moi ce flow là, les gars. Enfin, on va arriver à la Enma. On va tout défoncer. Oh, c'est stylé. Non, franchement, quand on marche comme ça et tout, c'est bien stylé, les gars. Oh, yo. On se dirige vers le succès, la première lame d'Oden. Vous avez juste
juste à passer par ce petit chemin jusqu'à arriver vers la cascade, les amis. La cascade qui se situe juste ici et... Oula, j'ai un peu le vertige. Mais les gars, une fois que vous êtes là, il faut sauter. Boum. Ok, attendez. Hop là, on va peut-être prendre des... Non, c'est bon, on peut marcher là-dedans. Ah non, on se noie. Ok, c'est bon. Bouddha V2. Et les amis, une fois que vous êtes là, vous avez juste à passer en dessous de la cascade. Attendez, regardez-moi ça, le passage secret incroyable. On arrive ici, les amis, et on va se retrouver face à une porte. La porte sacrée. Ok, c'est stylé. C'est la première fois que je viens ici, c'est bien cool. Et on casse la porte avec le dévorant-demande. Et bonjour à tous. Ok, il y a des ennemis. Il faut absolument les défoncer, les gars. On se retrouve dans une salle secrète, les gars, le temple secret. Attendez. Je suis pas encore prêt. Attendez, je vais les affronter. Waouh. Ah, ils m'ont spawn dessus. Oh, c'est des malades. Je pensais qu'ils allaient rester bien sagement derrière la porte. Je reprends de la vie. Non, mais vous êtes des fous, quoi, vous. Ok. Ah ouais, vous voulez la jouer comme ça. Et bah boum, on les défonce facilement. Il faut juste tuer ces ennemis là, les gars, pour pouvoir être tranquille. Et oh, mais il en reste un. Mais laisse-moi tranquille, je veux casser la porte. Ok, c'est bon, les gars. On est tranquille. Vous avez défoncé tous les ennemis. Et on est dans cette salle. Et regardez. Regardez-moi cette salle de fous furieux. Et bien sûr, regardez ce qui nous attend, les gars. La lame d'Oden, la Yama, la Enma, les amis, elle est là, elle nous attend patiemment. Et maintenant, les gars, rien de plus simple. Il faut cliquer dessus pour la récupérer, ok. L'épée ne semble pas bouger. Réessaye, ok, on va réessayer. Tu as réussi à la faire bouger juste un peu, réessaye, ok. Il semble qu'il y ait une malédiction sur l'épée. Si je continue, je pourrais peut-être mourir, mais on va réessayer. Normalement, on a fait tout ce qu'on pouvait et c'est bon. L'épée t'accepte comme son nouveau propriétaire et Yama est obtenu, les gars. Enfin, on l'a. Les gars, j'ai passé tellement de temps à défoncer les élites boss que vraiment, là, je suis très content. Et on a la Yama, c'est parfait. Voyons voir. Oi. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop stylée. Et attendez, les gars. Ah oui, bah oui, quand même. Le flow qui est là quand on met le haki dessus. Ah ouais, c'est un flow différent de la TTK. C'est trop stylé. Ah ouais, mais je préfère nettement ce style-là, les gars. Il est incroyable, ce flow. Oh là là. C'est une dinguerie, les gars. Enfin, la Yama. Eh bien, les amis, il nous reste qu'une seule chose à faire. C'est tout simplement sortir de cet endroit maudit. Hop là, mais cassez-vous. Hop là, et boum, laissez moi sortir et on va tout simplement aller augmenter les maîtrises et voir ce dont elle est capable. Wouhouhou. Pa, t'es mal cosplay. Les gars, j'ai pris un petit cosplay d'Oden pour l'occasion, évidemment. Attendez, on vient de choper la Yama, la Enma. Évidemment, je prends le cosplay, il va trop bien. Bon, les cheveux, c'est à revoir, mais bon, en vrai, bon, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. En vrai, de vrai. Ok, bon, c'est l'heure d'aller le tester, ce petit sabre légendaire. Un des deux légendaires, et oui, il nous en manquera un quand même. On fera dans une autre vidéo, dites-moi si vous êtes chaud, mais je pense que oui, les gars. L'un va pas sans l'autre. Vous serez forcément chaud pour voir l'autre. Oui, sont les méchants. Ah bah attendez, on peut tester carrément sur un mec. Bonjour. Arena Trainer, on peut s'entraîner contre quelqu'un ici? Je veux tester ma force, bonjour. Va vaincre ce mannequin. Ok, bon. Y'a quelqu'un? Moi je vois personne. Il est là, effectivement. Bon, attendez, voyons voir. Avec le haki. Oh là là, mais quel flow, les gars, quel flow. Déjà, elle tape du combien? Oh là, pourquoi elle tape du 600? Pourquoi? Quoi? Attendez, mes stats, sont où mes stats? J'ai mes stats max dans l'épée, pourquoi ça tape pas beaucoup? Attendez, c'est une blague, les gars, me dites pas qu'elle tape aussi peu. Attendez, je peux pas taper du 600 avec une arme aussi légendaire, j'ai galéré pour l'avoir. Ça peut pas se finir comme ça, attendez. Non, pas le... Non, j'abandonne ça, et ça dégage. Moi, je veux tester sur vous, bonjour. Hop, ah, 2300, c'est tout de suite plus logique. Ok, donc du 2300, mais maintenant, attendez. On va mettre quand même l'écharpe de Katakuri, et là, on tape du 2600, ok, bon, très bien. Ok, bon, on tape du 2600 pour l'instant avec. On fait augmenter ses maîtrises, hein, tranquillement, voilà, on va taper beaucoup plus, je pense. Là, de 2700, voilà, ok, bon, ça augmente. Je sais pas à combien on va arriver à son max, peut-être à du 3000, avec un peu de chance. En attendant, on prend nos maîtrises. J'ai très envie de voir la première habilité, les gars, qui s'appelle Éclat Infernal. Il faut qu'on aille jusqu'à la 150. Bah, pour ça, vous connaissez, on va tout de suite se diriger à la terre de gâteau. C'est parti, les gars, on va se faire les Cookie Crafters. On les connaît si bien. Bon, attendez, on va quand même prendre le Bouddha, ça va être plus simple. Hop là, kaboum, c'est pour les défoncer. Ça va, on va les défoncer facilement, là. Ok, là, on tape du combien, attendez, voilà, j'ai pas vu. C'est pas grave. En attendant, on va tous se les faire. Attendez, on tape du combien sur lui? Hop là, du 2714. Ça va, ça augmente petit à petit. Allez, c'est l'heure, les gars. On se les fait tous. Allez, boum, boum. Tout le monde meurt sous les coups de la Yama. Ok, maîtrise 120. Ça va. On s'en approche petit à petit de l'éclat infernal. En attendant, c'est vous qui allez prendre. Allez, venez. Les Cake Wards. Allez, ça mange ses attaques aussi. Ben oui. Allez, on se les pêche. Je veux mes habilités. Et les Cookie Crafters sont back dans les bacs. Allez, plus que 13 petites techniques. Allez, boum. Allez, ok, 143, 148. Allez, nickel, 151. C'est bon, on va avoir la petite maîtrise. Nickel, éclat infernal. Donc attendez, il y a un petit demi là-bas qui se balade. Voyons voir à vide. Ok, oh what, attendez, mais c'est une dinguerie ce qu'on vient de faire. Ok, on va essayer sur lui. On va essayer sur toi, mon pote. Combien de dégâts a fait cette attaque de fou? Éclat infernal, on l'attaque et boum. Oh, du 4500. Mais ça l'a envoyé où? Je l'ai fait disparaître? Ah non, c'est bon, il est là-bas, ok. Et ça marche aussi à distance normalement. Waouh! Attendez, si ça marche à distance normalement, je vais juste à faire ça. Boum, et ça envoie. Ah ok, c'est cette attaque qui fait du 4500, d'accord. Le tourbillon au début, on s'en fiche un peu.
C'est vraiment le bout de lame qui s'envoie, qui va surtout lui faire très très mal. Ok, c'est stylé. Est-ce que ça marche sur les groupes? Est-ce que ça marche sur les groupes? Tiens, viens voir là, toi. On fait les petits tests, vous les connaissez. Alors, les frérots, est-ce que ça marche sur vous tous? Oh, bah toi aussi, tu viens à la fête, nickel. Éclat infernal! Oh là là! Ce qu'on leur a mis, on les attège! On les attège dans tous les sens! Mais c'est merveilleux! Oh là 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 là, mais la grosse attaque, hein! Et là, les gars, oh là, ça fait bon! Oh là là! Eh ben, les gars, soyez pas trop dégoûtés, hein! On vous a défoncé easy! Easy! Allez, on chronométrise, on chronométrise! Ça, c'est nickel! Bon, et bien, les amis, maintenant, vous savez ce qu'il nous reste à faire! Augmenter jusqu'à la maîtrise 300 pour débloquer, tout simplement, l'ouragan infernal! Et allez, on a pas mal de travail, là! Ok, les gars, j'ai réussi à la monter jusqu'à la maîtrise 296, mais attendez, il y a un petit fruit qui est apparu! Peut-être que c'est notre chance, les gars! Peut-être qu'on va avoir la chance d'avoir un vrai fruit de zinzin! Bon, attendez, il est par où? Il est par ici. Et il y a quoi par là, Camille? Mais il y a pas d'île par là. C'est vers où? Ok, c'est par là-bas. Il est sûrement sur la tortue flottante. C'est l'heure d'aller le trouver. Où est ce fruit? Ok, c'est bon, c'est la bonne île. Avec un peu de chance, allez. Pour une fois, peut-être un vrai fruit de zinzin, un truc mythique. Et je crois que c'est le fruit de la flamme. Et oui, bah non, c'est fait avoir. Bah, le fruit de la flamme, il est stylé, mais bon, on l'a déjà mille fois. Tant pis. Nous, on doit terminer les Cookie Crafters. Ok, les gars, vous êtes foutus. Il me reste très peu de maîtrise à avoir, 4 au total, pour débloquer l'ouragan infernal, les gars. Je suis très curieux de voir ce que c'est que cette attaque de fou. Allez hop là, venez à tous. Hop là, attaque de zinzin. Oh, c'est une dinguerie cette attaque. C'est une dinguerie. Oula, par contre, ils sont en train de... Et boum. Ok, déjà, ça en fait moins 1. Hop, ça, on leur met un peu de dégâts. Oula, faut pas que ça les tue. Ok, allez, on les défonce. Ok, plus que 3 maîtrises. Plus que 2. Et plus qu'une. Est-ce que c'est toi qui va nous donner la dernière maîtrise? Je pense pas. Non, non, à chaque fois, il nous en manque un tout petit peu, les gars. Et ben, on sait qu'on va les terminer alors. Salut. Comment ça va, toi? Allez, toi, on te défonce. Boum, je te mets tout dans ta tronche. Allez, on te commence comme ça. Hop, donne-moi tout ce que tu as. Et ça va se terminer en éclat infernal. Et boum, parfait. New skill available, les gars. Ouragan infernal. Mais tout est infernal. Éclat infernal, ouragan infernal. Cette sword est infernale, les amis. Bon, voyons voir déjà Avid. Avid, à quoi ressemble cette attaque? Ok, oh là là, on s'arme directement et... Ouh, ça a pas l'air d'être une attaque de groupe, mais ça peut faire mal. Ok, donc rappelons déjà que l'éclat infernal, maintenant, il fait du 4700 de dégâts. Et d'ailleurs, on tape du combien maintenant? Eh, on tape du 2864, ça a augmenté depuis le début, quand même. Et maintenant, l'ouragan infernal sur toi, et boum. Ok, c'est tout. Attendez, quoi? On a pas... Non, attendez, y a un souci dans la matrice, là. On n'a pas fait que du 3700 de dégâts, c'est pas possible. Alors que la première attaque, elle fait du 4700. On fait 1000 dégâts de moins avec la première attaque. Je suis pas d'accord. Attendez, on réessaye. Mais non, mais ça marche vraiment pas. Bah, c'est pas une attaque de groupe, quand même, attendez. Je me serais fourvoyé. Attendez. Me dites pas que c'est pas vrai. Ok, on essaye Ouragan Infernal sur tout le monde. Ouh, si c'est carrément une attaque de groupe, en fait, autant pour moi. Boum! C'est carrément une attaque de groupe, mais je comprends pas. Mais elle fait quand même pas beaucoup de dégâts, les gars. 3700, c'est pas dingue. Et boum, on les enchaîne, allez, et hop là, on les défonce. Ok, ça va. On peut tous les prendre dans un coin. Wow. Mais je comprends pas tout, là, je comprends pas. Pourquoi cette attaque, elle est moins bien? Je fais quelque chose de mal, les gars, je sais pas. Ouragan infernal, boum. On les défonce, mais wow, calmos toi, tout doux. Je sais pas, les gars, c'est trop bizarre. Bon, dans tous les cas, c'est pas vraiment la Enma qui nous intéresse, les gars. La finalité, ce sera le Cursed Dual Katana, la CDK, les gars, les deux lames d'Oden combinées. Aujourd'hui, les amis, regardez-moi ce style, là. On a un style assez vampirique, un style d'horreur, parce que aujourd'hui, on va tout simplement tester le dernier fruit qui nous manque sur Bloxfoot. Je parle bien évidemment du fruit de Gecko Moria, les amis. Le fruit de l'ombre. Et les gars, déjà, est-ce que vous kiffez un peu ce cosplay, là? En vrai, de vrai, il est pas si bien fait que ça, mais il est cool. Il a son petit style. Et bien, les amis, c'est parti. On va tout de suite aller se chercher ça. Le fruit de l'ombre, les amis. Alors déjà, voyons voir. Je crois qu'il coûte assez cher, quand même. C'est le dernier qui me manque. C'est le dernier qu'on n'a pas encore testé, les gars. Et il coûte, 2425 Robux. C'est pas mal cher. Non, c'est pas mal cher. Donc, on va essayer de le random, en vrai. De vrai. Si on pouvait le random, ce serait vraiment pas mal. Un peu de chance, les gars. On va aller voir le Bloxfoot Gacha. Allez, il nous faut la chance, les gars. Si ça pouvait nous éviter de l'acheter, ce serait pas mal. Ça nous ferait économiser un petit peu de Robux, ouais, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, fruit aléatoire, mon frérot, donne-nous le fruit de l'ombre, peut-être, avec un peu de chance, et le fruit du haché. Non, mais ça y est, frérot. J'en ai marre de l'avoir, lui. Toujours, je le pack. C'est naze. Casse-toi de là. Give him trade. Oh, un fruit? Le fruit du Rocket. C'est pas dit tout ce que je veux. Bon, eh bien, les amis, on n'a pas le choix, hein. Bah oui, mais salut, frérot, évidemment. Oui. On retourne toujours vers le Bloxfoot Dealer. Rupture de stock, évidemment, affiché 2425 Robux, et c'est parti, les gars. Encore un petit peu de sous-sous pour Bloxfoot, et ça encaisse, oui. Mais au moins, on a le Shadow maintenant. Oh là là, on a une âme sombre sur nous. Oh, déjà, c'est stylé, les gars. Je kiffe vraiment le style. Ok, petit flot sombre. Je sais pas pourquoi on a ça, mais c'est pas mal. Bien, les amis, sans plus attendre, on va le tester. Ah oui, non, attendez, il faut peut-être que je remette mes stats dans le fruit. Parce que là, je vais rien faire comme dégâts là. Un remboursement, s'il vous plaît. Ouh là là, mais attendez, mais c'est moi qui fais des trucs sombres là. Attendez, il y a des fois. Mais pourquoi j'ai des particules maintenant? Ah, il y a un niveau d'ombre. Mais c'est quoi ce délire? Attendez, mais plus ça va, plus c'est ombrifique. Comment ça, les gars? Attendez, il y a moyen que j'ai une... Pourquoi ça fait des trucs?
trucs par moment. Je comprends pas encore ce qui se passe, les gars, c'est tout nouveau. On dirait que je suis dans la galaxie. Waouh, mais voilà, ça me fait des trucs bizarres. Oh les gars, fruits détectés. Les gars, fruits détectés, je vous jure que si c'est le fruit de l'ombre... Vous savez quoi, je vais même pas aller voir, j'ai un peu peur. Quoique si, je suis curieux les gars. De toute façon, c'est la règle. Dans les vidéos, s'il y a un fruit qui pop, on va le chercher. Bon, je reprends portail pour l'instant. C'est vers où? Je sais plus. Vers la neige. Allez, on dit que c'est par là. C'est où? Il est où ce fruit? Allez, avec un peu de chance, on a un truc qui va nous rembourser. Un vrai fruit de zinzin qu'on va pouvoir trade, je sais pas. C'est sur l'île du crâne là-bas. Je reconnais. Il y a un fruit tout là-bas. Et bah go crâne. Ok, c'est vraiment ici, dans le crâne à ta mère, fils de... Let's go. Ils l'ont mis au lointain ce fruit. Attendez, c'est un truc de fou. Ok, il est quelque part par là, je le sens. Avec mon odorat de gecko mort. Dégueulasse. Il est par ici et il est là. Et les gars, vraiment, regardez encore le fruit du haché. Je vais péter un câble. C'est quoi ma luck? J'ai zéro luck. Je me casse. Bon, allez, c'est bon. Je vais tout engloutir dans le sombre là. Hop là, back to back avec le fruit de l'ombre, les amis. Ok, donc là, ah oui, on a plus les petites particules. D'accord, le niveau d'ombre il revient à zéro. Bon, on va se tester tout de suite la première. Ah, mais non, faut que je remette mes stats. Mais à chaque fois, j'oublie. Je fais n'importe quoi, les gars. Je sais plus comment faire. Allez, on met tout dans le fruit. Ça part. C'est parfait pour nous, ça. C'est parfait. On a mis toutes les stats. Nickel. Donc là, on va être au max des dégâts. Et évidemment, oh là là, oh le flow en violet. Comme ça, oh là, je suis une terreur de la nuit, terreur nocturne carrément. Ok, Somber Rébellion. Voyons voir ce que ça fait cette attaque. Ok, oh what? Mais attendez, je lui fais quoi là? J'ai pris possession de son âme ou quoi? Attendez, c'est un truc de fou. Petite attaque à 3100 pour commencer. Mais waouh, tout doux, loulou, tout doux. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris possession de son corps, qu'est-ce que j'ai fait? What? Attendez, on disparaît pendant un moment, on prend possession de son âme et on le défonce. C'est pas mal tout ça. Et on va te finir quand même. Il faut nos maîtrises. Et oui, il faut nos maîtrises, mon pote. Et boum! Parfait, nickel, ombre maîtrise supérieure. Oh là là, on en gagne énormément. Peut-être qu'on va avoir... Ah non, pas encore. Maîtrise 50, c'est la prochaine, c'est ombrage. Et c'est sûrement, les gars, pour se déplacer. D'ailleurs, on est arrivé au max de notre niveau d'ombre. Il y a pas de clic, donc je sais pas pourquoi ça va être. Attendant, toi, tu vas nous donner nos maîtrises, frérot, hein. Directement. Oh là là, mais l'attaque, elle est stylée. Il y a moyen que ce soit une attaque très très stylée. Après, je vois pas grand monde le jouer, ce fruit, les gars. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on va savoir pourquoi dans cette vidéo, mais pour l'instant, je comprends pas. Ok, donne-moi mes maîtrises et nickel, ombrage, maîtrise 50. On peut se déplacer. Ah ouais, ah c'est stylé avec les petites chauves-souris et tout. C'est super lent, par contre. Les gars, je suis vraiment... super lent. Ok, mais c'est stylé. Ah, et c'est pas infini. C'est super lent et c'est pas infini. Ok, d'accord. Donc pour l'instant, bah c'est un peu naze. C'est bon. Le truc là pour se déplacer, c'est vraiment naze. Hein. Je vais pas l'utiliser, les gars. Ouais, non, c'est stylé et tout. Je suis Batman, hein. Mais bon, pour l'instant, c'est pas incroyable non plus. Bon, les gars, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Choper un maximum de maîtrise pour avoir le nid d'ombre. Maîtrise 100, les gars. C'est parti. Peut-être qu'on va avoir des techniques de fou furieux. Mais c'est vrai que là, du coup, attendez, il y a trop d'ombre autour de nous là. On se fait envahir. Allez, vous là, vous allez me donner mes petites maîtrises. Hein. Et oui, directement. Et boum, Somber Rebellion. Parfait les frérots. Et ça, j'imagine que l'ombrage ça fait pas de dégâts. Il te fait ah si, oh si, ça fait des dégâts, d'accord. Ah oui, mais c'est pas mal. Oh là là, mais c'est vénère. Mais attendez les gars, je viens de défoncer un mec avec le F. C'est quoi, c'est... J'ai envoyé mes chauves-souris sur lui carrément. Mais je suis vraiment Batman. Les gars, je suis vraiment Batman. Regardez ça, je le défonce aisément. Ah mais c'est, je lui envoie vraiment mes chauves-souris. C'est une dinguerie. Allez-y, attaquez pour moi. Ah c'est peut-être pour ça que ça dure pas longtemps. C'est peut-être parce que ça fait attaque aussi. Donc si on l'avait à l'infini, ce serait un peu cheaté. Et boum, toi tu prends ta dose. On va te continuer avec ça. Oula, pardon. C'est pas comme ça que je voulais tuer mon pote. Allez. Hop là, et hop, petit nid d'ombre, nickel, mais c'est parfait tout ça, c'est hyper vénère. Oh là là, mais ça, cette attaque, je la comprends toujours pas. Ça fait un peu comme la première attaque du portail, les gars, je sais pas si vous avez la ref, mais en gros, ça fait plein de petits portails, piou, 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 et on le défonce, sauf que là, ça fait des trucs un peu d'ombre, ça fait plein de petits piou, 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 comme ça. Voilà, je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer, les gars. Hop là, en tout cas, nid d'ombre, et hop là, tu crèves, mon pote. C'est fini pour toi. Et on aurait pas le boss Fujitora, là, pour nous faire gagner pas mal de maîtrise? Y'a pas un petit boss quelque part, hein? Bah alors, c'est pas cool tout ça. Bon, bah, les amis, sinon, on sait ce qu'il nous reste à faire, hein, tout simplement. On va aller directement en C3. Bah oui, c'est là-bas qu'on va XP le plus, les gars, bah oui. On va choper nos maîtrises de zinzin. Je suis vraiment une boule d'énergie noire, quoi, c'est une dinguerie. C'est un petit flow, ça a son flow. Ok, c'est ici qu'on va choper nos maîtrises, les amis. Hop là, boum, déjà vous, ça prend. Et on met notre acquis, bah oui, toujours. Faut pas déconner. Hop là, boum, sombe. Oh, je suis une petite boule de... Waouh, j'ai cru que j'étais mort, mais en fait pas du tout, je l'ai explosé. Ah mais du coup je suis une petite boule invisible. Mais attendez, mais les gars, je peux trop faire un cache-cache comme ça. Regardez, qui va se douter que je suis un joueur? Regardez, je suis juste un truc sombre. Je suis même pas un joueur, les gars, je suis une boule d'énergie, je suis un trou noir. Je peux rester comme ça à l'infini? C'est une dinguerie. Boum! Et on le défonce. Oh là, on a sauté, oh là quand même, ombrage. Allez, je veux mes maîtrises là. Allez, on se dépêche de canner s'il vous plaît. On se dépêche de canner. Plus vite que ça les petits loups. Hop là, nickel. Maîtrise 90. OK, attendez, on va prendre un petit coffre d'ombre là. C'est parfait, c'est l'occasion. Et on va essayer de les défoncer. Est-ce qu'on peut les défoncer comme ça facilement? Ça prend des dégâts beaucoup? C'est pas mal. Je vais essayer de leur tourner autour. Ah ouais, je leur tourne autour avec ça, c'est pas mal. Bon, faut se diriger quand même, faut se diriger. Faut être un pilote de Batmobile, j'allais dire, mais non, faut être juste un pilote. Waouh! Waouh!
Ça fait pas une attaque. Ok, d'accord. Ça marche pas en attaque de groupe, c'est une attaque unique. Hop là, Umbragio. Et boum, merci pour les maîtrises supérieures. Salut les petits potes. Mais ils nous ont rien rapporté, eux. À toi, mon pote. Somber Rebellion. Et boum, tu cannes. Ok, c'est parfait. Maîtrise 100. New skill available. Nid d'ombre. Alors attends, on va le tester à vide déjà, le nid d'ombre. Ça fait quoi? Ok, là, on est en train de charger une attaque de zinzin. Et qu'est-ce que ça fait? Ok, c'est une sorte de bombe. Ok, on balance une grenade ombrifique. Et bah, ça fait combien de dégâts, ça? Rappelons-le, la Somber Rebellion, et bah, elle fait du 3183. Mais le nid d'ombre, combien il fait? Boum! Ok, 4100! Ah ouais, mais c'est une grenade de fou! Et ça, pour le coup, c'est une attaque de groupe! Ça nous met bien! On commence à avoir pas mal de trucs qui font des dégâts dessus. Boum! Grenade! Waouh, tout doux! Hop là, je te passe dessus, je te ruine! Bam! Là, par contre, les amis, on va passer aux choses sérieuses! Souris cauchemardesque, les amis! Donc, je sais pas ce qu'on va avoir, une attaque de chauve-souris de fou, la maîtrise de sang! On va passer chercher notre petit bateau! Et les amis, de toute façon, vous savez, on va aller défoncer les frérots! Youhou! Hop là, nickel! Oh là 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 là! Quel flow quand même! Quel flow! Là, je me sens pas encore de faire du PVP avec ce fruit, je vais me faire arracher ma tronche. Donc on va aller farm des petits bottes, hein. Ne vous en plaise. Et ben voilà. Ça va toujours plus vite que le F ombrage, hein. C'est pas mal. Mais du coup, là, les amis, avant les prochaines mises à jour, on n'aura pas de nouveaux fruits à découvrir. C'est notre dernier, en fait. C'est vraiment... Là, j'ai pas du tout fait dans l'ordre, hein, les gars. J'ai vraiment rien fait dans l'ordre, c'est une dinguerie, mais c'est vrai que c'est le dernier qu'on découvre. Sinon, on a fait tous les autres fruits. C'est fou quand même d'en être arrivé là. On a enfin tout fini, les gars. Ça me fait peur. Ça veut dire qu'on se rapproche de la fin de l'aventure de Bloxroot. Mais non, les gars, vous inquiétez pas. On a encore plein de choses à voir. Mais quand même. Après les amis, de toute façon, en novembre, il y a le fruit du Kitsune qui va arriver. Et je suis très curieux de le voir. Voilà, pour l'instant, ça va nous remettre des petits fruits un peu à flot. En novembre, ça va être pas mal. Mais là, pour l'instant, oui, c'est le dernier. Le fruit de l'ombre. En tout cas pour moi, hein, voilà. Moi, c'est parce que c'est le dernier que je teste, mais bon. Il y en a, ils vont me dire, oui, mais c'est pas le dernier. Le dernier, c'est le léopard. T'es bête ou quoi? Eh oui. Mais là, c'est le dernier qu'on teste, les gars. Sinon, sur la chaîne, on a testé tous les autres fruits. Et ça, c'est une dinguerie. Bon, en attendant, bonjour à vous, mes chers cookie crafters. Venez par ici. On va vous défoncer pour augmenter la maîtrise. Allez, hop là. Petite technique de Nezuko pour vous défoncer tout simplement. Hop là, boum. On leur enlève tout. Nickel, allez, boum. On les arrache. Attendez, on va essayer le nid d'ombre du coup quand même. On a une petite attaque de groupe, autant l'utiliser. Hop là, on va mettre bien évidemment le haki. Nid d'ombre, boum. Grenade. Quoi? Ça attaquait qu'un seul mec? Attendez, vous allez me dire que ça, même ça, c'est pas une attaque de groupe? Je vais péter un câble. Attendez, c'est une grenade. Nid d'ombre. Là, je la mets en plein milieu de tout le monde et ça attaque qu'un seul mec. Mais c'est un truc de fou. C'est pas sympa, ça. Je comprends peut-être pourquoi les gens ne le jouent pas. Ok, c'est pas grave. Regardez, même l'ombrage. Ombrage, là, on défonce tout le monde. On reste au-dessus de tout le monde, on les défonce. Et s'il avait un vol stationnaire, ce serait incroyable. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. On est en train de les détruire. Waouh! Nid d'ombre. Boum. Et prêt au pif. Somber Rebellion. Bon, toi, on te défonce directement. Voilà, ça fait ça de plus en maîtrise. Et le retour de ombrage et on va tous les défoncer comme ça. Ça, les gars, on tourne autour. À la Batman. On défonce les méchants. Et bah, c'est parfait, on les a tous défoncés et on augmente jusqu'à la maîtrise 134. Et il va en falloir en défoncer combien? Ça va être long pour faire les maîtrises. Je sens que ce fruit va me faire galérer, les gars. Allez, hop, c'est reparti. Encore et encore. Et tout le monde meurt sous l'ombrage. Parfait. Nickel, merci à tous. Attendez, il en reste un, il y en a un qui s'est caché quelque part. Bah oui, mais toi, mais qu'est-ce que tu nous fais, toi? Oui, mais tu vas te prendre tes attaques aussi, frérot. Hop là, ça s'enchaîne plutôt bien. Maîtrise 153, c'est parti. On avance petit à petit. Petit à petit, la chauve-souris fait son nid. Excellent, merci à tous. Suivez-moi sur tous les réseaux. Retrouvez-moi au Comedy Club du lundi au lundi, sauf le lundi. Allez, revenez là, vous. Vous avez voulu faire les marioles. Vous avez instauré de la terreur dans vos âmes, les amis. Je suis un antagoniste, ne l'oubliez pas. Ok, maîtrise 192, que la terreur s'abatte sur vous. Est-ce que je vais avoir ma maîtrise? Et oui, c'est bon. New skill available, les amis. Souris cauchemardesque. Oh, t'as capté. Souris cauchemardesque. Voyons voir, est-ce qu'on fait un élevage? On va profiter qu'il y ait personne pour le tester à vide. Souris cauchemardesque, qu'est-ce que ça fait? Ça avait absolument rien. Rien ne s'est passé, les gars. Non, mais là, mettez-moi au moins une attaque de groupe. Là, s'il n'y a rien eu de visible, ça veut dire que c'est pas du tout une attaque de groupe, les gars. Même la grenade, c'est pas groupesque. Ah bah, ça l'a défoncé par contre. Ah, mais attendez, mais c'est une attaque à distance. C'est une attaque, je la tire n'importe où, ça lui va dessus. Voyons voir. Bon, attends, tu vas tester le souris cauchemardesque. Voyons voir sur toi, frérot. Wow, mais ça le défonce, ok, une attaque à 3900, mais elle a pas d'intérêt de fou. Ça, je tire ça, ça t'envoie des chauves-souris dessus. Mon frérot! C'est pas dingue! Attendez, on va retester avec le haki quand même. Ça a fait du 3900 haki, et maintenant avec le haki, souris cauchemardesque, et boum! 3900 toujours, hein, ça bouge pas, hein. Ça l'envoie juste super loin, c'est chiant pour farm. Hop là, Nidon, tiens, prends ça dans tes os. Ok, les gars, pour l'instant, je suis pas convaincu par le fruit, en vrai de vrai. Je sais pas si ça fait un truc vraiment aux joueurs en PVP. Genre, je sais pas si ça affecte leur écran, si ils voient un peu moins bien.
hein, je sais pas du tout. Mais là, pour l'instant, le niveau d'ombre, je sais pas à quoi il sert. Ce sera sûrement pour le tourment de Corvus, les amis, à la maîtrise 300. Peut-être, je sais pas ce que c'est. Maîtrise 300, ça sent la transformation, non? Y a moyen, avec un peu de chance, Gecko Moria il se transforme, etc. Avec un peu de bol. En attendant, les amis, on doit repartir aux farms au charbon. Attendez, attendez, je vais quand même checker là, les souris cauchemardesques. Dites-moi que ça fait une attaque de groupe. Attendez, on va essayer sur vous trois là. Vous trois, vous servez de cobaye. Ok, souris cauchemardesque. Non, non, pas du tout de groupe. Pas du tout de groupe. Ah, mais ça, par contre, attends, y a plusieurs souris qui sont parties sur plusieurs mondes là. Attendez, si je tire ça à côté d'eux, est-ce qu'ils vont tous prendre des dégâts? Imaginons, ok, ni d'ombre, je tire ça là. Est-ce que vous prenez tous un petit peu? Ouais, non, ça s'acharne sur un seul mec. Bon, c'est pas ouf. J'aime pas trop ce qui se passe, man. Mais c'est parti, les amis. Go farm en balle pour atteindre la maîtrise 300. Ah, dans 2 heures. Mais y a des spectateurs, carrément. C'est un truc de fou. C'est une arène de combat, y a des spectateurs. Les gars, vous dérangez mon farm, je suis désolé. C'est quoi, je suis une bête de foire? Je suis le clown. Bonjour les enfants. Un ballon. Il est fou. Laissez-moi faire mon farm. Ça fait une heure, je suis en train de les désosser un par un. Là. Ils sont en train de m'attirer mes cookie crafters. Laissez mes cookie crafters en paix. Et les miens. On a la maîtrise 295 en plus, on a bientôt fini. J'ai trouvé mes petites strats pour les défoncer rapidement. Voilà, je les mets tous en groupe et le ombrage. Hein. Ça, c'est ce qui marche le mieux. C'est pas mal. Oula, il y a un résistant ici. Mais tiens, mais tu prends ton coup de rébellion, toi. Allez, hop là. Et les amis, il nous manque plus qu'une seule maîtrise pour avoir le Tourmente Corvus. Très hâte de voir ce que ça fait parce que j'ai jamais vu ce flux en jeu, les gars. Je savais même pas c'était quoi les attaques. J'avais aucune idée de ce que c'était. Personne le joue. Et je comprends pourquoi maintenant. Parce qu'en vrai, il est stylé et tout. Hein. Esthétiquement, il a un flow, brochon. Hein, et tout, brochon. Mais il est pas si puissant que ça, quoi. Et pas ergonomique pour fight. Allez, lui, on le défonce. Hop là, boum. C'est toi qui vas nous donner nos maîtrises, frérot. Allez, mon pote, donne-nous la maîtrise 300. Et boum. New skill available. C'est parfait, les gars. Maîtrise 300, les gars, on a 63 d'XP. C'était juste. Mais au moins, maintenant, on a le Tourmente Corvus. Donc, je pense qu'on peut l'activer. On a niveau d'ombre maximal. Je pense que ça sert à ça. Et c'est parti, Tourmente Corvus. Et quoi, c'est. On est énorme. On est un ballon. Je suis un ballon. Wow. Ok, ça, par contre, c'est une attaque de groupe. Mais les gars, qu'est-ce que j'ai fait? Mais les gars, j'ai créé la terreur sur la map. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, mais j'ai invoqué plein de chauves-souris qui sont... Mais what? Mais c'est quoi cette attaque de zinzin? Attendez, ça par contre, c'est une vraie attaque de fou. En vrai de vrai. Les gars, mais vous savez que si je mets ça plus mon truc de dévoreur de monde, mais c'est la fin des temps. Les gars, par contre, du coup, ah oui, ça a réinitialisé mon niveau d'ombre. D'accord, en fait, je pense qu'on canalise beaucoup d'ombre pour que la dernière attaque dure beaucoup plus longtemps. Je pense que c'est ça, c'est ma théorie. Mais attendez, les gars, on va essayer un truc. Attendez, c'est une attaque de groupe. On va essayer de faire un truc cataclysmique. En plus, le jour se lève, c'est parfait pour une nouvelle expérience de guise. Ok, les gars. Oh, niveau d'ombre, on a un bon niveau d'ombre là quand même. Là c'est vénère. On va tester ça comme ça. Ok, on fait première étape dévoreur de monde. Deuxième étape tourmente Corvus. Et boum. Oh là 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 là. On a tout cassé. Bah c'est parfait, j'ai mon multiplicateur de combat qui augmente tout seul. Nickel, ils sont en train de se faire défoncer derrière moi. Plus un ombrage les gars, bah alors là, mais c'est fini. Oh là 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 là. Plus le ombrage les gars, mais c'est foutu. Ils sont morts là. Oh là, 143 000, c'est pas mal. Un bon petit multiplicateur. Wouhou. Souris cauchemardesque, nickel. Wow. Par contre, c'est trop stylé la forme qu'on prend là. On a une forme en énorme. Tourmente Corvus. C'est stylé, on est un gros ballon les gars. Là vraiment on dirait avec juste les cheveux comme ça, on dirait le vrai Gecko Moria les gars, c'est un truc de fou. Je peux pas avoir le devant? Ah si, attendez, on peut voir à quoi on ressemble. Oh là là, attendez, oh le gros ballon. Oula, il y a des gens qui viennent vers moi, cassez-vous, partez de là. Oh là là, mais la zone de terreur. Et c'est un truc de fou, la zone elle est super grande, elle fait pile poil la taille de la zone des Cookie Crafters, c'est pas mal remarque. Et si on enchaîne ça avec Ombrage, voilà, c'est terminé. Et Dévoreur de Monde, bon, encore plus. Et boum, on casse tout. Wouhou, c'est pas mal, moi je kiffe bien. En vrai, c'est dommage parce qu'il y a que la dernière attaque qui est worse. Genre vraiment, elle est vraiment incroyable. Mais il y a que celle-là quoi. En tout cas pour farm, c'est pas mal. Parce qu'après en PVP, il va faire rester le mec dans ta zone pendant 1000 ans. C'est compliqué, mais ça peut se faire encore. Mais il y a plein de gens ici, mais c'est un fan club. Ils sont trop mignon. Ils m'ont attendu à la sortie. C'est quand ta prochaine vidéo, Gizmo? Bah c'est là, tout de suite maintenant là. Bon et bien les amis, on aura fini de tester ce dernier fruit les gars, le dernier fruit qu'on avait à tester maintenant. Il nous reste les V2 les gars. J'ai fait tous les fruits mais j'ai pas fait toutes leurs V2. Il nous reste pas mal de choses à voir encore. D'ailleurs je sais même pas si ce fruit a une V2. Si c'est le cas les gars, vous savez, il y a l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Dites-le moi. Et merci à tous bien sûr d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Un autre fruit est apparu. Ok, la dernière mission, avoir un bête de fruit. Ok. Oh il est pas. Oh je suis arrivé sur la bonne île dès le début. Non ils me suivent. Cassez-vous, ils me suivent. Laissez-moi en paix, c'est mon fruit. Ils veulent me voler mon fruit. Maman, ils veulent me péter mon fruit. C'est mon fruit. Ok, il est quelque part par là. C'est quoi le fruit? Il est où? Non, c'est par là-bas. Vous me trompez de route. Ok, il est là, c'est le fruit du Rumble. Oh, c'est pas mal quand même. C'est un but de fruit. Qui le veut? Je l'ai déjà, qui le veut? Hop là, tiens, je le lâche. C'est pour toi. Cadeau mon pote. Je vous le donne. Oh, je l'ai déjà, hein. Attends, parce que si je l'ai drop et que je l'ai pas. Ah non, c'est le fruit du séisme, autant pour moi. Fruit Rumble là et fruit du séisme ici. Ok, d'accord. Et bah, content pour vous. Amicalement vôtre. Et c'est quoi? C'est le fan club de Katakuri ici, c'est un truc de fou. Oh là là, ils sont
sont en train de péter un câble. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Mais oh là là, ils sont trop déter. Les amis, aujourd'hui, on va tout simplement se faire évoluer le fruit du tremblement en V2, les gars. Mais avant qu'on commence ça, les gars, bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle. Enfin, on va découvrir la puissance du fruit du tremblement, les gars, en V2. Ça va être insane. Attendez, attendez, faut que je vous montre ça déjà. Faut qu'on fasse un petit récap de ce qu'on avait. Ok, alors, première attaque, les gars, le punch de tremblement de terre. Voyons voir. Donc, ça, c'était vraiment un gros coup de poing très très vénère. Ensuite, on avait la vague de tremblement pour défoncer tous les ennemis sur son passage. Boule de fou furieux, le tremblement de terre classique en boum pour défoncer les ennemis en groupe, quoi, qui étaient aux alentours. Et bien évidemment, les gars, le double tsunami avec le tsunami qui arrive tranquillement. Attention, les gars, parce que du coup, il y a tous les abonnés qui sont venus m'aider. Waouh, waouh, faites gaffe à vous. Donc, des attaques plutôt stylées. Oh là, ils ont pris pas mal de dégâts. Je peux tester sur vous le choc de tremblement de terre. Hop là, bon, ouais, les gars, en fait, tout ça, ça explose un petit peu tout le monde. Oh, pardon, pardon. On va retourner en safe zone. Les amis, d'ailleurs, merci à tous les abonnés qui viennent pour m'aider à faire les V2, les raids et tout ça. Bien sûr, si vous voulez faire comme eux, bah, il y a le Discord en description. Alors, en tout cas, vous pouvez voir qu'ils sont très très vénères. Donc, si vous êtes aussi vénères qu'eux, bah, venez, on est bien. On achète le tremblement, bah, c'est bon, c'est acheté. Nickel, bah, on peut y aller. Ah, mais non, faut que je mette la puce. C'est vrai, je suis bête. Autant pour moi. C'est où à mettre? Je sais plus où je la mets la puce. Il faut la mettre où? Je sais pas. C'est là? C'est pas là? C'est là? Je sais pas. Si, c'est bon, j'ai cliqué, c'est là. Chargement de la carte, c'est parti, on y va. Qui va être choisi, les gars? Qui va être choisi parmi les abonnés? Mais faut aller sur la plaque, là, par contre. Ok, c'est bon. Voyons voir. Oh ouais, il y a du mammouth, il y a du truc vénère là. Ils sont très très énervés. Et bah c'est parti les gars, 3, 2, 1, en avant. On va pouvoir se réutiliser un petit peu nos attaques. Boum, pour les défoncer. Hop là, vague de tremblement. On en profite de ces attaques les gars, avant qu'il n'y ait plus grand chose. Oulala, le tsunami, vite. Oh tsunami, viens m'aider. Oh là là, on est en train de les défoncer. Et boum, nickel, on fait des petits dégâts par-ci par-là. Oh là là, mais le mammouth il rase tout sur son passage. C'est pratique le mammouth pour les raids quand même, hein. Ça fait plaisir. On va les défoncer comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Et boum, hop là, ciao bye Simer. Vague de tremblement. Kaboum! Ok. Ils sont chauds avec nous, hein. Les gars, ils sont super déter. Boum, lui, on le défonce en 2-2. Allez, les gars, c'est parti. Allons à la prochaine île. Allons les détruire un petit peu. Oula, oui, c'est vrai, y a pas les. Autant pour moi. Hop là, on va sur le bateau. En avant! Prenez la barre, monsieur. Je vous fais confiance. Allons les défoncer. Donc là, les gars, ça me paraît un peu bizarre qu'il y ait une V2 avec que 4 habilités, les gars. Parce que regardez, on a que 4 habilités. Punch de tremblement, vague de tremblement, tremblement de terre et double tsunami. Peut-être qu'ils vont nous en rajouter une, les gars. Avec un peu de chance. Est-ce que ce serait pas sympa qu'ils nous en rajoutent une? Moi, j'ai envie. J'ai envie, les gars. Oula, mais c'est pas du tout un. Je pensais que c'était un PNJ, autant pour moi. Eh les gars, on les enchaîne. Ok, toi mon frérot, tu prends tout dans ta tronche, nickel. Y'a besoin d'aide le mammouth ou pas? Mammouto. Ok, on les défonce. Dévoreur de monde. Et il est tombé dans l'eau lui. Et les amis, bien évidemment, dites-moi en commentaire s'il y a un autre fruit que vous voulez que je V2 en priorité. Voilà, j'écouterai la commu en commentaire. Mais évitez de proposer des fruits que j'ai déjà fait, quoi. Parce qu'il y en a plein que je vois en train de me dire de faire des trucs que j'ai déjà fait 1000 fois, les gars. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup de vidéos Bloxfoot, on peut s'y perdre, mais bah si vous tapez un truc sur YouTube, bah vous le trouverez. Oh. Ça va toi, tout doux? Tout doux, loulou. De castagne, mon pote. Ok, c'est parti. Prochaine île. Reprendre le bateau, par contre. Je peux pas nager, moi. En avant. En avant ou pas en avant? Prends la barre ou tu prends pas la barre? Bon, bah, je vais conduire, frérot. Je suis coincé sous l'escalier. Je suis coincé. Mais non. Mais c'est relou. Bon, il sait conduire un bateau. Il veut pas conduire le bateau. Bon, bah, laisse-moi conduire, alors, monsieur. Il est chiant. J'arrive pas à conduire. Ah bon, on n'avait pas remarqué. C'est pas grave, frérot. T'inquiète pas. J'ai peut-être pas le permis, mais j'ai le pilotage automatique. Wow. Ah, mais tu m'étonnes. Aussi, avec tes grosses pattes, comment tu contrôler le gouvernail? Je savais pas que c'était le mammouth. Allez, c'est parti. Allons aider nos petits potes. On va finir ça en bonne et due forme, en grande pompe. Attends, mais c'est un Luffy? Ah non, j'ai cru que c'était un Luffy Gear 5 qu'on affrontait. Attendez, mais quoi? C'est pas un Luffy là-bas? Laisse-moi le voir un peu plus près. Bah, il est mort. Elle est morte, demande sur tes chicots, toi, mon petit pote. Tiens, mange. Mange tout ça dans ta tronche. Mais c'est pas un Luffy. Ah non, je pensais que c'était un Luffy Gear 5, ce mec, en fait. Mais pas du tout. Boum! Ils sont où les méchants? Défoncez les méchants! Boum! Allez, un petit tsunami pour tout le monde, ça fait plaisir. Ah bah non, c'est bon. C'est la prochaine île maintenant. Il faut reprendre le bateau. Bon, pas celui-là, il est un peu en mauvais état. Oh, reprendre celui qui est là-bas. Et je conduis, évidemment. Ils sont déjà en train de se péter pas mal. C'est pas encore l'île du boss? Il nous en reste encore une autre après? Et bah, on va se dépêcher. On doit voir tout ça, nous. Oh, putain. Faisons une dernière review des attaques, les gars, sur ces malandrins. Punch! Boum! Oh là, il m'a fait mal. Vague du tremblement. Mais pourquoi il se cache là aussi, les frérots? Hop là, tremblement de terre. Tiens, boum, dans tes chicots, toi tu manges. Et toi, bah, tu vas te prendre le double tsunami, hein. Désolé, frérot. Et le petit punch aussi. Wouh! Oh là, attendez, on a tout cassé là. Ouh là. Ou j'en connais qui vont se prendre la vague de tremblement. Mais à chaque fois, ils me les enlèvent de ma trajectoire. C'est une dinguerie. Les gars, en vrai, imaginez en habilité supplémentaire dans la V2 un clic. Un petit clic comme ça qui balance des. On a juste à cliquer et ça balance des mini tremblements de terre. Ce serait une vraie dinguerie en vrai de vrai. Ce serait ouf. Boum, le choqueur, arrête de choquer. Je vais te défoncer, toi. T'es pas prêt. Wow. C'est en train de se castagner dans tous les sens, toi. Donne-moi ton âme. Hop là, salut. Hop là, boum. Ah bah, va dans l'eau. Et boum. Il en reste. Tremblement de terre. Boum. Et un petit tsunami pour les restants. Waouh. Oula, ça me met mal en point.
Oula, j'aime pas l'eau, je crée des tsunamis, mais j'aime pas l'eau. Bon, c'est bon, tout le monde meurt au bout d'un moment ou. Alors, donne-moi ta vie, toi. Allez, voilà, donne-moi tout ce que t'as, nickel. Et y'en a, ils veulent pas mourir, hein. Ils ont du mal, ils veulent pas mourir, lui. Mais vous non plus, mais c'est un truc de fou. Et bah, tremblement de terre, alors, c'est parti, boum. C'est bon, tout le monde est mort. Oui, il en reste un là-bas, mais c'est un truc de fou. Boum. Il te faut un tsunami pour comprendre. Et bah, tsunami pour comprendre, alors. Plus un dévoreur de monde, tiens, mange-toi ça. Alors, je sais pas contre qui ils se battent les autres parce qu'il reste plus que lui, les gars. Contre qui ils se battent les autres? C'est une dinguerie de faire ça. C'est bon, il est mort. Non, mais le mammouth, il est. Le mammouth est un peu empoté. C'est bon? C'est terminé, let's go. Allez, vite à l'île du boss, les gars. On a 5 minutes pour faire l'île du boss. J'espère que c'est pas trop chaud. Et c'est vrai qu'en même temps, on a pas de Bouddha là. Il nous aurait peut-être fallu un Bouddha. On a un mammouth et d'autres gars. Ils me demandent si ça va. Mais ça va. Ça ira quand on aura la première habilité. Est-ce qu'on a assez de fragments d'ailleurs? 11 000, oui, bon, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Ah oui, ça ressemble à une île de boss. Oh, ça oui, ça ressemble à une île de boss. En plus, ça reprend les. Oh bah oui. Oh le boss, il est là-bas. Oh le boss. Oula, le boss. C'est tout doux. Tout doux le boss. Hop là, boum, le boss. Wow. Ça m'a envoyé super loin. Vague de tremblement sur le boss. Hop là, boum. Oulala. Ça me plaît pas tout ce qui se passe. Hop là, je reprends la vie un peu. Aouh! Allez, on défonce le boss! Aïe, il nous fait mal! Mais pourquoi je suis tout seul? Il n'y a pas rien de monde sur moi! Oh là, le boss! Non! Il m'a fait super mal! Mais pourquoi on est plus que deux, les gars? Pourquoi on est plus que deux contre tout le monde? Non, c'est bon, on est trois! Aïe! Non, mais là, je vais mourir en fait! Je vais mourir! Oh là là, j'ai réussi à m'expirper de ça! M'expirper! Ok, je reste là le temps de reprendre ma vie un petit peu! Mais non, mais qu'est-ce que je raconte? Je suis bête, moi, je peux reprendre ma vie avec cette attaque! Merci beaucoup, mon pote, ça fait plaisir! Redonne-moi tout ça! Et retourne dans l'eau surtout! Non, il va m'attaquer! Casse-toi! Dégage! Je veux pas de toi ici! Non! Vite, redonne-moi encore de la vie un petit peu. C'est bon, j'étais à court. Non, mais pourquoi à chaque fois je vais dans l'eau là? Voilà, toi tu vas tomber, oui. Attendez, c'est comment chez le boss là? Le boss faut le défoncer, les gars. Oh là là, je sais pas ce qu'ils font les abonnés. C'est une dinguerie. Ah si, c'est bon. Y'a le mammouth dessus, mais il a encore toute sa vie. Oh là là. Oh là, mais c'est une dinguerie. Il me faut de la vie, vite. Je repris ma vie sur le boss. Non, mais les gars, je me prends toutes les attaques, mais c'est un truc de fou. Ok, double tsunami, c'est bon, mais saoulé. Mais les gars, si je meurs, comment j'ai trop le seum? T'en redonnes de la vie. Voilà, m'attaque pas, tu redonnes de la vie, c'est tout. Point barre. Ok, c'est bon. Un petit dévoreur de monde sur le boss, peut-être? Ça peut aider. Redonne de la vie, toi, redonne de la vie. Oh là, mais c'est la guerre. Ok, c'est la guerre sur le boss. Boum. Il est en haut, on a plus que 3 minutes, faut y aller. Mais il est où? Mais il disparaît. Ok, je remets un petit coup de tsunami, ça va lui faire du bien. Allez, va prendre l'eau, mon pote. Allez, on lui met tout dans la tronche. Oh, aïe. Oh, aïe. Allez, on le castagne, les gars, j'ai confiance en vous. On peut le défoncer. Oh là, mais pourquoi c'est moi qui prends les attaques dans la tronche? Il est où le boss? Mais il est reparti en haut. Oh là. Hop là, j'ai pas réussi à le viser. Ok, vas-y, bah je le tape. Mais en fait, le mammouth, il l'envoie à Pétaouchnok. Mais arrête de l'attaquer, le mammouth, en fait. Il faudrait qu'il arrête. Non, mais le mammouth, c'est insupportable. Il arrête pas. Oh là là, non. Ok, il est pour moi. Hop là, dévoreur de monde dans tes dents. Hop là, un peu de ça, un peu de ceci, un peu de cela. Eh, mais les gars, un jour je vais mourir, je vais rien comprendre. Allez, faut le défoncer, les gars. 1 minute 48 là pour le défoncer. 1 minute. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Allez, il a bientôt plus de vie là, faut le défoncer. Allez, on y va, mais il va respawn. Mais il le fait dégager à chaque fois, le mammouth. Allez, voilà, prends ta dose. Voilà, un peu de ça, un peu de ceci, un peu de cela. Non, mais le mammouth, frère. Hop là, allez, on le fait dégager, on le rechoppe là, de toute façon, il respawn ici. Allez, faut l'enchaîner. On le tabasse. Attendez, c'est moi ou le boss? Je crois que le boss m'a tapé avec ses points. Ça veut peut-être dire qu'on va pouvoir taper avec nos points aussi en V2. Je sais pas. Allez, le boss a bientôt plus de vie. Non, je veux pas. Je reviens. Allez, il a bientôt plus de vie, les gars. Oh, donne la vie, le boss. Voilà, c'est bon, on a défoncé le boss. Enfin, on a complété le raid. On l'a fini. Avec 53 secondes, il nous restait 53 secondes, c'était tendu. Ok, frérot, oh, grande mystérieuse entité, mets-moi bien. Première habilité, ok, c'est parfait, pouvoir éveiller. Wouhouhou! À la place du punch de tremblement de terre, on a quoi? Le démolisseur fatal. Attendez, ça donne quoi, ça? Oh là, bah, c'est quoi cette histoire? Attendez, quoi? Les gars, ça n'a strictement rien fait pour l'instant. C'est un peu chelou. Ça n'a rien fait pour l'instant, mais regardez. Hop, ça fait ça. Et voilà, c'est tout. Classé sans suite. Attendez. On va se rapprocher d'un ennemi, ça fait sûrement un truc incroyable. Une attaque à combien? Combien de dégâts est fait cette attaque? Ok. Oh! 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 Mais c'est un truc de fou! Oh, mais what? J'ai cru que ça avait bugué. Mais alors, ça fait une déchirure de l'espace-temps. Et tout doux, toi, là-bas. Je vais te la remettre. Mais les gars, mais c'est incroyable cette attaque, elle est trop belle. Oh, elle a tellement son propre flow. Regardez-moi ça. Démolisseur fatal, hop, on le chope. On bloque la réalité et oh, ça casse, oh, c'est stylé. Non, c'est incroyable. Oh, l'attaque, elle est folle, les gars. L'attaque, elle est folle. Elle fait pas énormément de dégâts, mais elle est incroyable. Et attendez, ça le fait à plusieurs ennemis? Genre, c'est une attaque de groupe ou pas? Attendez, on va essayer de la mettre aux deux, là. Hop là. Boum. Ah oui, ça les stoppe net et ça les défonce. Ah, mais par contre, ça fait les dégâts à une seule personne. Mais on arrête le temps, par contre. Ça, c'est un truc assez stylé. On arrête le temps, les gars. Démolisseur. Hop là, boum. Et oh là 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 là, non, l'attaque, elle est ouf. Elle est ouf. Les gars, la première attaque est 100% validée. Non, franchement, les gars, comme première attaque, elle tue. Elle
tue vraiment en termes de flow. Bon, il y a juste les dégâts, je suis un peu déçu au niveau des dégâts, mais sinon les gars, en termes de flow, elle est incroyable, elle a trop de style. Je suis trop content. Mais les gars, je me demande vraiment qu'est-ce que ça va être les autres habilités. Genre en vrai, le X et le C, ça va être des trucs un peu similaires, je pense, à ce qu'on avait avant. Mais le V, les gars, le V, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Ça peut donner lieu à une dinguerie de fou. OK, en attendant, on est back to back. Salut les petits loups, elle est incroyable. Attendez, je peux la tester sur un joueur? Oh là là, oui, on le chope et boum! Oh là là, c'est incroyable. Trop stylé. Merci d'avoir servi de cobaye. Désolé. Bon, par contre, attendez, il faut que je mette mon home point. Parce qu'on va pas se taper la tournée en bateau tous les jours. Hop là, accepté, nickel. Home point set. Let's go. Ah, il veut faire une photo. Oui, oui, on fait une photo. Attendez, on lui fait une petite danse pour la photo. Une petite danse. Allez-y, les gars, allez-y. Ah, je suis mort, il a le même skin que CRB. Stylé. Imaginez, c'est CRB qui s'est infiltré dans ma vidéo. Imaginez. Faudrait que je le fasse un jour, les gars. Dites-moi si vous êtes chaud que je m'infiltre dans la vidéo d'un youtubeur comme ça, on se crède. Ça pourrait être marrant. Bon, en attendant, c'est reparti pour un tour. Il me reste une petite place. Vous êtes trop gentils, les gars. Aujourd'hui, c'est mon anniv. Bonne anniv, petite lumière d'ampoule néon. Et en avant les amis, est-ce qu'on aura un Bouddha cette fois-ci avec nous? Oh oui, lui s'il est avec nous c'est vénère. Oh oui, il est avec nous le Bouddha, oh mais on a deux Bouddhas. Oh bah les gars c'est pépouze, j'ai besoin de rien faire, merci à tous. Les deux Bouddhas sont là pour me protéger, c'est merveilleux. Oh là là, on est trop bien. Et c'est parti les gars pour la prochaine habilité qui va remplacer du coup la vague de tremblement. J'espère que ce sera moins long pour défoncer le boss quand même. Oula, oula, oula là, ça a du mal, nickel, en avant. Oh je vais te choper un ennemi mon pote, avec le démolisseur fatal. Y'a pas un ennemi quelque part? Bon prochaine île, c'est pas grave. Bon, en même temps ils sont trop forts les Bouddhas, ils sont tous en train de les défoncer en deux secondes. Je vais pas me plaindre. Ok, qui va se prendre son coup de démolisseur fatal là? Qui va le prendre? Ok. Ouais, je vois plus rien, je vois plus rien. Ils ont cassé la map. Ok, toi là-bas. Alors toi, viens là. Ok, brèche espace-temps. Boum. Oh là là, mais il s'est passé trop de trucs à la seconde. Ils sont trop vénères. Tiens, toi, dégage. Tu veux le tremblement de terre? Eh bah tiens, mange. Et un petit tsunami aussi pour la peine. Mange-toi ça. Attention les gars, ils annoncent un peu de pluie. On se retrouve au boss là, c'est trop la catastrophe. Les gars, je sais pas ce qui se passe, ils sont trop vénères. On se retrouve au boss. Ok, attendez les gars, objectif, choper le boss avec le démolisseur fatal. Attendez, il est où? Ok, il est là, je le chope. Il est à moi, le boss. Oh, la scène est incroyable. Oh, trop stylé. Bon, maintenant, dévoreur de monde, hein, faut arrêter de rigoler. Terminez le boss, terminez-le. Défoncez-moi ça, la racaille. Ce boss est une racaille. Oh, lolo. Ok, on va mettre un petit peu de tsunami. Hop là, tiens, on le rechope. Boum. Oh, c'est une dinguerie. C'est trop stylé. Ok, il faut faire attention. Il est vicieux, ce boss. Il est vicieux. Oh, là, tout ce qu'on lui met. Oh, là. Mais il m'a envoyé où? Ah. Et reviens là, le boss. Reviens là, je t'ai dit. C'est pas fini pour toi. On a encore plein d'attaques à te mettre dans la tronche. Oh là là. Oula, dégage! Il me fait peur! Il est fou ce malade! Allez, on le cogne! Oulala! Attendez, il faut que je récupère de la vie! Monsieur le boss, revenez là! Wow! Je suis fichu! Non, c'est bon, ça va! Je vais bien! Ok, allez, le boss a bientôt plus de vie! Viens là, le boss! T'as plus de vie, on le sait! Boum! Je te défonce avec tes attaques! Oulala! Ok, on va mettre le tsunami pour terminer le boss quand même! Ce serait pas mal! Allez, tiens pour toi ça, Mister le boss! Il est où? Alors, il est mort! Mais bah alors, il est tout mort, le boss! Et bah, on va finir tes sbires! Venez là, vous! Wow! Nickel, les gars! Bah oui! Ah bah, c'est sûr qu'avec les Bouddhas, les gars, il reste 5 minutes 49, les. Alors que il nous restait juste 50 secondes! Les Bouddhas, c'est trop utile pour les raids, là, c'est la preuve! Ok, maintenant, c'est parti! On va pouvoir augmenter la version de notre deuxième petite maîtrise pour 3000 petits fragments! Voyons voir broyeur d'air! Oh là là, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est que ce broyeur d'air? Attendez, X, ok, d'accord, on arme déjà, on dirait un Kamehameha, et ça fait... Oh là 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 là! Ah ouais, d'accord, c'est vénère! Attendez, mais ça fait une boule qui se balade encore comme l'ancienne attaque ou pas? Attendez, on va essayer sur mes cobayes là-bas. Restez à distance! Non, vous en faites pas, restez à distance! Fais sur moi! Oh là là, il est trop sympa, il veut être le cobaye! Ok, voyons voir le broyeur d'air. Oh là là, ok, c'est tout? Attendez, c'est tout? Ça fait que du 2100? Après, c'est peut-être parce que c'est sur un joueur, je sais pas, peut-être que ça baisse le nombre de dégâts. Voyons voir, attendez, tout à l'heure on faisait du... Attends, reviens là! Mais broyeur d'air, mais en tout cas, ça fait une boule vraiment qui traverse tout, l'infini quoi. Bon bah elle est stylée, mais moins que l'autre quand même, moins que la première. Démolisseur fatal, c'était quand même une sacrée dinguerie. Et c'est reparti pour un tour. Bonjour Mammouth, on vous a pas oublié hein. Allez, on y retourne. Maintenant c'est le tremblement de terre originel qu'on va devoir changer. Allez, plus que les petits sbires à terminer. Et on en aura fini avec cette île. Ce serait tellement cheaté qu'il meurt juste quand il tombe dans l'eau. Allez, casse-toi de là toi. On le chope au passage, on le chope. Défoncez-moi ça là. La vermine, et boum, c'est bon, on a terminé le raid. En 6 minutes 30 les gars. On fait des records. C'est parfait ça. Allez, voyons voir ce qu'on aura maintenant à la place du mystérieux tremblement de terre. Ascension. Pour 5000, j'ai 5000 monsieur, oui. Et nickel, c'est parfait, ça nous a mis onde de choc spatiale. Spatiale carrément, hein. Là on est sur quelque chose d'assez lunaire, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, voyons voir ce qu'est fait déjà à vide. Wow, ok, mais attendez, mais ça explose la zone. Là, attendez, ça fait combien de dégâts là? Je suis curieux de voir combien de dégâts ça fait. Attendez, parce que si vous êtes plusieurs, il y a moyen que ça fausse les données. Ok, bah on va dire que vous êtes deux dans la zone. Ok, voyons, testons ça, deux dans la zone, voire trois. Quoi, ça fait que 2000?
2000 c'est pas dingue, non? Toudou, Broyarder, voilà, cadeau. Pas si dingue, il est cool. Il fait son petit show, mais bon, bah c'est une attaque de groupe comme l'autre, en fait. Sauf que bah cette fois-ci, on a les deux mains vraiment vénères. Ça a son délire. En vrai, de vrai, ça a son délire. Ah, mais j'avais pas mon haki, en plus. Non, franchement, il est bien, bien stylé. Bon. Eh, mais attendez, je suis quand même curieux de voir combien ça fait contre un bot. On va tester contre les bots. Ok, allons voir ça. Bonjour, les petits bots. Alors déjà, démolisseur fatal. Ça, on sait que ça met quand même pas mal. On va faire un petit récap. 3500, c'est vénère. Le broyeur d'air, du coup, ça fait combien? Ça fait du 3200. Et l'onde spatiale, attendez, il faut qu'on essaye sur un seul machin. Onde spatiale, on l'explose et boum! Oh, what? Ça fait du 6700? Non, j'en ai touché deux. J'ai dû en toucher deux, c'est pas possible. Ça fait pas autant de dégâts. Attendez, on va se mettre à côté de lui, là. 6000, non. Onde spatiale, normalement, on va toucher que lui. Et ça fait du 3300. Voilà, on est d'accord. 3300, donc c'est quand même que... Hein? Le premier qui se moque, je le tue. Au! Bon, bah, toi, tu t'es moqué. Allez, je te tue. Dégage de là. Je vais te finir à l'onde spatiale, moi, et... Boum! Voilà, il m'a saoulé. Eh, mais attendez, il y a le fruit qui est juste à côté. Eh, c'est pas mal ça, on a visé la bonne île. Il y a le fruit qui est juste à côté, c'est parfait. Si on a le fruit du tremblement, c'est une dinguerie. Ok, il est là et... Oh! Ah non, j'ai cru que c'était vraiment le fruit du tremblement, les gars, j'ai eu peur. On a le diamond. Bon, bah écoutez, on va le donner à un abonné, hein. À quiconque le voudra, parce que c'est un fruit assez commun quand même. Oh, what? Ils sont tous là, ils attendent bien sagement. Mais c'est des ouf! Je leur ai rien demandé. Je suis parti comme ça pour tester. Bah tenez, voilà pour votre sagesse. Prenez, c'est cadeau. Et on y retourne, les amis, pour terminer. Normalement. Oh, attendez, je dis terminer, mais ça se trouve, il y a une autre habilité en plus. Ça se trouve, il y a un clic, les gars. Mais on va quand même changer le double tsunami. Je sais pas ce qu'on va avoir, les gars. On va créer un cataclysme. Si on a autre chose que ça, un truc vraiment plus vénère, on va détruire la map de Bloxroot, en fait. Oh là là, mais lui, il est trop mignon, lui. Mais regardez-moi ça, ils ont des skins tout petits, tout mignons. Ils me fument avec leurs skins. Oh, ils ont summon un civiste. Wow. Alors, tout doux. Wow. Mais les gars, voilà. Je sers à rien, en fait. Ils sont trop vénères avec moi. Ils sont trop vénères. Je ne sers à rien. Je vais rester dans ma charrette et je vais rien faire. Oh là là, le boss, il se fait rafaler dans tous les sens. C'est une dinguerie. Y a-t-il encore un boss? Boum! Dévoreur de monde, on défonce le boss. Wow! Ok, est-ce qu'on peut le... Oh, dommage, j'aurais kiffé le faire venir à moi. Eh, viens là. Oh, voilà, bah le mammouth, là, il a détruit le boss, là, c'est bon. Y a-t-il encore un boss? Eh, bah, c'est bon, y a plus de boss. On l'a défoncé. Eh, bah, nickel! On bat pas notre corps, mais on l'a quand même fait rapidement. Et les amis, normalement, c'est la dernière maîtrise. On change le double tsunami en autre chose. Mais attendez, je vais pas avoir assez de... Si, c'est bon, ascension. J'ai assez de... 8000 fragments! J'ai pas assez de fragments! C'est une dinguerie! Bah, on est obligé d'en reprendre. Bah oui, attendez, il m'en faut combien? Il m'en faut beaucoup! Bah, on met 500 Robux de fragments! Allez, c'est parti! Encore un petit chèque pour Bloxfoot! Non, mais attendez, les gars, me dites pas qu'il y a une autre habilité après ça! Après 8000, moi, je me fous en l'air! S'il y a encore une autre habilité qui coûte plus cher! En tout cas, vas-y, donne-la-moi, moi, la V-Ability pour 8000! J'espère qu'elle est bien! Qu'est-ce que c'est, les gars? À la place de double tsunami, on a... Tsunami? Attendez, on vient d'échanger un double tsunami contre un tsunami normal! Bon, qu'est-ce qu'il fait? Voyons voir ce qu'il fait le double tsunami. Pour l'instant, je vois juste un tsunami, je vois rien. Ok, bah y en a qu'un, non? Bah là, c'est un double tsunami, ça n'a rien changé. Ah oui, double. Ça fait un double. Il est en x2. Ok, il est juste en x2, du coup. Mais ça, je suis un peu déçu, les gars. Je suis vraiment un peu déçu. C'est juste la même chose, mais deux fois. Bon, en vrai, c'est fort. Mais en termes de flow, de design, wow, on se fiche de nous. Ils ont copié-collé, c'est tout. Bon, on demande quand même, est-ce qu'il y a un autre truc à prélever? Non. Et le dernier truc? Bon, apparemment, il y a même pas de clic. Pas de clic. Bon, bah, les gars, on finit quand même avec un double tsunami, mais on va voir. Attendez, faut qu'on le teste. Allons au port, voyons voir. Je vais aller tester ça sur un boss. Je vais aller tester ça. Est-ce qu'il y a le boss là-bas? Bah, nickel, on va tester un petit peu la puissance du fruit. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rester là, s'il vous plaît? Je vais aller tester sur le boss. Voyons voir. Le double tsunami, la puissance du double tsunami. Mais viens là, suis-moi, viens là. On va tester sur toi, frérot. Ok, tsunami, c'est parti, on va le tester directement. Ok, déjà, ça lui fait des dégâts, ça lui fait 3300 de dégâts. Plus les tsunamis qui arrivent, ok, voyons voir. 3300 plus. Ok, donc déjà ça fait du 6000, et là c'est tout. Il se reprend des trucs ou pas? Non, ça fait juste du 6000. Ok, ça fait du... C'est une attaque qui fait du 6000 de dégâts. Je m'attendais un petit peu mieux en vrai, les gars. Je suis un peu déçu. Mais bon, le fruit est quand même très très stylé, surtout cette attaque, les gars. C'est vraiment la meilleure attaque, hein. Elle est incroyable. Oi. Le démolisseur fatal. Après les autres, c'est un peu de ce qu'on avait déjà vu. Il est où? Il est enterré? Il est là. Onde spatiale, c'est pareil. Bon, ça fait une grosse surface d'explosion. Mais bon, le tsunami, c'est dommage. Après, voilà, si on l'enchaîne et tout, il continue de se prendre des dégâts, ça peut lui faire un enchaînement quali en vrai. Mais bon, voilà, je m'attendais à quelque chose de mieux en termes de design sur la dernière attaque. Aujourd'hui, les amis, on va découvrir une toute nouvelle arme qui fait partie de l'équipe des pistolets. Voilà, aujourd'hui, les amis, on va découvrir l'arme d'Usopp qui se trouve en C2. Mais avant toute chose, bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle. C'est vrai, les gars, que sur le jeu, on oublie un peu qu'il y a les pistolets, quoi. On est plus attaché aux fruits, aux épées, tout ce genre de petites choses. Mais en vrai, bon, c'est vrai que le main pistolet, les gars, c'est quand même la Saul Guitar.
guitare de Brooke, hein, voilà, qui est considéré comme dans l'équipe des pistolets, mais bon. Dans cette catégorie, il y a aussi le famoso lance-pierre de Usopp, les gars, qu'on va essayer d'aller trouver. Et normalement, les gars, c'est pas si compliqué parce que Usopp, il a quand même sa propre île en C2. Et c'est ça qui est pratique. D'ailleurs, les gars, vous kiffez un peu ce cosplay ou pas? Franchement, il a un petit flow, en vrai de vrai. D'ailleurs, je crois qu'on avait récupéré son chapeau quelque part. Il est où? Il est où? Ok, chapeau d'Usopp. Bon, bah, ça va pas coller avec les deux, mais bon. Ah, quoi qu'il y a un petit flow. Il y a un petit délire. Je sais pas ce qui nous rapporte en plus. Peut-être un peu plus de acquis d'observation, j'en sais rien. Il y a moyen que ce soit ça. Je sais pas du tout. Si quelqu'un sait ce qu'il apporte en plus, et bah, dites-le moi. Ok, nous, en attendant, on se dirige par ici. Bonjour. Il va nous falloir un petit bateau, évidemment. Un bateau de luxe. Et oui, Luxury Boat Dealer. Salut, mon pote Miracle Free. Et en avant. Les gars, si vous voulez choper le petit pistolet d'Usopp, il faut tout simplement partir par ici. Et il y a une petite île tout là-bas. Et normalement, bah, c'est là-bas qu'on doit se rendre. D'ailleurs, le soleil devrait pas tarder à se lever. La lune se couche. C'est génial. Un nouveau jour sur la C2. J'ai hâte de tester ça, les gars. C'est vrai qu'ils sont un peu sous-cotés, les pistolets. Bon, à raison, peut-être. À raison. Et ils sont peut-être pas si fous que ça. Mais c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Ça se trouve, ça peut faire un petit plus. C'est magnifique en plus. Le soleil se lève à l'horizon. Parfait. Et yo, bro, comment ça va? The strongest god. Donc, c'est censé être lui, Usopp, normalement. En théorie. Bah, je ressemble plus, hein. Donc là, les gars, le dieu le plus fort, on lui parle. Et salut. Ok. Monsieur, voulez-vous prendre mon slingshot pour 1500 fragments? Évidemment. On les avait, les fragments, nickel. Et là, c'est bon. On l'a directement. Regardez-moi ça. Le kabucha. Kabucha-chao. Et non, il a pas de haki particulier, mais c'est sa petite, son lanceur de fronde. Je sais pas comment on appelle ça, les gars. Lance-pierre, lanceur de fronde. En tout cas, ça me détruit les bras. C'est tout ce que je peux remarquer pour l'instant. Et du coup, ça tire, mais ça tire des tout petits trucs. Biong, bang, bang. Voilà. C'est pas exceptionnel pour l'instant, mais ça se trouve, c'est stylé. Il faut qu'on aille essayer ça, les gars. Allons voir ça. Allons se découvrir ça, les amis. Mais bien sûr, il va falloir peut-être faire un petit reform des stats quand même. Parce que là, j'ai rien du tout dans le pistolet. C'est un problème. Et boum, ok. 75 Robux en plus. Pour Blox Flout. On va quand même maxer le pistolet, les gars. Hop, en balle là-dedans. Évidemment, beaucoup dans la défense. Et on va mettre le reste en mêlée pour commencer les joueurs. On les finira juste avec le kabucha. Kabucha, kabuchi. Hop là, nickel. C'est parfait. Donc voyons voir combien de dégâts ça fait déjà. Un petit tir comme ça, un petit tir. Ça fait combien de dégâts? Oh là, bah, déjà, ça a pas une portée. Ok, ça fait du 1100. Et peut-être plus avec le haki. Ok, 1300 avec le haki. Ça va, ça leur fait un peu de dégâts quand même. Ah! Il m'attaque, il m'agresse. Ok, bah attendez, Usopp sera qui de l'observation, c'est pas Usopp. Donc bon, hop là, nickel, et on gagne nos petites maîtrises. Donc on a une première maîtrise à 125, les gars. Oiseau de feu volant et maîtrise 250, on a le vent intense. Et ça, je suis curieux de voir ce que ça donne. Wow, qu'est-ce qu'il veut? Il va pas m'attaquer, lui. Évidemment, il m'attaque. Nickel, merci beaucoup, frérot. Ça fait plaisir. Bah oui. Bon, je vais me barrer. Il sait pas à quel point je vais me barrer, ce mec. J'ai pas eu le temps, ça a bugué. Je vais me cacher dans mon monde. Haha, tu ne mourras jamais. Je suis parti dans mon monde, je me cache. Laisse-moi. Ah, il est venu. Il est venu dans mon monde. Ok, il mourra jamais. Jamais. Haha, je m'en vais. Non, j'ai pas pu prendre mon TP. Pourquoi mon TP il a pas marché? C'est une dinguerie. Mon TP il veut pas se barrer. Ah, il m'agresse. Pourquoi moi? Non, j'étais à deux doigts de m'enfuir. Mais qu'est-ce qu'il me veut ce mec? Il est bizarre. Il est fou ce mec. Laisse-moi. Ok, c'est bon, je me casse. Mais ça veut pas me TP, c'est bugué, frère. Allez, c'est bon. Ronge tes morts, tête de noeil. Je me casse. Attendez, par contre, j'ai pas perdu mon kabucha quand même. Parce que là, je vois que je l'ai plus dans mon inventaire. Il est où? Non, c'est bon, il est là. On l'équipe. J'ai eu une petite frayeur, les gars, quand même. Bon, y aurait pas un petit boss là quand même, histoire de faire monter les maîtrises plutôt pas mal. Smoker, il est là ou pas? Smoky Smokos. Il est là, parfait. On va le commencer comme ça, les gars. Oula, ok, autant pour moi. Hop là, on va le commencer avec ça. Et on va le terminer avec le pistolet, vous inquiétez pas. Oh waouh, écran de fumée. Il est fou. Ok, on le commence en détente. Ça va aller. Tout doux, mon pote, tout doux. Tu te calmes maintenant. Allez, boum. Ah, 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 hi. Allez, ça l'attaque, c'est bon, nickel. On a défoncé Smoker. Avec le kabucha légendaire. Bon, en attendant, ça nous montre pas mal nos maîtrises quand même. Eh, maîtrise 118. Alors ça, c'est cool. On a bientôt la maîtrise 125. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Allez, boum. On défonce les magma ninja. Hop là, kabucha, boum. On va prendre nos petites maîtrises comme ça, tranquillement, en détente. Allez, vous deux, ça part. Allez, venez là, hop là, dévoreur de monde sur vos tronches. Hop là, bah vous êtes où? Hop là, revenez là, hop, nickel. Et c'est l'attaque du kabucha. Boum, kabucha. C'est trop satisfaisant. Kabucha légendaire. Bon, quelqu'un en veut ici aussi? Allez, toi, boum. Voilà, prends ça. Kachao. Oula. Oula là, attention à toi, mon pote. Et boum, boum, kabucha. Et c'est bon, les gars, oiseau de feu volant. On a la première maîtrise. Combien de dégâts est fait? Oiseau de feu volant, on tire ça sur lui et boum. Au
Ok, ah oui, ça balance quand même des sacrées patates. Là, les gars, on leur lance carrément des explosions. Attendez. Voyons, est-ce que ça fait vraiment un oiseau de feu? C'est ça la question. Oiseau de feu? Ah oui, ça fait un petit oiseau de feu, c'est stylé. Kabucha légendaire. Ah. Et donc là, de toute façon, les gars, plus on va avoir de maîtrise, les gars, c'est comme tout, plus on va faire de dégâts, c'est pas mal. Hop là, 319, il va m'attaquer. Après, pour une arme à distance, quand même, il a pas énormément de portée ce truc, hein. Bon, peut-être avec la maîtrise, il en a un peu plus, quoi, là, mais bon. Sinon, ouais, la portée, elle est pas dingue. Regardez, si je vais là, ce serait bien qu'on puisse le toucher d'ici. Même là, on le touche pas. Là, c'est bon, on commence à le toucher, mais il se rapproche trop près, il nous tape. C'est pas pratique. Boum, kabucha. Bon, les amis, de toute façon, vous savez comment ça va se passer. Il va falloir qu'on aille en C3 pour tout simplement évoluer. On va aller se faire des cookies crafters, vous connaissez, bah ouais. Je pense que les gars, on va pouvoir se les défoncer assez rapidement. Regardez-moi ça, on va aller sur Terre de Gâteau, boum boum. Et on va mettre le Bouddha. Hop là. Le Bouddha, équipons-le directement, nickel. Hop, on se met comme ça, petit haki, hop là, allez, boum. Et évidemment, on va tous les attirer au même endroit, les gars. Et on va les finir au kabucha. Voilà, voilà ce qui va se passer. Là pour l'instant, ok. Dévoreur de monde pour tout le monde un petit peu. On leur met des dégâts pas mal. Hop là, nickel. Maintenant, c'est le tour du l'oiseau volant. Waouh! Par contre, ça fait pas des dégâts de groupe, je crois, quand on tire au pistolet. Hein. Hop là. Oula, j'en ai défoncé un. 2, 3, si ça va, j'arrive à les avoir. Hop là, oiseau volant. Oiseau volant, attention, ils sont où? C'est hyper dur de leur tirer dessus en Bouddha. Il faut attendre l'oiseau de feu. Boum. Oula, meurs, mourez. Kabucha. Nickel, c'est bon. Ok, maîtrise 150, les gars, il nous en reste quand même 100. Il nous reste 100 maîtrises à gagner. Oula, pourquoi ma tête elle est comme ça? Hop là. Là, nickel, c'est mieux. Ils sont plus protégés. Ah, mais ils reviennent déjà, mais ils sont déter. Vous êtes déterminés, les petits dooms. Ça va être session intensive de farm, hein, moi je vous le dis. On va la voir, cette maîtrise. Comment elle s'appelle déjà? Attendez. Vent intense, ah oui, effectivement, hein. Ça promet d'être quelque chose d'exceptionnel. Oh là là, le kabucha va faire des ravages et boum! Voilà, allez, on les défonce! Vite! Ah, ils arrivent! Vite! Allez, on les tape! On leur tire dessus! Ils arrivent! Ah, oiseau de feu! Kaboum! Ah, va-t'en, toi! Pestiféré! Ok! Eh bien, les amis, on est à la maîtrise 166, il va falloir qu'on rush pas mal! Rendez-vous au vent intense à la maîtrise 250, c'est parti! Les amis, on est enfin arrivé à la maîtrise 247 du kabucha! On va enfin pouvoir terminer tout ça et les défoncer! Je crois que la vidéo, en vrai, elle aura pas duré super longtemps, parce qu'on a quand même torché ça vite, les gars! En vrai de vrai, je crois que c'est une des vidéos les plus rapides que j'ai tournées sur Bloxroot, bon, à part la partie farm, quoi. Là, vraiment, c'est en mode je me mute, je tryhard, je fais et je les défonce. Mais là, les amis, c'est pas mal du tout ce qu'on a. En vrai, l'oiseau de feu volant, c'est assez fort pour farm en groupe. En vrai de vrai, là, j'ai pu le tester pendant 30 minutes et c'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça, ils sont là, ils sont dessus. Oiseau de feu, boum! On leur enlève quand même pas mal de vie, ça fait un petit score à 22 000 de dégâts sur tout ce joli petit groupe et boum! Ok, dernier dévoreur de monde. Et là, oulala, j'espère que ça va pas les tuer. Ça les tue pas. Ok, donc là, ils sont vraiment low life de fou. On va pouvoir leur mettre l'attaque spécial. Est-ce qu'on va les tuer avec ça? J'en sais trop rien. Oiseau de feu volanto. Boum! On les a tous défoncés, nickel! Et les amis, new skill available, évidemment, le vent intense. Voyons voir, ça fait quoi déjà à vide, les gars, le vent intense? Ça fait... Ok, d'accord, donc là, attendez, on a fait un truc, attendez. Je pense qu'il faut le tirer en l'air pour qu'on voit à peu près ce que ça fait. Les gars, j'ai pas tout compris. Là, on envoie notre petit oiseau là-bas. Vol, petit oiseau. Et le vent intense, les gars, qu'est-ce que ça donne? Attendez, voyons voir. Dans les airs comme ça, le vent intense! Oh là, ça fait une forme, je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à voir ce que c'est que la forme. Bon, eh bien, voyons voir ce que ça fait sur des ennemis. Voyons voir déjà ce que ça fait à un ennemi, les gars. C'est toi, tu vas être notre cobaye, frérot. Je suis désolé, vent intense dans ta tranche et boum! Ok! Wouah, c'est vert! Attendez, 4000 de je sais pas combien de dégâts? C'est assez ouf, les gars. Attendez, et je pense qu'on peut faire mieux, les gars. Parce que là, l'attaque, elle s'est arrêtée. Mais je suis sûr qu'on peut faire mieux. Ok, attendez, lui, on va le faire retourner dans son spawn avec le vent intense. Voyons voir combien ça lui met de dégâts. 4300, non je crois que c'est bon, c'est 4300 les gars. Eh, c'est plutôt vénère, hein. Je vais pas vous mentir, c'est plutôt énervé comme dernière attaque. C'est stylé, là je kiffe beaucoup. Ok, le vent intense, mais du coup sur le groupe ça doit être phénoménal. J'espère que ça marche sur le groupe. Que pour farm ça peut être vraiment pratique. Ok, les gens, on va les mettre un peu low, voilà. Déjà tout le monde va se calmer, on les regroupe. Et le vent intense, est-ce que ça marche? Oui, ça marche sur tous, on les a défouraillés. Et là boum, on enchaîne avec l'oiseau de feu. Eh, c'est pas mal, hein. Waouh, tu viens d'où toi? Il est fou celui-là. Ok, mais le vent intense, les gars, ok. C'est vraiment l'attaque, la main attaque du truc, quoi. Le kabucha von Tonsimo. Oh là 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 là, on les a détruits. C'est dinguerie ce qu'on vient de leur mettre, les gars. Non, c'est vraiment stylé. Bon, et eh bien franchement, on aura fait une belle petite review de cette arme, le kabucha bien bien stylé. Je sais toujours pas c'est quoi la forme du vent intense. Attendez, je vais le tirer par là et j'essaye de voir ce que c'est. Non, j'ai pas réussi. Ouais, c'est impossible de voir. Si quelqu'un sait quelle tête ça a, ce truc, je suis curieux de le savoir en commentaire. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour augmenter en V2 le style de combat de... Waouh, qu'est-ce qu'il y a? Yeah!
Mais non, mais c'est quoi ce... Mais oh là là, un pas commencer la vidéo tranquille, ou faut que je me transforme en boudin directement. Je veux pas. Et c'est des malades ici, les gars, c'est des malades. Moi, je faisais ma petite intro et tout, et on vient m'attaquer. Laisse-moi Non. Les gars. Mais non, bon, bah allez, salut. Sayonara, laisse-moi mourir en paix. Bon les gars, avant qu'on m'interrompe, je disais, on va augmenter tout simplement le style de Sanji. Hop là, regardez-moi toutes ces petites attaques, les gars, boum. Et barrage. On va tout simplement l'augmenter en V2, parce que notre objectif, les gars, c'est quand même le God Human, le style de combat suprême, normalement, selon les dires. Et pour tout ça, les gars, il va falloir qu'on monte d'abord notre premier style de combat de Sanji à la maîtrise 400. Voilà, il faut que ce soit la maîtrise 400 pour passer en V2, parce que sinon, ça peut pas être possible, quoi. Hop là, tiens, et toi, tu m'as tué, bah je te pique tes kill, mon pote. Et en même temps, j'augmente mes maîtrises. Qu'est-ce que tu vas faire? Et ouais, mon pote. Mais les amis, bien sûr, avant qu'on fasse tout ça, abonnez-vous, mettez la cloche, likez en bas, on rush les 200 000 abonnés. Et oui, s'il vous plaît, ce serait cool. Regardez-moi ce petit style là, les mains dans les poches directement. D'ailleurs, est-ce que vous kiffez mon petit cosplay? J'ai un peu de flow en Sanji, non? Hop là, flying kick. Voilà, et breakdance. Voilà, je fais un petit review des attaques parce que bientôt on les aura plus, les gars. On les aura bientôt plus. Oh là là, l'over it. Ça, c'est stylé, les gars. Les jambes en feu quand même. C'est vrai. Vraiment la base de Sanji. Sanji-kun. Je vais te voler tes kills, toi, voilà. Je vais te voler tes kills. T'as voulu me tuer? Bah, je vais te dégoûter, je vais te faire partir d'ici. C'est mon endroit maintenant. C'est mon endroit maintenant. Je vais te faire partir, mon pote. Allez, hop là, ça devient mon île. Je te vole tes kills. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire un Bouddha? Bouddha contre Bouddha, tête. Moi, je te défonce plus vite ton Bouddha, mon pote. Tu peux rien faire. Allez, ça gère de partir, mais il va falloir que j'en tue combien pour qu'il se barre? C'est une dinguerie. Il lâche pas, le bougre. Allez, le dernier. Voilà, c'est ça. Il s'en va. C'est bon. Et bien, c'est parfait, les gars. On a réussi à le faire se barrer. On va pouvoir farm tranquillement. Et ensuite, je vous montrerai comment atteindre la V2. Ok, les gars, on a fait une séance de farm intense. On est passé à la maîtrise 399 de la jambe des ténèbres. Et maintenant, les gars, il m'en manque plus que un ou deux là. Allez, venez là. J'ai plus qu'à vous défoncer pour passer à la maîtrise 400. Et oui, hop là, over it. Jambe de feu, vous êtes foutus, les gars. Vous êtes morts. Allez, encore un petit dernier. Le petit dernier, c'est toi. Flying kick. Et boum! Allez, mon pote! Et mange-toi ça! Oh, maîtrise 400. Ok, c'est bon, c'est terminé. Sanji à la jambe de feu, passe à la maîtrise 400. Easy peasy. Et une fois que vous êtes à la maîtrise 400, c'est très simple, les gars. Il faut aller en C2. Et oui, voilà, il n'y a pas besoin d'être en C3, mais bon, pour farm, c'était plus simple. Mais sinon, il y a juste besoin d'aller en C2, les gars, pour aller. Waouh! Non, attends, non, vite, téléporte-moi, je suis dans l'eau, je me noie. C'est bon. Et les amis, une fois rendu en C2, rien de plus simple que de se rendre au château d'Aokiji. Hop, c'est par où? C'est château hivernal. Voilà, ici. Le château d'Aokiji, les amis. Vous devez vous y rendre. Et oui. Oh là là, c'est magnifique. Le premier style de combat V2 pour le God Human, c'est parfait. Hop là, une fois que vous arrivez au château, les gars, vous allez à droite. Voilà, ici, dans cette bibliothèque, les gars. Et oui. Et pour l'ouvrir, il faut une clé en tuant Aokiji. Voilà, je vous le dis. Non, parce que des fois, les gens oublient. Et on va parler à cette meuf là, je sais pas trop ce qu'elle fait là. Salut, est-ce que tu voudrais prendre le Death Step Fighting Style pour 2 500 000 et 5 000 fragments? Et j'ai pas assez de fragments. Ok, bah je pensais que j'en avais assez, d'accord. Ok, ça me donnera des powerful kicks et 4 habilités spéciales. Et bah oui, moi je veux ça, moi. Ok, flying kick, bike dance, barrage, over it. Toutes ces attaques, les amis, on va leur dire au revoir dans quelques secondes parce qu'on va acheter des fragments pour payer le bail. Et oui, hop là, c'est parti, acheter. Merci, Blox. Je vous redonne un peu d'argent et boum! Achat effectué, c'est parfait. C'est l'heure de passer ce style de combat en V2. Oh, mademoiselle! Oh, sa tête! Oui, elle est chelou un peu. Vénère, elle a pas l'air contente de me voir. En tout cas, apprends-moi le Death Step Style. Ça, c'est stylé, les gars. Étape de mort. Voilà, c'est quand même. Oh, c'est stylé par contre, les gars. Oh, en étape de mort, du coup, on a les jambes en feu, mais tout le temps. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est un petit flow, voilà. Oh, yaya. Mais attendez, il faut qu'on teste. Il faut qu'on augmente nos maîtrises directement. Il y a 4 habilités dans l'étape de mort, et ça c'est cool. Attendez, voyons voir déjà combien ça fait de dégâts. Ok, ça fait du 2115. Ça va, c'est cool. Un coup de pied, ça fait 2115 de dégâts en full haki. C'est plutôt stylé. Allez, hop là, on va le défoncer. Merci beaucoup pour les maîtrises, mon petit pote. Ça fait plaisir, il nous augmente jusqu'à la maîtrise 52 quand même. Ça
ça c'est cool. Mais par contre, je me dis, en fait, on va peut-être aller se faire le boss à Okiji. Ça va nous donner beaucoup plus de maîtrise très rapidement. Ah, par contre, vu qu'on a pas beaucoup d'habilités, je vais peut-être prendre une épée à côté de moi pour m'assister. Voilà. Et on enlève le kabucha. Pas déconner non plus. Allez, on va prendre un petit boss de réapparition parce qu'il a l'air d'avoir du mal à spawn, le frérot. Et hop, encore de l'argent dans Blox Foot. Oh non, c'est très grave. Et il est là, le boss à Okiji. Mon pote, tu vas m'aider à avoir mes maîtrises. Oh oui. Oh oui, Okiji. Tu vas m'aider à avoir mes maîtrises. Oh, je suis pas une glaçonne, frérot. Il m'a pris pour un Mister Freeze ou quoi? Allez, bon, tu te prends ça en ma tête. Tu auras même pas le temps de respirer. Pas un Mister Freeze, j'ai dit, ça le fout. Ok, et là maintenant c'est parti. On part en Death Step. Étape de mort, vas-y, viens. Viens, on va se battre. Viens. Aïe, viens, on va se battre maintenant. Tiens, prends tes coups de panard dans le gojo, frérot. Et les gars, oh, comme par hasard, il nous a drop la clé de la bibliothèque. Exactement ce qu'il nous fallait pour rentrer dans la bibliothèque. Eh oui. C'est QFD. Regardez comment elle est belle ma clé. Elle est magnifique. Et les gars. Et par contre, c'est quoi ce viseur que j'ai là sur moi là? C'est immonde. Pourquoi j'ai un viseur dégueulasse? On peut enlever le viseur? Je veux enlever le viseur. C'est quoi ce viseur nul? Et pourquoi? Mais non. Oh non, j'ai perdu mes... Non, mais je suis trop bête, les gars. Je pensais que mes jambes en feu, bah c'était l'étape de mort, mais en fait, non, c'est juste l'overhead de la V1 qui était restée et... Il est pas parti. Mais non, je pensais que c'était le style, justement. Je pensais qu'on avait l'overhead tout le temps. Bon, bah, je suis un peu déçu de ça. Mais on a quand même le coup de pied fusée à tester, les gars. Bon, faut pas... Voilà, on a quand même notre première habilité. Bon, alors, voyons voir. Et pourquoi là, je tape moins fort? Attendez, je tape du 2074 alors qu'avant je tapais du 2115. Je comprends pas ce qui se passe. Ah, parce que l'overheat marchait en plus. Les gars, je crois que l'overheat il marchait vraiment, il augmentait nos dégâts. Et là, vu qu'on l'a pu, c'est foutu. Bon, c'est pas grave. Coup de pied fusée, voyons voir. Oh, la petite tourbillon. Et boum. Oh, un petit coffre en os. Nickel, hop là. Hop, désolé les gars, en fait des fois on pourrait croire que je suis hyperactif, je vais d'un truc à un autre, mais il y a tellement de trucs sur ce jeu, des fois il faut tout prendre. En attendant, coup de pied fusée. Voilà. Et bah c'est pas mal, attendez, j'ai pas vu combien de dégâts ça faisait avec coup de pied fusée. Tiens mon pote, 2468 dans tes trottes. Voilà, c'est pas mal. En vrai de vrai, c'est cool. Fais voir la portée par contre. Ouais, mais on peut les attaquer de vraiment loin, c'est une dinguerie cette attaque. En vrai, c'est une bonne première attaque, elle est cool. Elle est pas incroyable, mais bon, elle est plutôt cool. Voilà, on les défonce. Et là par contre, pourquoi j'ai fait du 2100? Je comprends pas ce qui se passe. Les dégâts sont aléatoires, c'est ça qui se passe? Les dégâts sont aléatoires. Et bah les gars, c'est parti, on va devoir aller augmenter nos maîtrises, et oui. Allez capitaine, emmène-nous en C3. Emmène-moi en C3. Allez, plus vite que ça capitaine. Merci beaucoup. Enfin, le service laisse à désirer ici. Et nous revoilà en C3 les gars. La meilleure île pour farm, évidemment, ça nous donne plus de niveau. Salut toi, tu m'as mal regardé, hop là. Attendez, mais quoi, mais... Ah voilà, allez boum. Là je vais les défoncer, là y a plus de rigolade, là je les défonce, là je les tape. Vous voulez jouer? On va jouer les frérots. Vous voulez jouer? Hop là. Qui va se prendre son coup de pied fusée? Peut-être toi mon pote, tu veux te prendre ton coup de pied fusée? Non, il ne le méritait pas. Peut-être que toi tu le mérites, le coup de pied fusée, je sais pas. Oh là, mais c'est stylé en fait, on les cogne en fait, c'est tellement agréable de taper avec des jambes. C'est tellement cool. Et boum, coup de pied fusée mon pote. Voilà. Ça arrive sans prévenir, hein, sans crier gare. Gare. Excellent. Est-ce qu'il n'y a pas le petit boss là-bas pour me faire augmenter les maîtrises assez vite là? On va se défoncer des boss. Ah bah oui, mais le boss de réapparition il a pas marché ici, hein. Il a marché sur l'autre île, mais pas sur ici. Ah bah non. Ce serait trop cheaté. Hop là, encore un peu d'argent pour Bloxwood. Nickel. Salut mon pote, je vais te défoncer. T'es fichu mon garçon, t'es fichu. C'est foutu pour toi. Voilà, tu vas prendre les coups de talon dans ton museau, dans ton petit menton, mes coups de talon. Aïe, aïe. Je vais te casser la tronche, moi. C'est fou de me faire ça, frérot. Je me dis quand même, on va peut-être prendre le Bouddha. Et pour ce tap, c'est un peu mieux, quand même. Ah, Bouddha plus des steps, t'es foutu, mon grand. Eh ouais, coup de pied. Mon gros talon dans ta tronche. Oh, il a un petit peu chaud avec ces explosions, là, allez. Allez. Non, mais il faut accepter la sentence, là, monsieur. Ça y est, c'est l'heure de partir, hein. C'est le grand départ. Allez, bon voyage. Nickel, merci beaucoup, maîtrise 158. Plus que 42 petites maîtrises pour débloquer. Balle de vent, la deuxième habilité de l'étape de mort. Eh ben, on va partir en quête de boss. C'est parti. Et la prochaine destination, c'est la ville Hydre. Eh oui. Allez, Bangkok, on va la défoncer en 2-2. Coucou, Bangkok. Allez, ça part aussi. Ça dégage, tu vas me donner mes maîtrises. Oh, c'est mignon, elle essaye ses petites attaques. Elle essaye de m'attaquer, mais bon, rien ne fait. Voilà, je la défonce. Aïe, aïe. Wow. C'est vrai que Sanji, il peut pas se battre contre Bangkok dans One Piece. Il peut pas. Même dans Jump Force, les gars, je sais pas si vous avez déjà joué à Jump Force une fois dans votre vie, mais Sanji, les attaques de Sanji sont bridées contre les femmes. Et c'est un truc de fou. Ça respecte trop bien l'anime, mais c'est relou. Et en attendant, boum, c'est pas le cas de Bloxfruit. Voilà. Bangkok qui nous donne quelques maîtrises supplémentaires. Mais je pense que là, on va quand même aller se faire la boss des boss. Je parle bien évidemment de Big Mom, les gars. Allez, c'est parti. Sayonara, Big Mom. Et boum, voilà. Non mais oui, en fait
Je suis désolé, je te défonce, voilà. C'est non négociable, Big Mama. Non négociable, oh là là. Par contre, c'est un peu cheaté, je tourne autour d'elle, je lui fous les coups de pied. On lui enlève pas mal de vie quand même, hein, à la longue. On peut peut-être la finir comme ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on va réussir à tuer Big Mom sans mourir? Ça serait pas mal. Aïe, aïe, elle nous en claque pas mal de ses attaques, hein. Ton petit rayon lumineux là, tu crois que t'es l'étoile de la mort, espèce de folle? Bah moi j'ai l'étape de la mort. Eh oui, dans ta tronche. Allez, boum, 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 boum. Oh là là, mais comment on l'enchaîne? Je n'ai même pas perdu la moitié de ma vie que toi, tu en es déjà en trois quarts. Allez, boum, on t'enchaîne, t'as plus ton mot à dire, Big Mama, t'es foutu. Allez, et t'iras dire bonjour à Kaido de ma part en enfer, vieille Big. Allez, boum, merci, ça fait plaisir. Et là, c'est bon, les gars, maîtrise combien? Eh ben, les gars, new skill available, c'est parfait. Allons tester ça, on a dû débloquer la balle de vent. Eh oui, maîtrise de sang, voyons voir ce que ça fait. Oh là là, on se prépare avec la lampe. Et qu'est-ce que ça va nous faire, cette histoire? Et boum, oh, wouh, les gars, qu'est-ce qu'on vient de faire, là? Attendez, on a projeté du vent de fou, là. Bah, balle de vent, en fait, finalement. On a tapé un penalty dans le vent qui... Wouh, ok, attaque à 2300, c'est pas mal, ça envoie une sorte de balle imaginaire sur le mec. Il a un champ de force. On lui envoie un champ de force de malade. Et le mec est foutu, quoi. Ok, balle devant. Boum. Oh là là, c'est tellement satisfaisant. Oh là là, mais les attaques sont satisfaisantes de fou. C'est une dinguerie. Non, mais j'aime trop. Attendez, est-ce que ça peut marcher sur les deux goalbuts en même temps? Ok, alors pas cette attaque, mais peut-être la balle devant. Boum. Oh là là. Oh, ça fait plaisir, hein. Non, la balle devant, les gars, c'est trop satisfaisant à faire. Voyons voir. Coup de fusée. Ouais, non. Coup de pied fusée, ça marche que sur une seule personne. Attendez, on va essayer de faire la balle devant sur les deux. Est-ce que ça marche sur les deux? Balle devant. Oui, oui, ça fait 5400, j'ai vu, double dégâts. Ça veut dire ça a tapé les deux, boum. Aïe, 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 tout doux les copains, tout doux, j'ai dit tout doux. Voilà, on se calme un peu. Balle devant dans tes chicots. Et toi, qu'est-ce que tu veux, toi, hop là, t'es foutu. Waouh, j'ai plus de vie par contre, mon frérot. Tu te calmes, tout doux, reste loin de moi. Parce que moi, je vais te mettre boum, et la balle devant, voilà, et ben voilà. Non, c'est cheaté, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Pour le combat corps à corps, c'est pas mal, ça met un peu de distance et tout, oui, oui, je suis pro player, oui. Mais là, les amis, il va falloir qu'on aille à la maîtrise 300, et oui. Et quel meilleur endroit pour farm que la terre de gâteau avec nos petits cookie crafters. On a quand même la foreuse vermilion à débloquer, et oui, maîtrise 300, c'est pas une mince affaire. Allez, venez par ici, les petits loups, on va vous défoncer, voilà. On va voir un petit peu ce que ça fait en attaque de groupe, la balle devant aussi, je suis curieux de voir. Voyons voir la balle devant en attaque de groupe. Et boum. C'est pas mal. Et ça, ouais, non, ça marche que sur une personne, d'accord. Le coup de pied fusé, c'est... y en a que un qui a le droit. Bah oui. Mais la balle devant, c'est assez vénère. Et boum, balle devant. C'est trop satisfaisant, les gars, je vous jure, c'est trop satisfaisant. On les envoie dans le décor. Bon là, par contre, le temps est venu de farm. Voilà, faut pas déconner non plus. C'est l'heure de farm. Ah bah, il faut augmenter les maîtrises, hein. C'est pas contre vous, je suis désolé. Et les amis, on se retrouve quand j'aurai atteint la maîtrise 300 après un farm intensif pour débloquer la foreuse vermilion. Et à tout de suite. Les amis, on a atteint la maîtrise 295. Et oui, il m'en reste que très peu à défoncer. C'est parti. J'ai pu expérimenter la balle de vent et le coup de pied fusé comme personne, comme jamais cela a été fait auparavant. Je farm comme un zinzin. Et on va débloquer tout simplement la maîtrise 300. Allez, boum, il nous en reste combien, hop là, maîtrise 298. Combien il nous en reste? Il nous reste toi, peut-être, boum. Oh là là, il nous en reste encore plusieurs à défoncer, là. Ah oui, bon, on va aller voir chez vos cousins. Salut, mes cousins, comment ça va? Allez, boum. Donnez-moi mes maîtrises restantes, s'il vous plaît. Ok, maîtrise 299. Bon, j'imagine que c'est pas toi qui va me donner toutes mes maîtrises. Il va pas me donner mes maîtrises restantes, celui-là, j'imagine. Tiens, prends-toi ça. Coup de pied dans les chicots. Ah là là, bah oui, mais il m'en reste tellement peu. Bon, bah, c'est Cookie Crafters qui aura l'honneur de me les donner, quand même. Allez, c'est toi. Voilà, j'ai décidé, c'est toi. Boum. Eh, je te cogne, mon pote. Waouh, pourquoi vous venez à plusieurs? Toujours ce jeu en V1000. Oh là, oh là, toi, t'as plus de vie, toi. Boum. Allez, un petit coup de pied rotatif et boum, c'est parfait. New skill available. Foreuse vermilion. Voyons voir ce que ça fait dans le vent déjà. Ok. C'est comme le barrage. C'est un peu comme le barrage dans la V1. C'est stylé. Sauf que là, je pense que ça va faire beaucoup plus mal. Allons tester ça sur quelqu'un qui veut être le cobaye. Hein? C'est toi? Allez, ce sera toi. Et foreuse vermilion. Oh, boum. Oh là là. 4900 de dégâts, c'est une dinguerie. Oh là là, le frérot, il a mangé là, hein. Ah, t'as mangé, tiens, allez, hop là. 4900 de dégâts, la foreuse vermilion. Attendez, attendez, ça, normalement, c'est une attaque de groupe, les gars. Ah bah ça, oui, je vous le dis, c'est une attaque de groupe. On va réessayer quand même, ça se trouve, on s'est trompé dans les calculs. Et non, on s'est pas trompé, c'est bien 4900 de dégâts. Bonne attaque, bonne attaque. Ça, ça met le sourire aux lèvres. Mais du coup, j'ai envie de tester sur un groupe. Attendez, on va tester la foreuse vermilion sur un groupe d'ennemis. Là, sur vous, allez, sur vous. Et foreuse... Alors. Allez, venez tous là, c'est pour le test légendaire. Et foreuse vermilion... Oh, je me suis trompé. Pardon, je me suis trompé de touche, ça les a envoyés où? Ah, foreuse vermilion. Oh là là. Alors,
les a défoncés. Ah, ça pique, hein, les gars, ça pique, hein. Attention, attention à vous. Voilà, on va vous remettre en groupe, hein, bah ouais. Parce que j'ai envie de taper un ballon de foot imaginaire dans vos grosses tronches à tous. Et. Tenez-vous prêts? Hop là. Et balle devant. Nickel. Et attention, le retour de la Foreuse Vermilion. Oh là 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 là. Boum. On les a défoncés. Balle devant. Balle de match. Ah là là, c'est tellement satisfaisant, les amis. Regardez-moi ça. Balle devant. Et boum. Ils disparaissent tous sous mes yeux. Eh oui. Ah, sauf toi, un petit récidiviste. Et bam, Foreuse Vermilion. Oh là là. Il y a un petit flow en première personne aussi. Il y a un petit flow. On les annihile. Mais par contre, là, les gars, il va falloir le maximum overheat. Ah, la maîtrise 400. Là, là, c'est du farm de fou furieux, là, parce que ça va prendre du temps. Mais croyez-moi, les gars, on va y arriver. La Diabru Jambru est de retour, les amis, après toutes ces attaques de fou furieux. Enfin, le maximum overheat arrive. C'est parti. Les gars, on est enfin arrivé à la maîtrise 399 de l'étape de mort. La V2 du style de combat de Sanji va prendre fin. Bientôt, bientôt. Quelques kills. Allez. Là, les trois, là, c'est les trois derniers. On va les mougou. Hop là, boum. Boum. Donnez-moi mes maîtrises. Je veux le maximum overheat. Et boum. Allez, ça va le faire. Tang. Et boum, mon dernier. Ah non, mais non, mais quoi? Il nous en manque un dernier toujours. Bon, allez, toi, viens là. Ah, mais je te tape juste, hein, je te cogne, je te cogne. J'ai plus de temps à perdre, je te cogne. Tiens, prends-toi ça et c'est bon, news kill available. On a terminé la V2 du style de Sanji. Maximum overheat. Voyons voir, est-ce que ça fait un truc spécial? Et non. Mais les gars, mais non, mais en vrai, d'accord, ok, je capte. C'est beaucoup plus rapide, mais. Waouh. Ok, le maximum overheat de la V2, c'est à peu près le même que la V1 en fait. Sauf qu'on met beaucoup moins de temps à l'activer. Et ça fait beaucoup de feu, attendez, what? Oh là là. Ah non, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Oh, ça rajoute 600 de dégâts à la Foreuse Vermilion. Oh là 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 là, mais on leur met tout dans la tronche avec le feu, ils prennent des dégâts en plus. Mais non. Oh là 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 là, mais pareil, ça met du feu là et tout, au coup de pied fusé. Wouah, non mais les gars, c'est incroyable. En vrai, c'est tellement stylé. Oh, regardez-moi ça, une plaine de feu, ils prennent des dégâts dedans. Et Foreuse Vermilion, boum. Oh là là, et ça fait une grosse plaine de feu, ça les défonce. Non, c'est stylé de ouf. Et boum. Coup de pied de fou malade. Non, c'est pas mal, c'est stylé les gars. Mais imaginez, ils nous auraient mis du feu sur tout le corps. Là, ça va être incroyable. En fait, c'est dommage que esthétiquement sur le corps, ça change pas trop de la V1. Mais par contre, sur les attaques, ça se ressent clairement, les gars. Et là, par contre, il s'est enlevé. Il faut attendre. D'accord, faut attendre pour qu'il se remette. C'est un peu dommage, ça aussi. Non, au niveau des attaques, c'est vraiment super stylé, les gars. Et ça met beaucoup moins de temps à s'activer aussi. Il y a plus la petite pirouette et tout. Non, là, là, si on clique, ça fait juste, voilà, boum, les jambes de feu, quoi. Nickel. Et allez, hop là, mon pote. C'est stylé. Il meurt juste dans le feu, quoi. Allez, hop là, ça crève dans le feu. Foreuse Vermilion, hein, ça marche aussi. Et oui, voilà, il meurt dans le feu. Non, ça fait trop de dégâts, les gars. Ça fait trop de dégâts. Je meurs. Aujourd'hui, les amis, on va aller choper la deuxième épée d'Oden, les gars, la Toshita. Souvenez-vous, on était allé choper la Yama et vous aviez plutôt kiffé. Et aujourd'hui, les amis, bah oui, pour assembler les deux épées d'Oden, faut aller trouver la deuxième. Regardez, elle est là, la Yama, la famos. Elle était vraiment incroyable, les gars. Elle est beaucoup trop stylée. On l'avait up au max avec ses attaques épiques. Regardez-moi ça, c'est ouf. Et aujourd'hui, les gars, je suis trop curieux de voir ce que va faire la Toshita. Mais ça va demander beaucoup, beaucoup de travail. C'est pour ça que je vais vous demander de vous abonner, mettre la cloche et liker en bas, les gars. Bon, une fois ceci fait, maintenant je vais pouvoir vous expliquer comment ça va se passer, les gars. Parce que oui, aujourd'hui on va devoir invoquer Ripindra pour tout simplement aller choper la Toshita. Je vais vous expliquer. Alors déjà, pour commencer, il faut aller au-dessus. Non, non, je tombe, non. Ok, ok, bon, c'est pas grave, on va prendre un autre fruit. Parce que pour que la Toshita apparaisse, les amis, il faut aller invoquer Ripindra. Mais pour invoquer Ripindra, les gars, évidemment, il faut qu'on mette des couleurs de haki sur les plaques. Oh, attendez, il y a un petit coffre, nickel. Merci frérot, on prend toujours, hein, les petits coffres os comme ça. Ça ne se refuse pas, les petits potes. Allez, hop là, on les goûme, on les mougou. Hop là, nickel. Vous voyez ces petites plaques, il y en a 3 sur l'île du château de mer. Et bah tout simplement, il faut avoir le haki avec la couleur correspondante, les gars. Donc là, il nous faudrait du haki rose, mais je l'ai pas. Donc on va se rendre au manoir de tortue, les petits potes. Alors, c'est où le color spécialiste? Il est où? Il est où? Non, c'est... Alors non, c'est pas lui. Lui, c'est le title. Il est où? C'est quelle porte déjà? Je sais plus. Il est sûrement de l'autre côté. Ah, il est là, le color spécialiste. Alors les gars, de toute façon, ça va être les 3 couleurs. Couleur côte-côte, ok, c'est là. Le blanc, le rouge et le rose, c'est parfait. Bon là, elles sont toutes verrouillées, on va devoir casquer, les gars. Et hop, un haki supplémentaire, let's go. On commence par le rose. Bon, autant acheter le rouge aussi, au passage. Et boum, un autre haki. Et pour finir, le blanc, les gars, le blanc hivernal. Et boum, c'est parfait. On a les 3 haki dont on va avoir besoin, les gars. Et on retourne, bien évidemment, au château de mer. Allez, est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci? Allez hop, en portail, let's go, c'est bon. Donc là, les gars, on a juste à mettre notre haki rose et boum.
On va sur la plaque et ça l'active. Et il faudra faire ça aussi pour les plaques rouges et blanches. Bah voilà, le seul truc qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il faut retourner changer la couleur. Mais ça prend 2 secondes en vrai. Hop là, le rouge. Je vais pouvoir vous montrer où est du coup la plaque rouge au château de mer si vous ne le savez toujours pas. Hop là, on passe par ici. Nickel. Et la plaque rouge, elle est juste là, les gars. Juste ici, derrière le château. Nickel. Et c'est autour du blanc. Non, je me suis trompé. Je voulais retourner au truc des tortues, mais non. Et hop là, c'est parti. On y retourne. Le blanc cette fois-ci, monsieur le color spécialiste. Je vous fais confiance, habillez-moi d'un haki magnifique. Le blanc neige. Et boum. Voilà, petit style divin. J'aime bien. World Map et c'est reparti pour château de mer. Et normalement, vous allez derrière la grande tour ici et vous allez trouver la petite plaque qu'il faut. Et oui, elle est là. Elle est cachée, mais c'est bon, on l'a activée. Donc là, les amis, les 3 plaques sont activées. Et maintenant, pour invoquer Ripindra, il va falloir le God Calice. Et le God Calice, les amis, ça va être super chaud à avoir, à moins qu'on ait énormément de chance. Souvenez-vous, on a 5% de chance de drop le God Calice en allant défoncer des boss élites. Allez, c'est parti. En plus, il est à Port Town. Avec un peu de chance, il va nous le donner, le God Calice, les amis. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir invoquer Ripindra. Eh oui. Ok, il est là-bas, ça va. Easy. Parce que faut les trouver, les gars. S'ils sont sur une île, ils sont cachés généralement. Bah, après, ils ont leur spawn un petit peu défini. Mais ça peut changer, ça peut bouger des fois. Hop là. Uruban. Hop là, on le défonce. Allez, on le mougou. Eh oui, bah oui, mais fallait pas être un élite boss, mon pote. Oh là là, on est en train de le défoncer. Wow, wow. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, le frérot? Ok, il nous en veut un petit peu. J'espère que t'as le God Calice, mon ref. C'est pour ton bien. Oula, il est parti dans l'eau. Il est où? Mais tombe. Ça y est, tombe, frérot. Allez, va dans l'eau. Nickel. Insupportable, celui-là, il s'accroche à la vie comme je sais pas quoi. Allez, boum. Allez, mon pote. Dis bye bye. Ciao, bye, Simer, mon ref. Mais il est increvable, celui-là. D'habitude, ils sont. Voilà. Non, la Hunter Cap Black. Bon, les gars, on n'aura pas le God Calice avec lui. Mais croyez-moi, les amis. Oh oui, c'est pas fini. Je vais devoir tenter ma chance. Peu importe le temps que ça va prendre, les gars. Mais il va falloir que je drop le God Calice sur un Elite Hunter. Et oui. Allez, peut-être que ça va être lui. Les gars, je vous raconte pas, les gars. Dites-vous qu'à chaque fois que je règle, quand je retrouve un Elite Boss Hunter, et j'y arrive pas, voilà. Il me drop jamais le God Calice. Allez, hop là, toi, viens là. Les amis, vous pouvez pas imaginer. Oh là là, oui, c'est bon. You have found a strange item. Enfin, les gars, on a le God Calice. Mais c'est un truc de fou furieux. Les gars, vous imaginez même pas le nombre de boss que j'ai dû défoncer. J'ai pris peut-être 7 heures, les gars, parce que j'en ai défoncé une bonne trentaine, une quarantaine, je ne sais pas, les gars. Ouais, bref, je vous mets une petite compile de tous ceux que j'ai tués. Et croyez-moi, c'était très long. C'était super long à faire, les gars. Dites-vous que là, on est le lendemain. Ça s'est fait sur 2 jours, cette histoire, d'accord? J'ai mis 2 jours pour avoir enfin la Touchita, les gars. On va la choper aujourd'hui. Oh là là, c'est bon. On l'a. Le God Calice, les gars. On peut retourner enfin au château de mer. Let's go. Bon, par contre, ah oui, les gars, du coup, il faut refaire le truc des plaques et des auras de couleurs. Parce que là, du coup, ça a changé. J'ai changé de serve, ça a changé de tout. Ah, il faut refaire. Allez, hop là. La blanche, c'est bon. Et la rouge, c'est bon. Et la rose, nickel, c'est bon. On va enfin pouvoir invoquer Ripindra, les amis. Et oui, les amis, c'est parti. Invoquons Ripindra. Mais sauf que je vais être frustré, les gars, parce qu'il ne faut absolument pas le tuer. Voilà, il faut juste profiter de la brume. Les gars, hop, on pose le God Calice. Ripindra True Form. Oh là là là, level 5000, hein. C'est un raid boss de fou furieux. Mais on doit se dépêcher d'aller à la ville Hydre, les gars. Parce que, regardez, il y a une brume bleue qui s'est installée sur toute la map. Et c'est pour ça, on doit en profiter de cette brume, les gars. C'est maintenant qu'on doit y aller. On retourne où on était allé choper la Yama dans la première vidéo, les gars. Sous la cascade de la ville Hydre. Les gars, j'ai étudié le sujet, hein. J'ai étudié. Hop là, on rentre ici, nickel. On retourne voir les frérots. Évidemment, il y a la grande porte de pierre. On la défonce. Et laissez-moi rentrer, les petits gars. Hop là. Alors normalement, une fois, on va devoir aller au-dessus des cascades. Alors attendez, c'est peut-être pas là. Il faut peut-être que je défonce déjà les ghosts. Je sais pas si ça s'ouvre que quand je les défonce. Hop là, dans le doute, on va les défoncer. Allez, hop là, c'est parti. Allez, vous prenez votre sauce, les frérots. Nickel, c'est bon, maintenant on est tranquille. Oh là là, il y a toujours la Yama qui est enfoncée dans la pierre. Mais nous, on doit aller directement ici. Je crois que c'est celle-là, je sais plus laquelle c'est. Ok, c'est peut-être pas elle, c'est peut-être elle, je sais plus. Il y en a une où il faut rentrer, je sais plus. Non, c'est là. Ok, normalement c'est celle-ci. Non, c'est l'autre. Je sais plus, les gars, je sais plus. Fois je galère. Attendez, normalement c'est la première à droite de la porte. Ok, donc bah c'est celle-là en théorie. Allez, est-ce que ça passe? Oui, c'est bon, on est passé, les gars. Et la brume bleue va faire s'ouvrir cette porte miraculeusement divine. Et les amis, si on prend cette porte, on arrive directement à l'île de la tortue
flottante. Et là, les gars, ils nous ont donné une torche. Les gars, j'ai mémorisé le chemin. Je l'ai appris par cœur. On va devoir aller ici, à cette arche. Ensuite, on tourne à droite. Voilà, ici, là, il y a la vraie arche. On va dans le petit trou là-bas, nickel. On allume la première torche, les amis. Il y en a 5 à allumer dans un temps de 5 minutes. On allume celle-là. Ensuite, il y a une autre arche un petit peu à côté. Hop là, c'est juste ici, c'est en bas. Voilà, pas besoin de sauter nu ou que ce soit. Hop là, nickel. La deuxième torche, c'est là. Ensuite, on doit rebrousser chemin et aller voir les ananas. Exactement, quasiment au même endroit où on fait le acquis de l'observation en V2. Alors, les ananas, si je me souviens bien, les gars, il y a des petits champignons roses à côté de celui. Voilà, c'est là. Il y a les champignons et normalement, c'est celui qui est au plus haut. Hop là, parfait. La troisième torche. Et là maintenant, il va falloir se barrer un peu plus loin, les gars. Il va falloir aller vers le manoir des tortues. Alors faut que je retrouve mon chemin parce qu'avec la brume, c'est ça, les gars. C'est ça le truc qui est complexe, c'est que ils ont mis la brume pour que on galère un petit peu à retrouver notre chemin. Et j'ai un peu peur de me téléporter avec mon fruit parce que je me dis des fois que ça annule tout. Je préfère me balader à pied. Alors c'est où l'endroit là des tortues de manoir de je sais pas où. C'est compliqué, les gars. Dans la brume, là, on est perdu, on est paumé. Ah, ça va être par là. Ça va être par là, les gars. Ok, donc là c'est la ville juste à côté du manoir. Donc je crois qu'il y a une torche par ici. Alors attendez, c'est là, ok. Normalement ici, il y a une maison avec une torche aussi. On va pouvoir l'allumer. Hop là, c'est celle-ci. Nickel, trouvez la petite maison. Ah, ça veut pas. Ah mais d'accord, ok, il faut les faire dans l'ordre, je crois. Ok, donc celle-là, ce sera la dernière. Ok, c'est parfait. Donc les gars, vous allez derrière un petit peu, derrière le manoir. Du coup, il y a un bateau comme ça échoué. Et sur ce bateau, eh ben, il y a la petite lampe torche, eh oui. Enfin, juste la torche, voilà. On est pas assez évolué pour faire des lampes torches dans Bloxroot. Mais c'est bon. Et là, vous retournez du coup à la petite maison qu'on vient de voir. On allume la torche et ça va le faire, les gars. En théorie, on a réussi en moins de 5 minutes, nickel. Wouh, tu peux entrer dans mon repère maintenant, let's go. Une fois que tout ça est fait, les amis, il va falloir trouver un boss. Le boss Longma. Alors attendez, par contre, je me souviens plus trop de où c'est. C'est où déjà? Je sais plus. Je suis perdu, les gars, avec la brume et tout. Normalement, c'est vers l'autre côté de l'île. Normalement, je me dirige vers le bon endroit, en théorie. Si, j'ai tout bien compris. De toute façon, j'ai le acquis de l'observation, donc ça devrait plutôt se trouver facilement. Dès que je vois un mec qui s'appelle Longma, on se dirige vers lui. Longma, où es-tu, mon pote? Là, il y a que des gardes d'ananas ici. Il y a des jungle pirates. Mais moi, je veux Longma, le boss, les gars. C'est lui qui va nous donner la touchita. On m'a dit qu'il était par là, normalement. Ah, c'est bon. On le voit, ok, il est là-bas. Le acquis de l'observation me sauvera toujours. Nickel, normalement, ah ouais, la porte est ouverte, c'est parfait. Nous pouvons entrer dans son antre. Hop là, on met le acquis pour le défoncer parce que oui, les gars, va falloir le tuer. Oh là là, fais voir à quoi il ressemble. Oh là là, ah ouais, il est grave badant, hein. Ah oui, excuse-nous, frérot. On dirait Ryuma, c'est une dinguerie. Allez, mon pote, par contre, tu prends ta sauce. Tu vas nous donner la touchita, mon pote, t'es plus vite que ça. Allez, mon gars, je sais pas si c'est la touchita qui lui. Wow, ok, il fait mal, il fait un peu mal quand même. Tout doux, frérot, tiens, allez, hop. Tape de la Yoru un peu. Oh là là, mais il est en train de nous défoncer. Je sais pas du tout si c'est les attaques de la Touchita qu'il utilise contre nous. Peut-être que oui, en vrai. Il y a moyen. Bon, en tout cas, ça fait bien mal si c'est ça. Hop là, on le défonce. On lui met des combos interstellaires. Ok, il est plus que midlife. Il est plus que midlife. À nous, la Touchita, les gars. On en a sué 100 et oh, les gars. J'ai passé presque 8 heures sur cette vidéo. Donc, c'est à moi d'avoir la Touchita, mon pote. Et oui, c'est plus à toi. Mais il se régène. Il se régène full life. Je vais péter un câble. Oh là 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 là. Toi, t'es compliqué, toi. Toi, t'es dur en affaire, toi. Allez, hop là. C'est le prix de un mort-vivant de pacotille. Aïe. Allez, boum, redonne-moi de la vie, mon pote. Nickel, maintenant c'est bon, je vais te défoncer. Y'a plus de pitié, y'a plus de pitié entre toi et moi. Viens là, reviens. Hop là, Blue Tears. Ok, dévoreur de monde et c'est bon, item drop Touchita. On l'a enfin, les gars, après je sais pas combien d'heures d'attente. On l'a, les gars. La Touchita, elle est où? Elle est où? Elle est où, la Touchita? Ah, elle est là, les gars. La sœur jumelle de la Yama. Oh, Celestial Swordman, j'ai un nouveau titre. Je suis un épéiste céleste, et oui. Et faites voir ça, oh là là, ok. Donc elle est un peu comme la Yama. Et fait voir avec le haki. Oh là là, bah oui, non mais elles sont trop stylées, les gars. L'aura des épées d'Oden avec le haki, elle est incroyable, les gars. C'est beaucoup trop stylé. Mais il faut que je remette mes stats dans l'épée, quand même. Si on veut voir les dégâts réels, et oui, effectivement, il va falloir remettre les stats un petit peu. Allez, on a tout blindé dans l'épée. Et maintenant, on va pouvoir se la tester. Et bah tiens, ça tombe bien, il y a un petit coffre qui nous fait spawn des petits ghosts. Ok, les ghosts, on va vous défoncer. Allez, on prend nos petites maîtrises. Bah oui, mais tant qu'à faire, ça fait plaisir. Maîtrise combien là avec les trois petits bots là? Hop là, maîtrise 38, ça va. Ça nous donne 38 maîtrises tranquillement. Mais par contre, du coup, les gars, j'ai pas vu les dégâts réels. Voyons voir. Si je tape une fois, ça tape du combien? C'est ça la question. Allez, y a pas un petit cobaye dans le coin? Un cobayouné? Allez. Allez, toi, tu feras l'affaire, mon petit pote. Fishman Captain, ok, on tape du
2338, ok. Alors qu'on est que à la maîtrise 38, hein, ça va être énorme. Ok, 2339, ok, d'accord, ça se vaut, ça se vaut. Et avec l'écharpe de Katakuri, les gars, on va taper du combien? C'est ça la question, parce que ça, ça donne beaucoup plus de dégâts en plus. Allez, hop là, du 2689, ah ouais, quand même. Ça fait 300 de dégâts en plus avec l'écharpe de Katakuri. Je comprends pourquoi tout le monde l'a. Non, ça, c'est incroyable. Ça fait plaisir, mais on va quand même aller se farm les cookies crafters. Et oui, vous connaissez les gars, là maintenant, l'heure est au farm de la Tushita. On va choper toutes ces maîtrises, les gars. Et elles ont l'air incroyables. Surtout si c'est celle que Ryuma, l'autre, là, Longma, il a... il a essayé contre nous, les gars. Si c'est les mêmes techniques, ça va être incroyable. Parce que, croyez-moi, ça fait mal. Allez, hop là, on fait un petit troupeau. Je vais tous vous défoncer, les gars. Vous êtes pas prêts. Les cookie crafters sont foutus. Eh oui, avec le Bouddha, les gars, ça fait plaisir. Maîtrise 115 déjà, c'est parfait. Et on va débloquer Lunge Céleste. Ok, maîtrise 150, c'est Lunge Céleste. Et après, il y a le Pourfendeur Céleste. Ça, c'est vénère. Les deux attaques sont assez... voilà. J'aimerais pas me les prendre, quoi. Oh là là, trop de style. Allez, c'est parti. Là, normalement, les gars, on passe maîtrise 150. Mais je vais tester les Lunge Céleste. Allez, boum. Pas de caprice, là, tout le monde prend son coup de Tushita. Allez, encore un peu, non? Ok, bon, attendez, c'est bon, vas-y. On va pas attendre les Cookie Crafters. On va aller défoncer leur cousin là-bas. Hop là, nickel. Allez, venez là, vous. Donnez-moi mes maîtrises un petit peu aussi, là, vous. On se voit pas souvent, en plus, vous et moi. Allez, venez là. Tout le monde prend sa Tushita, j'ai dit tout le monde. Allez, nickel. 147 et 150, c'est bon, new skill available. On a débloqué les Linges Célestes. ça va piquer. Attendez, voyons voir déjà ce que ça fait. Avid, les Linges Célestes. Oh là là, l'attaque, elle est stylée, ok, d'accord. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt stylé. L'attaque, elle est vraiment vénère. Bon, voyons voir maintenant ce que ça fait sur l'un d'entre vous. Combien de dégâts? L'Ange Céleste, boum. What, les gars? On lui a fait du 6100 de dégâts, mais c'est un truc de fou. Mais je vais péter un câble. C'est quoi cette attaque de fou furieux? 6100 de dégâts? Non, attendez, c'est un bug, c'est pas possible. Mais non, c'est pas un bug. Mais c'est incroyable. Mais l'attaque, elle est beaucoup trop vénère. What? Mais non, mais attendez, il faut qu'on l'essaye sur un groupe. Est-ce que cette attaque marche sur le groupe? Dites-moi que oui. Allez, on les regroupe tous et prenez votre L'Ange Céleste. Et ça marche sur tout le monde, les gars. C'est incroyable. Oh là là, mais quelle attaque de fou furieux. Mais à chaque fois, ça régale, les gars. La Yama, elle m'avait régalé. J'avais galéré à la faire. Elle m'avait régalé au niveau des attaques. Et là, la Tushita, elle me régale encore plus, les gars. Oh là là, leur combo. Non, c'est un truc de fou. On les défonce, les gars. Et Lunge Céleste. Boum. Allez, on les a annihilés, les gars. Elle est beaucoup trop puissante, cette attaque. C'est un truc de fou furieux. Hop là, toi, par contre, tu résistes? Résiste. Mais pas longtemps, parce que j'ai les Lunge Céleste. Allez, boum. Mais il faut partir, monsieur. Ça y est. Il faut partir. Voilà. Merci. Bon, les amis, maintenant, l'heure va être de farm. Attendez, voyons, si ça, c'est les Linges Célestes, qu'est-ce que va être le Pourfendeur Céleste, les gars, en termes de dégâts? Maîtrise 300, quand même. Eh bien, vous le saurez quand j'aurai défoncé encore tous les Cookie Crafters qui restent sur cette île. À tout de suite. Ok, c'est bon, les gars. Maîtrise 298 de la Tushita. Nous avons grandement avancé sur le farm. Et c'est bon, il m'en manque quelques-uns. Allez, hop là, venez. C'est l'heure de vous défoncer, les gars. Il me manque deux petites maîtrises. Allez, on se dépêche. 299. Qui va être l'heureux élu qui va me donner le Pourfendeur Céleste? Ok, c'est sûrement le dernier, c'est sûrement toi. Oh, toi, petit cookie crafter élu. Hop là, Linge Céleste. Allez, donne-moi ce que je mérite. New skill available pour Fondeur Céleste. Ça promet, ça. Bon, voyons voir ce que ça fait déjà à vide, les gars. Pour Fondeur Céleste, ok, on s'arme. Et quelle va être la ta... Oh là là, ok, d'accord, c'est très stylé. Non, l'animation, elle est incroyable. Je sais pas si elle avait été rework, du coup, avec l'update 21, parce que j'avais pas le avant, du coup. Mais là, les gars, attendez, on fait beaucoup plus de dégâts. Regardez, on tape du 2800 comparé à tout à l'heure. Bon, attendez, ok. Maintenant, on va tester le Pourfendeur Céleste sur toi. Boum, 4700, les gars. Mais what? Les gars, ça fait une attaque à 11000. Enfin, les deux attaques réunies de la Tushita, Linge Céleste plus Pourfendeur Céleste, ça fait 11000 de dégâts. C'est quand même super vénère. On va y voir le Pourfendeur Céleste et boum. Oh là là. Ah ouais, là, on en a pris deux, là. Là, on en a pris deux, quand même. Non, c'est incroyable. Les attaques de la Tushita, elles sont insane, les gars. Mais du coup, ça marche aussi sur les groupes ou pas? Hop là, sur les deux, là. Voyons voir. Oui, bah oui, ça marche sur les deux. Je viens de le tester. En plus, je suis bête. Ça marche trop bien. Oh là là, plus Linge Céleste, les gars, on peut faire des combos de fou furieux. C'est incroyable. Non, les gars, je suis vraiment pas déçu. Et bientôt, les gars, on va pouvoir, évidemment, les combiner. Et oui, pour faire la CDK, le Cursed Dual Katana. Et oui, parce que là, on a la Tushita, la Yama, c'est bien sympa, mais il va falloir les assembler. Et je sais pas encore ce qu'il faut faire pour les assembler, les gars. Je vais me renseigner, mais on m'a dit que c'était tendu. En attendant, je kiffe beaucoup trop les attaques de la Tushita. Je sais pas laquelle est ma préférée encore entre la Yama et la Tushita, mais la Tushita, quand même, vu tout le taf qu'on a mis dans cette vidéo, les gars, c'était assez incroyable. Je vous rappelle que j'ai dû défoncer une quarantaine de d'élite boss, quoi, genre. Donc bon, voilà, je suis content.
Allez, avant de partir, ça va prendre sa petite attaque de groupe quand même. Bah oui. Allez, bah oui, ça mange. Allez, ça mange et ça dégage. Merci à tous. Pour Fondeur Céleste, boum. Oh là 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 là, c'est incroyable. Non, là, on les défonce, les gars. On les défonce. Bon, les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur la Touchita vous aura beaucoup plu. Moi, j'ai kiffé l'affaire. On a les deux. Enfin, on a la Touchita, la Yama. On va pouvoir les combiner, les gars. Moi, je suis content. Je suis content là, vraiment. Vu le taf qu'on a mis dans cette vidéo, je suis très très content du résultat. Encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut !